Bonsoir à tous, bande de loulous non vaccinés, j'espère que vous allez tous bien. Nous sommes le mercredi 21 février de l'an 2024. Et ce soir, je vais recevoir un personnage que j'adore et je suis très très content de, de l'avoir sur la chaîne ce soir et de pouvoir le, vous le présenter qui s'appelle Céleste Grant de la chaîne Bunker Sauvage. Alors, au début, j'étais parti sur entretien avec Céleste Grant parce que, comme vous le savez, je, je, je bannis les anglicismes, enfin, j'essaye au maximum de bannir les anglicismes de cette chaîne. Donc, euh, je m'étais dit, bah, interview en français, ça donne entretien. Mais même entretien, je trouvais ça euh, trop solennel et tout. Et euh, dans la forme que j'avais envie de, de, de donner ce soir, c'était plus une conversation. Et c'est comme ça que ça va se passer ce soir. Bah, je vais simplement discuter avec Céleste. Je vais lui poser des questions. Lui aussi, il aura le droit de, de m'en poser. Euh, bah évidemment, il y en a beaucoup sur la chaîne qui le, qui le connaissent déjà. Et en discutant avec lui en off avant, bah lui aussi m'a dit que parmi sa, sa communauté, il y avait aussi déjà des gens qui lui, qui lui parlaient de moi et qui me connaissaient déjà. Donc ce soir, je suis très heureux de pouvoir vous offrir cette rencontre, cette conversation avec Céleste. Avant toute chose avant de démarrer, euh, la petite, une petite minute de, de promotion. Donc si vous aimez l'humour, si vous aimez la subtilité, si vous aussi un jour au détour d'une conversation, vous vous êtes déjà fait traiter de complotiste et comme moi, vous finissez par le prendre pour un compliment, eh bien je vous invite à aller voir le spectacle du Docteur à l'Ouest. Je vais vous mettre les dates à tout de suite à l'écran. Donc, euh, le docteur à qui sera à Blois le vendredi 23 février 2024 euh, à la scène BRG, ce sera à 20h30. Il sera à Paris le 29 février à l'espace Miguel-Ange à, Miguel à 21h. Il sera à Metz le vendredi 1er mars 2024, donc à 20h. Il sera à Reims le 2 mars, à, Bl à Blanc le 16 mars. Et enfin, il sera à Nîmes le samedi 27 avril 2024. Donc, euh, il, pars, il passera, je pense, forcément près de chez vous. Et après, il y a de nouvelles dates à venir, de toute façon. Donc, euh, ces représentations dans toute la France, vous pouvez euh, réserver vos places dès maintenant pour euh, les euh, cinq premières dates. Et pour Nîmes, c'est pas encore la réservation n'est pas encore disponible, mais vous pouvez réserver vos places maintenant sur billeduc. Donc vous allez sur réduc hein, vous tapez Docteur à l'Ouest et vous pouvez réserver vos places. J'avais fait, euh, fait la régie de son spectacle, c'était à Niort, et puis euh, bon bah ça s'était super bien passé vu qu'on avait eu une coupure d'électricité et que tout avait tout avait foiré. Enfin bon, ça reste, un, ça reste vraiment un, un bon souvenir, mais du coup j'ai toujours pas vu la fin du spectacle. Il faudra que j'aille le revoir. Donc voilà, ça c'est fait. Et maintenant, tout de suite, je vais recevoir Céleste Grant. Céleste, bonsoir, comment vas-tu Bonsoir tout le monde, bonsoir euh, le, 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 le chat, bonsoir la communauté, bonsoir Lou, ça va très bien, merci. Bah, comme je disais, je suis très heureux de, de te recevoir sur cette chaîne parce que bah, je t'ai découvert je sais pas, il, y a, il y a un an, un an et demi et, euh, et je me suis vu euh, énormément de points communs. Et puis, euh, bon, bah, je m'imaginais pas un jour euh, avoir l'opportunité la, la, de pouvoir discuter avec toi. On s'était raté, comme je te le disais en off, une fois à deux jours près en Haute-Savoie. Je... En fait, quand j'étais en train de regarder ta vidéo, j'étais garé là où tu étais. Tu vois, ouais. je me suis dit, putain, c'est fou, on s'est vraiment raté à, à, à pas grand-chose. Et euh, donc je remercie Christy au, au passage parce que c'est Christy qui a fait la démarche de, euh, de contacter Céleste et, euh, et Céleste a été très réactive, Voilà, il a donné, il a, il a très vite donné une, une, une réponse positive et euh, bah, je te remercie en tout cas ce soir de, de participer à cette conversation. Merci à vous. Alors Céleste, comment pourrais-tu te présenter, s'il te plaît, justement pour des gens qui ne te connaîtraient pas du tout Je suis euh, youtubeur dans le sens où je, je fais que ça en tant qu'activité principale c'est ce qui me ramène de l'argent euh, donc c'est mon boulot euh, avant d'être youtubeur j'ai toujours été dans l'audiovisuel donc je suis vidéaste je fais des vidéos en gros euh, si youtube n'existait pas pas je, je ferais quand même des vidéos euh, et donc quel type de vidéos je fais euh, là ces derniers temps le, le plus récemment possible je suis quelqu'un qui va faire des randonnées souvent longues, pas juste une randonnée à la journée, c'est souvent euh, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Euh, et pendant ces randonnées, mon format de prédilection, c'est de, de faire une vidéo par jour. Donc si la vidéo, si la randonnée dure 14 jours, je fais 14 vidéos euh, que je filme immédiatement. Je filme, je les publie le soir même. Et euh, et ma petite particularité, je pense, d'après les retours qu'on me fait, c'est que je parle de sujets d'actualité, de société. Je philosophe. Je parle de spiritualité, euh, de sujets un peu tabous. Alors quand je dis tabou c'est-à-dire que je suis pas, je fais pas partie de ces youtubeurs euh, qui sont dans la bien-pensance, qui essayent de pas faire de remous. Et moi, c'est un peu l'inverse. C'est un peu comme toi. Je, je fous les pieds dans le plat. Je vais exprès là où les gens ne veulent pas aller il y a souvent les mots qu'on n'a pas envie d'entendre qui sont très vite prononcés et, euh, et du coup c'est ce qui plaît et c'est ce qui dérange en même temps et euh, et, et, et l'autre particularité je pense que c'est une part d'humour c'est-à-dire que souvent je, je fais un peu le con je, et c'est ce qui plaît parce qu'en fait j'aborde au final j'aborde des sujets euh, on va dire importants ou graves mais avec une certaine forme de légèreté, sans tomber, comme on parlait en off, d'une sorte d'anxiété ou, ou un côté alarmiste qui fait peur aux gens. Mais globalement, randonneur, survivaliste, je, je, je mets des guillemets parce que c'est euh, un, un mot maintenant, il veut, il veut beaucoup dire, il est très connoté. Et euh, oui, complotiste euh, slash complotiste. Voilà, je sais, je pense que ça me définit à peu près bien. En tout cas, maintenant en 2024, c'est à peu près là-dedans que je me définis. Euh, ouais, bah, je regardais ça dans, dans la dernière vidéo que tu as publiée justement avec euh, C'était Ma Ferme Autonome qui a changé de nom maintenant. Je crois que ça s'appelle Vivre Sans Argent. Enfin, à la base, il s'appelait Vivre Sans Argent, puis après, ça a été Ma Ferme Autonome, puis maintenant, c'est revenu euh, Vivre Sans Argent. Et en effet, il expliquait que, euh, bah ouais, il y a des connotations, il y a des étiquettes qui vont avec les mots. Euh, J'en parlais samedi dernier justement dans, dans mon journal où, Mais euh, en effet, l'étiquette survivaliste, bon, bah très vite, c'est connoté extrême droite, parce que le survivaliste serait un mec armé jusqu'aux dents, tu vois après après euh, un effondrement et à, à se défendre face aux migrants qui viendraient le, le, le dépouiller de tous ses biens et euh, l'étiquette autonomiste donc de gens qui sont dans l'autonomie très vite tu te retrouves avec une étiquette euh, bas de gauchiste <laughs> tu oui, vois et, euh, et donc bah c'est en fait ces deux choses là fonctionnent, euh, fonctionnent ensemble et puis bon bah quand j'écoutais cet après midi justement euh, le, ton dernier, ton dernier invité là la dernière euh, comment il s'appelle euh, Vivre sans argent. Bah, il expliquait que lui, euh, il, se, il se retrouvait avec les deux étiquettes. Et euh, Moi, ça a été mon cas aussi. Je me suis retrouvé avec les deux étiquettes et je pense que ça a dû t'arriver aussi. Tu te retrouves avec oui. les, 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 euh, les deux étiquettes. Oui, oui, oui. Encore plus quand on a une barbe. Euh, quand, on a une <laughs> quand on a une barbe et euh, on, on a dessus de l'étiquette. Ah, ben, ça doit être un gaucho, euh, fumeur de joint. Et, et, euh... Et, euh, et puis après, le, le gars ou la nana regarde la vidéo, puis par les discours, il se dit Ah ben non, en fait, c'est un facho de droite. Et, euh, et puis, en fait, du coup, je pense que les gens ont besoin de nous mettre dans des cases, mais ça les frustre quand on n'est pas dans la leur. Du coup, ouais, c'est vrai que oui, on, on se les tape, ces étiquettes. En tout cas, juste avant qu'on continue, je voulais te remercier du coup pour la proposition euh, d'invitation ce soir. Je remercie aussi tous les gens qui sont euh, bah, avec nous. Je, je montre là parce que c'est là où moi j'ai le retour, où je vois le chat. Euh, je vois tous vos commentaires, principalement sur euh, bah, moi sur YouTube, parce que je ne suis pas sur des lives, c'est ça On est en même temps sur des lives, c'est ça Ouais, sur des Live. Alors sur YouTube, je vois, ils sont euh, 336, là, en tout cas, c'est le chiffre que j'ai. Et sur des lives, il y a 910 personnes. Oh oui, putain, oui. Ah oui, putain, en effet. Bonsoir à tous. Ah ben, du coup, moi, je n'ai pas les commentaires des gens sur des lives, donc n'hésite pas à les, à me les dire ou les lire quand il quand y a des gens qui, qui écrivent ou qui parlent. Et, euh, et je tenais aussi à dire coucou aux gens de ma communauté qui sont venus, qu'on fait l'effort de venir ce soir pour, pour nous voir sur ta chaîne à toi. Donc merci à vous d'être venus, les, les Sauvageons. Bah, merci, euh, merci à toi d'être venu. Donc ouais, euh, ces étiquettes dont on parlait, c'est un petit peu celles qui enferment qui enferme la société actuellement. En fait, tu ne peux plus te permettre d'avoir de, de comment dire une pensée un petit peu complexe. Parce qu'automatiquement, on veut te ranger dans des cases. Et puis, euh, bah, quand tu discutes avec les gens, bah, ils sont euh, aujourd'hui, en tout cas, ils sont emmerdés parce qu'ils n'arrivent plus à te ranger dans une case. Tu vois, ils veulent te mettre dans la case de gauchisme. sinon, ça convient pas. La case d'extrême droite, elle convient plus non plus. Bah, ouais, mais c'est ça en fait. Je veux dire, euh, les, les, tout ce qui se passe aujourd'hui, le monde dans lequel, dans lequel on vit, est bien plus compliqué que de pouvoir catégoriser les gens avec des étiquettes et des cases. En tout cas, pour ceux qui pensent et qui réfléchissent. Oui, après, moi, j'ai quand même remarqué, si, on, si, si tu veux qu'on rentre dans le vif du sujet, <laughs> après deux minutes de live, j'ai quand même remarqué, c'est-à-dire que moi, dans mes vidéos, je, je ne dis pas que je suis de droite ni de gauche, je ne l'exprime pas, mais à chaque fois que j'ai été qualifié d'un bord politique, c'était souvent par des gauchos. C'est-à-dire que c'est souvent le gauchiste qui vient me dire, ah, tu es un facho de droite. J'ai rarement mmh. été insulté par un droitard de gaucho, en fait. Donc, même s'il y a les deux étiquettes, je me rends compte que c'est plus souvent le, le gaucho qui est offusqué, que tu rentres pas dans sa euh, vision du monde, que le droitard. Et au final, euh, j'ai envie de dire, si on veut parler de tolérance, j'ai l'impression que le droitard est plus tolérant, paradoxalement. <laughs> Alors, euh, par rapport justement à, à qui tu es, à ta chaîne et euh, au message, je trouve, que tu véhicules, il y a un, un slogan mais je me le réserve en fait, je me le garde. Mais <laughs> Je vais te le sortir. C'est un slogan, je me le garde sur, euh, pour ma chaîne Survivalou parce que j'ai une chaîne aussi où je fais un petit peu de survie. Pour l'instant, il y a qu'une vidéo. donc qu avant je faisais beaucoup de, de trucs comme ça, mais je ne filmais pas. Et ouais. puis euh, après, là, je suis plus passé dans, dans, les, dans les formats directs, tout ça. Mais j'essaye justement de, de m'orienter un peu plus vers euh, bah, plus de vie. Mais en tout cas, un slogan qui pour moi te conviendrait très bien, c'est Faites de votre vie une aventure parce que c'est l'impression que ça donne c'est euh, l'impression que ça donne c'est que bah, au, au bout d'un moment tu en avais marre un petit peu de la, de la monotonie de cette vie d'être euh, peut-être un salarié euh, dans des boulots qui te plaisaient pas et tu t'es dit euh, non c'est pas de ça dont j'ai envie donc euh, c'est bon je décolle je vais vivre de choses simples mais au moins je vais vivre et je vais vivre des aventures et donc pour vivre ces aventures tu te fixes des défis et euh, alors, il y a eu le défi, le, le messager, je crois que c'est sur Saint-Jacques de Compostelle. C'est ça euh, Non, c'est deux différents. Il y, y a eu Compostelle et après, il y a eu le messager qui a, qui a été d'aller jusqu'à Lourdes avec un âne. Tu en, en, en es à combien d'aventures comme ça euh, qui ont été euh, épisodiques que tu as publiées sur ta chaîne euh, ben En fait, c'est assez simple. Euh, juste après le confinement, donc on a été déconfiné, j'ai fait Compostelle. Donc là, j'ai filmé les deux mois. Il euh, y a une vidéo par Ça s'appelait hein, comment euh, ce, cette série Compostelle Le pèlerin. Le pèlerin. Le pèlerin, voilà, c'est ça, excuse-moi. Ouais. Et euh, après, il y a eu les sentiers Qatar. Euh, C'est-à-dire que c'est une rando de 14 jours où, en fait, euh, parce que en fait, moi, je suis dans le sud de la France, je suis en Occitanie. Et ici, il y avait les, 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 les chrétiens de l'époque, on les appelait les Qatars. Et, euh, et si tu veux, ils ont été tous euh, éradiqués. Ah, et si connais. tu veux. Il y a une randonnée qui refait tout le parcours des Qatars avec les châteaux Qatar et tout ça. Donc j'ai fait celle-là aussi. Euh, je l'ai fait pieds nus, celle-là. C'est là où j'ai commencé à me mettre des défis. Mmh. Euh, après, il y a eu la randonnée de Robert Louis Stevenson. Donc c'est un écrivain. Euh, voyage avec un âne dans les Cévennes. Donc il a, il a traversé, pareil, deux semaines, les Cévennes avec un âne. Donc je l'ai aussi le fait. Le de Stevenson. Voilà, c'est ça. Je l'ai aussi ça, fait. Ça, c'était avec... le messager, alors ben, C'était Stevenson. Et c'est à la fin. C'est quand j'ai fini Stevenson, j'avais pas envie de rentrer. Je me suis dit, ben, je continue. Donc j'ai trouvé un âne qui était le mien, parce que le, ce, le premier, je l'avais loué. Et du coup, là, quand j'ai trouvé mon âne, j'ai marché jusqu'à Lourdes. C'est là où ça a été le messager et où j'ai rencontré ma, ma compagne. Et, euh, et le dernier en date, ça a été le, le truc le plus épique que j'ai fait, on va dire, c'est que je suis parti de France et j'ai été jusqu'à Rome en calèche donc vraiment parti une de calèche Conque, à l'ancienne euh, Conque qui est sur ouais. le chemin de Compostelle un village en Aveyron euh, je suis parti de Conque donc, qui est aussi euh, sur Compostelle je suis parti de Conque et j'ai été euh, d'abord jusque dans les Alpes, j'ai franchi la frontière et après j'ai été jusqu'à Rome donc c'est un chemin qui s'appelle la Via Francigena, c'est une sorte de Compostelle mais italien et là, lui, il nous a pris quatre mois. Je dis nous parce que là, je j'étais pas tout seul, j'étais accompagné donc de ma copine. Et on a fait ça en calèche et aussi avec deux ânes. Et à chaque fois, sans si objet moderne et tout ça, quoi. Alors, si tu es d'accord, on, euh, on va regarder tout de suite justement pour ceux qui connaissent pas, ben, le générique de euh, l'aventure le pionnier donc, ah, que tu as fait en calèche de Conques en France jusqu'à Rome. Je ne compte plus le temps que j'ai passé à ne pas vivre ma vie, le temps perdu à ne pas écouter mon cœur. C'est décidé. Il n'y a plus une seconde à perdre. Il est l'heure à présent de prendre un nouveau départ, de devenir enfin le cocher de mon propre destin. Je m'appelle Céleste Grande et j'ai décidé de tout quitter. Laissant derrière moi ma maison et le confort d'une vie sédentaire, je m'extire désormais vers une voie différente, une voie à contre-sens, une voie à contre- -temps. Je parcours dorénavant le monde en calèche, en quête d'une vie simple, au rythme paisible des sabots de mes compagnons, renouant ainsi avec les traditions oubliées et le folklore d'une époque perdue, un âge où l'on savait prendre son temps, où l'on savait s'écouter, où l'on savait s'aimer. Le retour à la douce vie, comme une mélodie italienne, la dolce vita, m'appelle. Je me rends donc... À de ma bien-aimée à Rome pour cette nouvelle aventure. Une ville riche d'histoire et d'artistes de renom. Et qui sait, peut-être y croiserai-je le pape, symbole fort de cette cité. Pour ce périple, je désire faire ça à l'ancienne, façon 19e siècle, sans objet moderne, excepté, je l'avoue, mon téléphone. Utilisez tel un carnet de voyage pour vous partager chaque jour une nouvelle vidéo. Maintenant, prenez place dans le chariot et observez l'attelage ouvrir la voie. c'est le c'est le pionnier c'est disponible sur sur la chaîne de céleste donc il s'appelle bunker sauvage vous allez vous pouvez voir tout ça gratuitement sur sur sa chaîne youtube et, euh, et dans le truc où je disais, ben faites de votre vie une aventure. Vous avez vu, moi ce que je fais le samedi, euh, je vous montre un petit peu le monde dans lequel on vit. J'essaye de tourner vraiment ça à la dérision euh, avec euh, avec de l'ironie. Mais euh, bah ouais, on se rend compte qu'on vit dans un monde. Euh, C'est pas super marrant de vivre dans, dans ce monde-là tout le temps. Et euh, bah ça tient qu'à nous de changer les choses. Je vous ai regardé, Céleste, il est l'exemple même de ça. Il a euh, il a il a décidé en fait de se, de se créer des défis. Et ces défis, ça fait de sa vie une aventure. Puis en même temps, il s'est dit, bah tiens, vu que j'ai des compétences dans la vidéo, je vais partager tout ça sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, ça, bah ça, ça lui permet de, de pouvoir vivre bah, une vie d'aventure. Et puis en plus de ça, de, de pouvoir la partager avec nous et en plus d'en vivre. Donc, euh, je ne sais pas si tu connais le concept d'ikigai. Non. Bah, euh, c'est euh, un concept qui, c'est japonais, je vais te faire un résumé vite fait. Tu euh, as quatre conditions en fait à remplir pour euh, être euh, dans ton ikigai, c'est-à-dire ta raison d'être. C'est de faire quelque chose qui te plaît, faire quelque chose que tu fais bien, faire quelque chose qui sert aux autres. Et je trouve que ce que tu fais, ça sert aux autres. Et, euh, et la quatrième condition, enfin, c'est de réussir à en vivre. Et, euh, et donc, bah, tu remplis les, les quatre conditions. Il me semble que tu es au centre de ta raison d'être. Ben, euh, je ne connaissais pas. Euh... Ce que tu viens de résumer là, c'est ce que j'éprouve depuis assez peu au final. Je, en fait, de, de, de m'être trouvé, je me dis, ah putain, j'ai enfin un truc où je suis dans un équilibre. Tu, tu, tu viens de parfaitement le résumer. En fait, c'est j'ai réussi à me dire, j'aime bien la nature, marcher, j'aime bien faire des vidéos. Tiens, j'aime bien faire des vidéos pour YouTube. Tiens, ça me, gagne, ça me fait gagner de, de l'argent qui me permet après de repartir à l'aventure. Et c'est exactement ça, mais je savais pas du coup que ça portait ce, enfin qu'il y avait un gars qui avait donné une sorte de philosophie à ça. Ikigai, c'est ça. Ikigai. Ikigai, ok, ouais, j'aime bien. c'est exactement ça. Tu l'as parfaitement résumé. Et tu trouveras facilement en tapant ikigai, c'est i-k-i-g-a-i sur sur YouTube. Tu trouveras. Ok, je le marque dans le chat pour retenir là. Ouais et euh, tiens bah justement je voulais te, te poser une question par rapport à une question euh, que je vois dans le dans le clavardier c'est Frizette qui demande Céleste est-il un enfant de la bourgeoisie et bah, figurez-vous que c'est une question que j'avais l'intention de lui poser ce soir parce que il euh, y a des choses comme ça euh, qui bah, qui me fascinent qui euh, je veux dire on a on a l'air de pas avoir les mêmes origines sociales euh, avec Céleste et pourtant bah, je disais tout à l'heure, c'est marrant parce qu'on finit, on, on finit par se retrouver un petit peu sur le, le même chemin de vision de la vie. Et, euh, et donc, Céleste, bah, c'est la question que je voulais te poser. Quelle est ton origine sociale Est-ce que tu as grandi en ville Est-ce que tu as grandi euh, dans, dans une famille riche ou peut-être euh, une famille de la classe moyenne ou peut-être même carrément le, le prolétariat euh, Voilà, c'est ma question. Quelle est ton origine sociale, euh, Céleste Est-ce que tu peux nous faire un petit parcours de ton enfance oui, je peux, je peux, je peux. J'adore ce genre de, de, de questions qui passent pas. J'aime bien quand on va droit au but. Moi, j'ai ai toujours aimé les gens qui vont, qui sont francs, qui qui sont pas là enrobés de simagrés, machin. Euh, je te fais la version ultra courte ou je, je, je fais durer le suspense. Tu peux prendre ton temps, vas-y. Non, en vrai de vrai, cette question je l'aime bien parce que c'est la question qui revient le plus souvent parce que les gens se disent euh, automatiquement. Oui, mais euh, s'il si se barre quatre mois à marcher avec des ânes et une calèche, euh, c'est qu'il a les moyens, c'est qu'il a un compte en banque, c'est qu'il a un héritage, c'est que il a gagné au loto, ou je sais pas. Parce que pour eux, ça leur paraît tellement inaccessible et extraordinaire qu'il y a forcément une explication financière. Et la réalité, et ça, je ne m'en cache pas, c'est que je viens d'un milieu euh, prolétaire. Euh, alors, moi, prolétaire, quand je dis prolétaire, c'est. Euh, c'est vraiment ouvrier, quoi. En fait, je viens d'une classe... Je peux... En fait, je... éthiquement, je ne peux pas dire pauvre parce que... Oh, parce classe que si moyenne, tu... quoi. Ouais, mais classe moyenne moins. Tu sais, parce qu'il y a aussi ce truc de classe moyenne plus, 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 ou je sais pas quoi, là. Moi, c'est quand même classe moyenne moins parce que, si tu veux que je parle de l'enfance, euh, sur mes deux parents, j'en ai qu'un qui travaillait. Euh, parce que ma mère était au foyer, elle nous a élevés. Quand je dis nous, c'est parce que je viens d'une famille nombreuse. Euh, du coup, elle a élevé les enfants, euh, ma maman. Et, mes par... Et mon père qui travaille, qui travaillait parce que maintenant, il est à la retraite, euh, ce n'était pas non plus un salaire de ministre. Mes parents sont de profession euh, magicien, en fait. Alors, ça, ça, je crois que c'est une des premières fois que je le dis quelque part, ça, en live ou ailleurs ou je sais pas où. Mais en fait, ils sont, ils sont dans le, ils font des spectacles de magie. C'est des magiciens, quoi. C'est des artistes. Euh, mais euh, comment dire, euh, pas avec contrat, pas intermittent, pas, euh, pas Patrick Sébastien, si tu veux. Quand je te dis magicien, c'est mon père a toujours été passionné de magie. Il fait et depuis qu'il est gamin. Il fait des spectacles à droite à gauche, on l'appelle, hey, tu peux venir pour l'anniversaire de machin, milieu. Et du coup, ils ont, ils ont tenté, parce que ça n'a pas été facile, tenté d'en vivre. Et, euh, et du coup, là, je viens d'un milieu, moi, classe sociale, pas du tout aisé. Euh, les trucs. Les... Donc là, la question qui vient à l'esprit des gens, c'est oui, mais du coup, comment tu fais la TORSA Ou c'est quoi Enfin, je devance les questions. <laughs> c'est euh, oui, mais du coup, c'est quoi qui finance ben oui, j'ai été au RSA. J'ai été au RSA. Euh, D'abord, attendez, avant il y a eu les études, j'ai été étudiant boursier. Donc, parce que moi, mes parents m'ont dit Bon, ben, Céleste, si tu veux aller à Toulouse faire tes études, c'est bien, mais tu te débrouilles quoi. Donc, déjà, j'ai bossé pendant mes études. Euh, J'avais euh, la bourse des étudiants. Et ensuite, quand j'ai fini mes études, euh, ben, j'ai eu un coup de bol monstre c'est que j'ai trouvé un boulot. Euh, je bossais pour la télévision, j'ai fait un dessin animé. Donc là, ça a été mes premiers salaires, en fait. Après, j'ai fait 10 milliards de boulot, j'ai fait de l'intérim, Enfin, que ce soit dans le BTP, tout ça, enfin, on pourra en parler, mais bon, je ne veux pas rentrer dans les détails non plus. Enfin, je peux, s'il si y a besoin, je veux dire, mais je ne veux pas que ma réponse soit trop longue. Et après, ben, euh, il y a un moment donné où j'étais euh, donc à Toulouse, et je... au fait, pardon, j'ai oublié de préciser, j'ai vraiment grandi à la campagne. Moi, je suis un campagnard pure souche, euh, euh, campagne profonde. Et euh, du coup, je suis vraiment monté à la ville juste pour les études à Toulouse, en l'occurrence. Et quand j'ai fini mes études euh, et que j'ai trouvé le petit boulot que je disais à la télé, j'ai bossé cinq ans comme ça. Et à un moment donné, j'ai étouffé à Toulouse. En fait, je me suis dit mais la ville, en fait, ça me déprimait. Euh, nous, on est très famille. Je me sentais loin de ma famille. Euh, mes amis euh, ils avaient leurs études à eux donc on se voyait pas non plus tant que ça moi j'avais fini les miennes d'études eux pas encore où ils étaient ailleurs enfin bref il y avait un truc où je me suis senti seul en fait à Toulouse et du coup au bout de cinq ans après euh, mes études je suis revenu à la campagne au fameux bunker sauvage au moment du confinement euh, donc c'est là où j'ai commencé ma chaîne bunker sauvage et là j'ai eu une période avec le RSA, parce que si tu veux, entre le fait que j'ai arrêté mon boulot, donc j'étais intermittent du spectacle, parce que je bossais pour la télévision, euh, j'ai eu cette période où je me suis dit, ok, donc là, pendant quelques mois, j'ai le RSA, je ne fais rien d'autre que YouTube. En gros, je me suis dit, euh, c'était un challenge, quoi. Je me suis dit, je, je charbonne tous les jours une vidéo, machin. C'est de là que vient mon format, une vidéo par jour, d'ailleurs. Je, je m'en fous, même si je gagne... Euh, pour moi, même si je gagnais 3 euros, j'étais content. C'était genre, ben c'est bon, ma vidéo m'a rapporté 3 euros. Et en fait, jusqu'à ce que j'arrive à un moment où je euh, j'ai plus besoin du RSA. Donc, pam, je me suis extirpé du truc et là, j'ai continué dans ma lancée. Euh, ben voilà, en fait, une fois, une fois révélé, c'est pas très. Pas très euh... <laughs> Ça casse peut-être un peu le mythe. Mais euh, voilà, tu m'entends toujours là Ouais, ouais, toujours non non mais au contraire moi je trouve ça je trouve ça très très bien c'est un, un, un exemple pour les gens euh, c'est ce que je disais on on prend, des, euh, on prend on prend des chemins différents et puis euh, au final on finit par en arriver par la, 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 à la même vision de, de vie euh, <coughs> moi je viens d'un milieu euh, bah, plus que prolétaire en fait j'ai grandi en banlieue parisienne j'ai très vite été placé en foyer tu vois, et, euh, et euh, on va dire la, la pauvreté de la pauvreté tu vois. Et, euh, et moi aussi, à un moment, en fait, ça a été le chemin inverse de toi. C'est que moi, je vivais en banlieue, en ville, depuis toujours. Et euh, le moment où j'ai pu partir à la campagne, ça a été, euh, j'ai compris ce que c'était que l'oppression de la ville. Tandis que toi, tu viens de la campagne, tu es parti à la ville et c'est là que tu as compris que ça t'oppressait et ta campagne t'a manqué, tu vois. Moi, je connaissais pas ça avant. Et le fait de partir à la campagne, et euh, en fait, j'ai construit une cabane sur un terrain privé et je suis resté deux ans et demi dans cette cabane qui a ni l'eau courante ni l'électricité, tu vois. Et, ouais. euh, et c'est à partir de là, en fait, que euh, petit à petit, je me suis mis sur les réseaux sociaux et j'ai commencé à, 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 à faire cette chaîne, mais ça s'est vraiment enchaîné de manière euh, totalement hasardeuse, tu vois. Et euh, c'est deux parcours différents, mais euh, au final, on voit, euh, on voit la vie exactement de la même manière, parce que moi, je pense vraiment qu'il faut faire de sa vie une aventure, et pour faire de sa vie une aventure, c'est des décisions. Donc, il faut décider, il faut se fixer des défis. Et quand je te disais que, euh, je te disais en off, tout à l'heure, tu m'as inspiré sur des trucs. C'est euh, quand je suis parti faire euh, une portion du chemin de, de Saint-Jacques de Compostelle, donc du puy en jusqu'à Conques. Donc je suis parti avec, euh, avec ma Maloulu. Bon, elle est connue maintenant sur les réseaux sociaux sur le, nom, sur, sur le surnom de la Loulouf Donc je suis parti avec Maloulu comme je te disais que j'ai rencontré au bal des Quenelles et, euh, et donc, on est, euh, est parti sur, sur cette portion. Et, euh, et à ce moment-là, là où tu m'as inspiré, c'est que je me suis dit Putain, le mec, lui, il faisait une vidéo par jour. Et je me suis dit Bah, en même temps, je vais me lancer le défi de faire ça. Donc, je suis parti regarder sur ta chaîne euh, quel logiciel tu utilisais. Donc, euh, InShot, parce que tu faisais tout ça à partir de ton téléphone ouais. portable. Et moi, j'ai fait cas. du montage. J'ai fait du montage vidéo aussi, mais toujours sur ordinateur. Et le fait que tu arrives à réaliser ce genre de choses juste avec le téléphone portable, je me suis dit, putain, je suis à, à la bourre niveau technologie. Faut Il euh, faut que je me mette à jour. Et donc là, ouais, de ce côté-là, tu m'as inspiré parce que euh, bah, j'ai téléchargé une shot genre deux jours avant de partir sur Compostel. Je savais pas du tout m'en servir. Je m'en ouais. suis servi un petit peu à l'arrache et j'ai réussi à, à publier une vidéo par jour pendant 12 ouais. jours. Et euh, je me suis dit, bah ça y est, ça... <laughs> ah ouais, grâce ouais, à est... toi, en tout cas, ça, ça, ça a fonctionné dans ce sens-là. Ben merci, mais tu vois, par rapport à ce que tu dis, c'est là où je te dis que oui, toi, tu me parles de que tu viens d'un milieu euh, de, urbain, que tu as été en foyer, machin. C'est pour ça, par rapport, si tu veux, à toi, j'ai un peu honte quand moi je dis euh, oui, euh, je viens d'un milieu pauvre ou machin, parce que si tu veux, il y a toujours plus pauvre que soi. Et, euh, et, et du coup, c'est pour ça que. C'est pour ça que, que, que j'ai du mal à dire ça. J'ai pas envie de me faire plaindre en mode oh là là, on n'avait pas d'argent, on bouffait des mandarines à Noël. Mais en vrai, il y a quand même de ça aussi. Tu vois, j'ai pas envie de, de m'inventer une vie qui n'a pas existé. Mais le, ouais, le, mais le problème. Un, Quoi un, un, un truc, un truc, un truc qui me, comment dire, qui me, je sais pas, que, que je vois chez toi en fait, qui est, qui est très présent chez toi, chez moi, c'est le respect. T es hyper respectueux et euh, comme si justement parce que j'ai constaté un truc c'est que souvent les gens qui grandissent dans un, ca un cadre familial genre couvé tout ça tu vois où on en fait un petit peu des enfants rois c'est souvent des gens qui oublient d'être respectueux dans la vie tu vois et, euh, et toi je te trouve hyper respectueux et, euh, et en ça je me dis bon bah le mec il a dû euh, il a un parcours de vie quand même ça a pas dû être tout le temps euh, non plus euh, simple tu as dû être confronté à pas mal de choses quoi. exactement exactement après bon tu vois après c'est la vie de chacun mais euh, c'est après, tu sais, un truc qui sera une épreuve pour une personne ne sera pas pour une autre. Je veux dire, un enfant qui a ses parents qui divorcent va, va vivre ça comme la pire des tragédies, alors que ça se trouve, un autre va se dire oh, Bon, bah, ça va, c'est pas très grave. Enfin, ce que je veux dire, c'est que chacun voit la difficulté à son niveau. Et il n'y a pas une échelle de la souffrance quoi, et, ou de la douleur. Et, euh, mais c'est juste pour dire que moi, le seul truc qui m'a toujours sauvé, euh, mentalement, je parle, c'est la vidéo. J'ai toujours été dans la vidéo parce que, comme je te dis, je viens d'une famille nombreuse et euh, c'est vrai qu'à un moment donné, la question s'est posée est-ce que moi aussi je serais magicien comme mon papa et tout mais, euh, mais en fait, finalement, je suis parti dans la vidéo et, et la vidéo, c'est de la magie en fait. Tu, tu manipules le temps, l'espace, tu, tu fais apparaître, disparaître des choses. C'est, je veux dire, les frères Lumière qui ont créé le cinéma, euh, c'était des meillets, Georges Meillet, George Meillet c'était magicien quoi. Euh, et, et c'est ça le truc, c'est que à la base, les gens oublient que la vidéo vient du cinéma et le cinéma vient à la base de gens qui font du spectacle. Donc au final, moi, ne pensant pas prendre les mêmes traces que mes parents, j'ai pris la même trace qu'eux en fait. J'ai pris euh, cette vie de, 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 de. Comment dire Je voyais quelqu'un dans le chat qui disait Saltimbanque. J'ai pris mmh, cette vie de, ouais. de, de, de divertisseur, quoi, de spectacle, de, de spectacle en fait. Et. Quand YouTube est arrivé, je ne sais plus en quelle année, mais je me rappelle très bien. Euh, moi, j'étais sur YouTube quand c'était encore en anglais. Euh, tu ne pouvais pas t'abonner au début. Tu mettais des systèmes d'étoiles. Moi, j'ai vraiment été en... sur YouTube. Euh, J'y allais juste parce que je pouvais mettre mes vidéos en ligne et parce que j'avais pas. <laughs> parce que j'étais trop pauvre pour m'acheter un disque dur. Donc, ça me permettait de mettre mes vidéos quelque part et de pouvoir effacer mon disque dur et d'en créer de nouvelles. Et c'est pour ça que, si tu veux, maintenant, les gens, ils arrivent en 2024. Oui, mais facile. L'autre, il a une caméra dernier cri. Euh, il va marcher quatre mois. C'est un branleur, machin. Oui, mais en fait, il y a, ça sort pas de nulle part. Il y a eu. Euh, c'est comme si tu critiquais un mec qui arrivait au sommet de l'Everest. Oui, mais facile. Euh, oui, mais il vient de grimper, le gars. Tu vois, en fait, les gens oublient qu'il y a eu euh, une grimpade à un moment donné, quoi. Ah bah tiens, un point commun qu'on a ensemble aussi. Moi aussi, c'est la vidéo. Je suis tombé dans dans la vidéo très très tôt hein, dès que j'ai pu avoir mon, mon premier ordinateur. Euh, je me suis mis à faire des, des montages vidéo, j'ai beaucoup été dans la, la réalisation de clips. Alors les gens ne s'en rendent pas compte aujourd'hui parce que je fais, maintenant je fais surtout des directs. Je suis très ouais. à l'aise en direct, donc je fais surtout des directs. Mais euh, ouais, j'ai fait beaucoup de montage. Ben D'ailleurs, on pouvait en retrouver quelques-uns sur sur ma chaîne, ou même le documentaire que j'avais fait sur sur Tavistock Institute. Mais euh, c'est vrai que la vidéo, c'est un, ah, je sais pas, c'est une passion. Alors j'ai pas mal d'heures de montage, pas mal d'heures de vol de montage à, à mon actif. Mais je, je crois que je crois que toi, tu dois, je crois qu'à côté, je suis une majorette. Tu dois en avoir beaucoup, beaucoup. Mais euh, tu as une je formation je... là-dedans, toi, si je me trompe pas. Tu fait une formation dans le cinéma, non Ou un truc non, comme ça, non, hein non, non, non. Non, j'ai appris tout seul parce que. <laughs> bon, après, ça fait très Cosette, mais en fait, euh... non, non j'ai vraiment appris tout seul. En gros, nous, on a eu dans la famille, on a eu, inter... on a eu un ordinateur super tard. Mais quand je dis super tard, c'est-à-dire que, que les gens euh, avaient déjà Internet, machin. Et après, on a eu Internet encore plus tard. Et du coup, quand j'ai eu mon premier ordinateur, enfin, c'était pas mon premier, c'était quand j'ai eu un ordinateur familial c'est tu sais, qui est dans le salon que tout le monde se partage tu vois euh, en fait j'ai un pote je me rappelle c'était un pote au lycée ouais lycée pas collège lycée c'est un pote au lycée qui m'a donné Adobe Premiere v1 j'ai le premier Adobe Premiere c'est à dire maintenant Adobe Premiere tout le monde connaît c'est c'est un logiciel de montage pour les gens qui ne connaissent pas moi j'ai le premier en, en disquette machin j'ai ouvert ça et j'ai dit alors on clique. Et j'ai cliqué à l'heure, parce qu'il n'y avait pas de tuto, nous, à notre époque. De... J'ai 35 ans, en fait, pour les gens qui se demandent, je suis de 88. <laughs> J'allais te demander, justement. Donc, il n'y avait pas de tuto. Et quand bien même, imaginons, il y aurait eu des tutos. Avait... J'avais pas Internet, moi. J'avais pas Internet. J'étais dans la campagne, j'avais pas Internet. Donc, si tu veux, euh... j'ai vraiment appris tout seul. Mais quand je te dis tout seul, c'est vraiment, euh, j'essaye, je... quoi, j'essaye. Par exemple, quand tu exportes ta vidéo, là, que tu as 10 000 formats, tu as des points point .mpeg, point .mp4, point truc, je les ai fait un par un et je notais sur un papier. Alors lui, il a des bandes noires, alors lui, c'est un peu pixelisé, alors lui, le son, il grisille. Alors je notais et j'en suis ouais. arrivé tout seul à la conclusion que c'était le MPEG 2, <laughs> le meilleur codec, parce qu'on a tendance à dire mmh. format, mais ça s'appelle un codec. Bon, bref, je, pas... je veux pas faire la causette qui vient de loin. Non, mais, mais on, a exactement... on a exactement le même parcours. Juste moi, que si tu veux. Quand après, je vois des jeunes trous du cul qui arrivent et qui disent, euh, ouais, mais machin, euh, euh, merci papa maman qui t'ont payé des études. Il n'y a, a eu rien payé. J'ai fait que de l'école publique. Euh, quand j'ai été au, donc j'ai fait l'école des beaux arts à Toulouse. Euh, mais ça, c'est parce que j'ai échoué les écoles de cinéma. Moi, j'avais tenté des écoles de cinéma à Toulouse et à Paris. Je parle. J'ai jamais été pris. Et un beau jour, euh, j'entends parler de l'école des beaux arts. Je savais pas trop ce que c'était à Toulouse. Et moi, écoute bien, non, mais c'est pour te dire à quel point j'aimais juste bien l'école des Beaux-Arts parce qu'elle était à côté de la Garonne, à Toulouse. Parce que, si tu vois, avant d'être à l'école des Beaux-Arts, j'étais en université qui s'appelle Jean-Jaurès, mais à l'époque ça s'appelait le Mirail à Toulouse. C'est des quartiers qui craignent un peu. Et donc c'est de l'université publique. Et là-dedans, j'étais en histoire de l'art. Donc c'est bien parce que ça m'a donné des, de la culture et des infos que j'ai encore maintenant. Mais si tu veux, j'étais pas heureux là-dedans. C'est très universitaire, c'est du c'est de la théorie et non pas de la pratique. Donc, quand un jour on m'a parlé de l'école des beaux-arts, j'ai tenté un concours, j'ai été pris, mais c'est une école publique. C'est-à-dire que tout le monde peut y aller, en fait. Tu ne payes rien, en fait. Et en plus, vu que j'étais étudiant boursier, tu ne payes même pas euh, ton inscription. Et du coup, une fois que j'étais là-bas, ça dure cinq ans, euh, oui, j'ai eu des cours de cinéma. Mais si tu veux, on ne te met pas devant un ordi en mode alors euh, je vais vous apprendre aujourd'hui comment monter. Non, non, non. En fait, tu sais déjà monter aux beaux-arts, les profs sont utiles pour te donner des références. Ils vont te dire inspire-toi de tel réalisateur, inspire-toi de tel artiste. Bah ben là Céleste, tu vois, tu devrais couper, c'est un peu long et chiant. Et en fait, ils te donnent des conseils, mais tu n'as pas de cours pratiques où vraiment on te dit comment dessiner de manière académique, les machins. Les beaux-arts, je pense que les gens euh, s'imaginent un truc où tu ta comme en classe à faire dessiner des nus et tout. Alors oui, il y a ça, mais c'est vraiment plus euh, de, de, de l'intellectuel, c'est de la branlette intellectuelle les beaux-arts, c'est de l'art contemporain c'est pas de l'académique, t'es pas là à avoir des cours pratiques c'est et moi vu que je suis arrivé que j'étais déjà passionné de vidéo, je me suis même pas intéressé aux autres ateliers euh, là je te parle de peinture, photo, sculpture gravure, non moi j'ai directement été, euh, bonjour j'aime la vidéo j'ai été en vidéo donc je passais toutes mes journées dans l'atelier vidéo et tout à l'heure un peu plus tôt je t'ai dit que j'ai eu la chance de trouver un boulot quand j'étais étudiant eh c'est justement au Beaux-Arts parce qu'au Beaux-Arts de Toulouse quand tu étais un bon élève tu pouvais assister le professeur et c'est ce que j'ai fait moi j'assistais le professeur vidéo donc en fait c'est moi qui donnais des cours aux autres étudiants sur le montage et ça es rémunéré. et du coup ça a été j'ai eu la chance de pouvoir faire un boulot à côté de mes études mais c'était un boulot qui était dans mes études c'est pas comme si j'allais bosser à Leclerc euh, tu vois j'ai eu la chance de trouver un boulot euh... voilà bon bref ma réponse était longue désolé <laughs> non, mais juste, euh, ça a été vraiment dans, euh, dans l'autodidaxie quoi, que tu t'es mis au, au montage ah, vidéo. Bon sens, ouais. et, euh, et moi, ça, ça a été un petit peu le même parcours. Dans ma vie, un jour, j'ai croisé la route d'un ordinateur, un PowerBook G4 de chez Mac. Ouais. Et euh, j'ai euh, réalisé mes premiers clips comme ça pour des, des, des groupes de rap en banlieue parisienne. Et puis, je me suis mis à, à tâtonner sur le logiciel. Après, euh, j'ai vite trouvé des limites euh, au logiciel qui s'appelait iMovie. Et ah ensuite, oui. euh, je suis passé à Final Cut, mais euh, bon, bah moi, contrairement à toi, qui est sur euh, qui est sur euh, Adobe Premiere sur sur PC, mm -hmm. moi, j'ai jamais pu me détacher du, du Mac pour les montages ouais. vidéo. Je suis trop euh, trop vraiment trop habitué à ça. Et euh, ouais. là, tu as tu peux do nous donner une petite exclu peut-être euh, de, de tes prochaines aventures en prévision ou euh, ou un indice. Euh... Oh. Faut pas trop j'en euh, dis parce que. Ouais, non, non, non. En, en oui, je peux, dire, je, peux, je peux dire un indice. Euh, vu qu'à chaque fois dans mes vidéos, dans mes, dans mes rando aventures j'essaye d'avoir un un comment dire un, un, un handicap. Là, par exemple, c'était de faire ça façon 19e, le dernier en date, le pionnier, je parle, ou euh, machin. Là, le prochain, ça serait année 50. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que je peux dire. Je peux pas dire en plus, sinon ça va trop révéler. Année 50, ouais. c'est tout ce que je peux dire. Et ça va être un truc en immersion encore avec les costumes d'époque. Et... Ouais. Oui, oui, c'est bien ça. Je trouve c'est bien de se mettre dans dans, dans ces conditions-là, franchement. Ouais, c'est de la reconstitution en fait. Hein. C'est ça. Mais hein. ça donne ça donne un vrai un vrai esprit, une vraie identité en tout cas à, à, à ce que tu fais. Je trouve ça, je trouve l'idée géniale. Tu, tu veux je, je, si tu veux en quelques secondes, je peux te dire d'où ça vient. Ça vient du fait que je trouve que. Finalement, si on, si on me résume, c'est euh, un gars qui fait des randonnées. Et, et en fait, il y en a beaucoup de, de gens qui font des randonnées sur Internet, sur YouTube, sur Instagram. Et le truc, c'est que moi, j'en avais marre de remarquer qu'ils avaient toujours tout le même matos. Ils sont toujours habillés en quechua, décathlon, ils présentent toujours les mêmes tentes, les mêmes duvets, les mêmes objets. Genre, ça y est, parce qu'il y en a un qui parle de, de tel truc, euh, les dix autres derrière parlent pareil. Et euh, ils sont toujours là à la recherche de la tente la plus légère. Euh, oui, oui, d'accord, elle est chère, mais elle est high-tech, ça vient d'Amérique, machin. Et en fait, moi, je me suis dit, mais attends, mais, au bout d'un moment, c'est. Euh, je veux dire, au bout d'un moment, tu n'as pas attendu la technologie euh, euh, Gore-Tex anti-transpirant du slip pour partir à l'aventure. Et moi, j'ai voulu un peu contrebalancer ça. Me dire, ben, non, il n'y a pas besoin de chaussures de rando. Non, tu peux partir avec juste un pull en laine. Euh, et, et du coup, je me suis dit, ben, pour le prouver, il faudrait que je mette un contexte. Et donc, souvent, ça a été ben, le 19e siècle. Stevenson, lui à l'époque il a fait ça avec sa bite et son couteau. Tu vois, c'est ça en fait, ça m'a donné envie de prouver, de montrer aux gens que ça qu'il n'y avait pas toujours une histoire d'argent, qu'il n'y a pas besoin d'aller acheter tout le matos dernier cri sur les réseaux, qu'en vrai, le seul truc qui t'empêche d'y aller, c'est toi-même, c'est ta fausse motivation. quoi. Si tu as vraiment envie de partir, demain tu prends un un sac action en plastique même si t'as pas le sac à dos quoi. et tu fous toutes tes conneries dedans et tu peux partir en vrai c'est il y a vraiment il euh, y a une, une part de courage en fait mais ça tu l'as ça tu l'as démontré as commencé es, euh, bah, un petit peu comme quand j'ai fait euh, Compostelle de de du de, de, puits en velay à Conques j'avais un Xiaomi avec juste euh, bah, le petit euh, logiciel de montage dont je te parlais. Et, ouais. et toi, quand on regarde ton parcours, euh, vraiment au niveau de la, de la qualité des, de tes productions, ça a évolué au fil du temps. Au tout début, début. c'est quoi, quoi le, le truc que tu as fait en premier C'était Compostel ou c'était euh, ouais. Stevenson Compostel. Compostel, ouais. Et, euh, et quand tu as fait Compostel, je crois que tu avais le même équipement que moi. C'était un Xiaomi, je crois. Et, euh, et tu te démerdais sur le terrain à faire, à faire tes montages. Ah oui, c'était à l'arrache au oui. En et fait, c'était à l'arrache. Ouais. Et, et, euh, et le truc, c'est que vu que tu te dis, euh, je fais une vidéo par jour, il y a, entre guillemets, tu t'appliques pas dans le montage, tu, tu mets pas de musique, machin. C'est vraiment brut, quoi. C'est euh, euh, bonjour, aujourd'hui je suis là, machin. Ah ben bah, tiens, j'ai mangé ici à midi, tiens, je dors là ce soir. Et ce qui m'a donné envie de m'améliorer, c'est en fait euh, les gens. C'est parce qu'en fait, tu t'aperçois qu'il y a de plus en plus de gens qui te suivent. Et du coup, d'un coup, tu te dis, putain, je pourrais quand même rajouter une petite musique ici. Euh, euh, mais, mais tu sais qu'on me l'a reproché ça. On m'a reproché ouais, que ouais, c'était je sais, je sais. comme quoi, quoi, ça euh... avait perdu, ça avait perdu ouais, l'authenticité. Ouais, ouais. ouais. Voilà exactement. En fait, les gens ils aiment bien quand ça tremble, quand le son est dégueulasse, quand parce que ils ont l'impression d'être euh, euh, dans la fosse quoi, avec le euh, dans la boue. Que limite quand c'est trop léché, ça fait trop reporter, euh, reportage arté. Ils se disent ouais, ça, ça... Bon, euh, genre par exemple moi dans mes dernières aventures on. Il y en a quelques qui soupçonnaient que je suis suivi par un camion, un camping-car et que tous les soirs euh, j'ai ma douche chaude et, et mon repas. Oh, mais si les gens ils, ils voyaient la réalité, je peux te donner un exemple ou pas je, Là, qui est dans le, le cœur de l'action. Vas-y, je t'en prie. J'ai TikTok, j'ai un compte TikTok et j'ai publié un TikTok hier. Qu'a dépassé le million de vues. Donc là, en moins de 24 heures, il a dépassé le million de vues. C'est rare. Hein. Je, je dis pas genre ça m'arrive tous les matins. Non, non, c'est rare que ça arrive. Ça. Ce TikTok, si les gens voyaient comment je l'ai monté, mais ils se diraient mais c'est quoi ce truc J'étais. Euh, j'ai un camion qui permet de transporter les animaux là. Euh, il a pas tourné depuis longtemps. J'ai pris mon camion parce que je me suis dit il faudrait qu'il tourne parce que là il est en train de prendre la, la pluie machin. Donc c'est histoire de lui donner un coup de jus quoi. Donc j'ai pris mon petit camion. J'étais me perdre dans un coin où je captais vaguement la 4G un peu plus loin là-bas. <laughs> genre j'ai laissé le moteur tourner histoire qu'il se décrasse le truc et genre pendant ce temps, j'étais limite dans le noir parce qu'il faisait nuit. Hein. J'étais là à monter mon truc à la rache machin et ça fait le million de vues et tu te dis mais je me dis mais les gens qui regardent ça ils sont à 10 000 lieues de s'imaginer que je suis limite en slip dans mon camion à 11 h du soir. Enfin, en fait, la réalité, le truc, Il y a un fossé qui est énorme, quoi. ça, je m'en, ça, je m'en rends bien compte. Mais je crois pas, je crois pas que les gens préfèrent le truc, tu vois, quand l'image elle tremble. Tiens d'ailleurs, sur ta dernière vidéo, apparemment, tu changé de, changé de matériel. Je regardais ça cet après-midi et je trouvais que c'était, il y avait l'image, elle tremblait souvent. Je euh, euh, pense que tu as la contre Tu as a, trop la un... on, on sent que tu es, es dans la vidéo parce que ça va bah, bien joué. Oui, oui, à 30 parce que j'ai fait une erreur. En fait, euh, je viens d'avoir un nouveau téléphone. Et, euh, tu, tu, euh, dès que j'ai un nouveau téléphone, je paramètre les trucs en mode vidéo pour que ce soit euh, bah, la vidéo que je vais utiliser. Et là, en fait, j'étais comme un gosse. J'ai découvert que quand tu désactives la stabilisation, tu as une image plus large. C'est de la logique ouais. jusque-là. Bah, en fait, quand, quand ça voilà. ça, ça scrolle dans l'image quand tu mets le stabilisateur pour voilà. pouvoir corriger. Et, et moi, comme un, comme un, comme un teubé, j'étais là genre, mais trop bien, j'ai une plus large image. Euh, mon gars, euh, pire idée du monde, hein, ça trempe dans tous les. Donc là, je l'ai réactivé, c'est bon, j'y touche plus à ce truc-là. Mais, <laughs> mais il a fallu que je fasse mon test et que je me dise, ah oui, ok, en fait, non, il faut que je laisse la stabilisation. Mais tu as l'œil, ouais, bien joué. Vrai. C'est beaucoup de ça, les, les, les vidéos, c'est beaucoup de tests. Non, mais j'étais surpris. Euh, moi, le truc qui m'a impressionné, c'est quand je voyais euh, justement, sur, euh, quand tu étais là sur le Pionnier, euh, de voir euh, la qualité des montages et de me dire que tu faisais tout ça avec ton téléphone portable. Franchement, euh, chapeau. Hein, tu euh, as dû vraiment y passer des heures et des heures et des heures. Les gens ne se rendent pas compte de ça parce que des fois, ils <laughs> ont un résumé d'une journée en une heure et, euh, et ils ont l'impression euh, bah, d'avoir vu toute ta journée. Mais, euh, Exactement. Non, mais il y a Charlotte qui vient d'arriver là justement. Ça va, chat Coucou, Charlotte. <laughs> Salut. Salut. Et, et euh, non, ça fait plaisir ce que tu dis parce que à, à, en vrai, la randonnée, euh, comment dire, au bout d'un moment, bah, tu te lèves et tu marches, c'est entre guillemets, c'est pas si compliqué. Non, la difficulté, c'était vraiment de faire une vidéo par jour. Ça vraiment, euh, et je te remercie de le souligner parce que c'est presque moi, quand on m'écrit un commentaire, j'aimerais qu'on me dise. Ah bravo pour la vidéo. Et non pas euh, Ah bravo pour la journée de marche. Vous avez fait 30 km, c'est bien. Je m'en fous, 30 km, tout le monde peut le faire. Ce que, ce que peu de gens peuvent faire, c'est une vidéo par jour pendant quatre mois. Ça, euh... mais non, mais mec, il n'y avait pas de vie. Hein. J'étais en PLS à la fin, on se couchait à 4 heures du mat. J'étais en train de crever sur la fin. Moi, À la fin, il me tardait de terminer mon truc. Hein. C'était un enfer. Hein. Euh... Je... Eu, euh, il euh, y a eu des nuits difficiles comme ça dans la calèche où vous avez eu froid, Tout, où c'était mouillé les des fois. En Italie, toutes les nuits quasiment. J'ai aucun souvenir en Italie d'une nuit euh, où tu te lèves le matin, Ah, on a trop bien dormi. On se posait même plus la question ça va, tu bien dormi mon amour Non, c'était genre c'est bon, c'est d'avance, <laughs> on se lève, on, sait, on voit notre, nos têtes, c'est bon. Non, on était toujours réveillés. En Italie, il y avait toujours un Italien, un clébar, un chasseur. Il y avait toujours un truc, le vent, la météo. Euh, il y avait toujours un truc qui faisait qu'on dormait pas. Un, un, un camion poubelle à 6 heures du matin. Non mais le mec, tu te dis mais tain, il dort au bout d'un moment. Quoi. Ça a duré quatre dit... mois là, ce, ce périple. Ouais. Et il y a eu des moments où il euh, y a eu des moments où as douté, où tu t'es dit on n'ira pas jusqu'au bout. C'est arrivé. Oui. En Italie encore une fois. En fait, en Italie, j'ai trouvé ça trop dur. En fait, en, en Italie, on n'était qu'au début. Et un soir, je me suis dit, tiens, je vais regarder où est-ce que c'est Rome, tu sais, sur le GPS pour voir un peu tout ce qu'il nous restait à faire. Et quand j'ai vu le truc, j'ai eu envie de me pendre. J'étais là, genre, dans quoi je me suis lancé Et en même temps, tu es attendu au tournant parce qu'une fois que tu as annoncé ça sur les réseaux, ouais, on va à Rome. Tu peux pas dire d'un coup, ouais, on arrête tout. Rien que parce que. Non, pardon, vas-y, je t'en prie. Non, mais rien que parce qu'entre la France et l'Italie, on a fait une petite pause parce qu'on avait été invité à un mariage. Oui, je m'en souviens. Euh, voilà, arrivé à la frontière, on a fait une petite pause, mais rien que là, je me suis fait démonter. À, à cause de la pause. Dans les commentaires, c'était Ah oui, en fait, tu nous mens, en fait, d'accord, t'es es suivi par un camion. Ah oui, en fait, machin, tu pas en Italie. Et toi, tu là, pff, ils sont fatigants, les gens, quoi. Ah, ça, il y en a me... tout le temps comme ça. Quoi que tu fasses, de toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour venir mais pratiquer. C mais c'est ce que je disais à Charlotte. J'en suis sûr, j'en mets ma main à couper que si j'avais fait de France jusqu'à deux jours avant Rome, imagine, j'aurais arrêté deux jours avant Rome, en mode, euh, bon, on a un problème avec la calèche, on peut plus continuer, les gens auraient dit, ah ben bah, ouais, d'accord, euh, euh, grande gueule, t'as pas été jusqu'à Rome, je me désabonne, mmh. ah mais en fait, avais menti, alors qu'en fait, tu es, es, es à ça de Rome, mais le mec préfère retenir ton échec que tout ce que tu as accompli, quoi. Et ça, vraiment, ouais. il y en a... Hein. Tu as la rigueur qui se désabonne, hein, parce que c'est... Euh, oui. <laughs> je veux dire, au moins, ça fait... qui au passage. <laughs> ça fait le ménage, mais c'était quand même un défi de dingue. Hein. Je veux dire, imaginez là en, en 2023 de se dire Je vais parcourir, mais c'est quoi C'était combien de milliers de kilomètres Il y a plus de 1000 kilomètres, je crois, entre je Conk et, euh... on avait ça, Charlotte 1800 1800 kilomètres. Ouais, de se dire là en 2023, parce que c'était en 2023, je vais faire ça en calèche. C'est ah. un défi de malade mental en fait. Et toi, tu l'as fait. Tu es parti en calèche, tu as trouvé la calèche, tu es parti avec tes ânes ta copine et puis hop allez ma chérie on y va on va ouais. on va jusqu'au bout c'est euh, sans, connaître, sans connaître les routes hein, par lesquelles tu est passé parce que t'as improvisé chaque jour ça ouais on connaissait même ça, pas, pas l'italien on a bon, ça je sais pas si c'est une qualité ou un défaut mais j'organise rien moi tu vois bien que ce live mec je te répondais euh, <laughs> oui d'accord enfin c'est mon défaut en fait je manque d'organisation je, je fais tout au spontané c'est un, un sujet que je parle en fait. dans mes vidéos je parle souvent du truc de l'élan du cœur, euh, d'y aller, de ne pas trop réfléchir, parce qu'à partir du moment où tu commences à réfléchir, il euh, ben, y a le mental qui prend le dessus, du coup, ça, ça casse le côté naturel des choses. Et, et, et en fait, moi, c'est un peu ça, c'est un peu très euh, candide comme truc, c'est très, très naïf. C'est euh, ah, j'ai envie d'aller à Rome, allez, viens, on y va. Et, et si deux secondes, on me pose des questions, bah oui, mais euh, vos ânes, comment ils vont faire Et la calèche, est-ce qu'elle va tenir Et vous avez quoi comme argent Et machin, je m'en fous. En fait, c'est déjà trop de questions. Donc, je pars et je verrai. Et au pire, je me plante. Au pire, j'y vais et je me dis, bon, bah, c'était une idée de merde et demi-tour. Mais, euh, et le pire, c'est qu'une fois que tu as goûté à ça, tu as du mal à revenir, euh, à revenir dans yeah. l'organisation. Il y a, y a justement après tes aventures au moment de, du retour à la, à la vie réelle, il y a ce, ce moment de déprime un peu. Oui. Alors, oui, oui, oui. Euh, oui, vu, oui, en, plus, oui. en même temps, c'est fou ce que je viens de dire, excuse-moi, hein, mais ce retour à la vie réelle, tu vois. Alors que, en fait, pour moi, c'est ça la vie réelle. C'est ouais. le truc que tu vivais avant de revenir dans la, dans la, dans, dans la matrice, quoi, en fait. Dans la matrice, ouais, c'est ça, je vais dire pareil. <laughs> euh, alors. Écoute, je, je vais être franc. Oui, cette déprime a lié à chaque fois parce qu'en fait, tu viens de goûter euh, euh, X mois de liberté, de plein été au soleil, euh, de, de, de tranquillité. Et oui, quand tu rentres, il y a des problèmes quotidiens comme je te disais tout à l'heure en off, euh, les vétérinaires pour les animaux, les factures, les machins, la voiture qui est pétée, le truc. Mais je ne l'ai pas eu sur le, cette aventure-là qui s'appelle les pionniers. Je ne l'ai pas eu, ce, ce coup de dépression parce que je... J'en pouvais plus en fait. J'étais tellement éclaté, on était tellement fatigué qu'il ne nous tardait qu'une chose, c'était de rentrer. Donc finalement, quand je suis rentré, j'étais juste content de me dire hey, maintenant stop. Ça se voit d'ailleurs, je trouve, dans, dans mes vidéos en Italie, à la fin, j'en peux plus. Enfin, on s'est chopé que de la flotte sur la fin. Les Italiens, ils finissaient par nous énerver. Ils sont gentils, hein mais je te jure qu'à la fin, on, on, on avait tellement envie de tranquillité. On s'est trop donné en spectacle. En fait, forcément, quand tu rentres dans une ville avec une calèche, de ânes, habillé en chevalier, forcément, tu vas attirer des gens. Et Sauf que les gens, ils savent pas que toi, ça fait quatre mois, que tu fais du montage tous les soirs, que ça fait trois nuits que tu dors pas parce qu'il y a des tempêtes, que machin, que... Et du coup, je te jure, à la fin, j'étais là genre, ah, allez, on se casse, quoi. Moi, à la fin, j'ai vraiment fait les bâtiments principaux, genre, on va visiter le Colisée, Vatican, Chapelle 16 machin, machin, et on se casse. J'en pouvais plus. À la fin, j'en pouvais plus du, du, de l'aventure Les Pionniers. <laughs> oui, les gens qui ont… Euh, en plus, comme tu disais, en Italie, ils ont un petit peu moins de retenue qu'en France. C'est qu'ils bah, viennent te voir. Quoi. Tandis qu'en France, bon, on va te, regarder de, va te regarder de loin, mais là, eux, ils viennent te voir. Et puis, vas-y, ouais. que je peux faire une photo avec le gamin dans la calèche. Et, euh, <laughs> ah, je crois ouais. que ça, ça puisse être épuisant. En fait, l'italien, c'est un, 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 un parfait mélange entre le côté euh, le côté le côté français le côté méditerranéen c'est il a ce, ce sang chaud et froid en même temps et mais en fait je, je voulais te poser une question toi qui as fait Compostelle justement tu l'as eu ce, ce retour de dépression ou, enfin, ou ce retour à la réalité tu, tu l'as vécu comment oui, oui 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 je l'ai eu mais je connaissais déjà ça avant je, je faisais déjà des trucs comme ça je, je partais souvent dans les Cévennes tout ça faire faire de la survie et là sur Compostelle ou ouais, à jours euh, au retour, ouais, je l'ai eu. Tu vois, à peine 12 jours, en fait en rentrant, il y a eu, euh, ouais, il y a eu ce retour à la réalité qui m'a mis un bon coup de blues. Mmh. C'est clair. Mais après, toi, si, si je dis pas de bêtises, actuellement, t'es quoi T'es es un gars qui vit dans un camion et tu bouges beaucoup. Tu es quand même libre, toi, non T'en en, en, en es où, là T'es es comment, toi, actuellement C'est ça, ouais, c'est ça. là Ça fait deux ans que, euh, que je vis dans un camion qui se nomme Croquette. Donc ouais. ça fait deux ans que j'ai fait la rencontre de croquettes et puis quand je suis avec mes, mes trois chiens. Donc il euh, y a un berger allemand, deux euh, skis, et on est, euh, ouais. on est tous, les trois, tous les trois dans le camion, on vit comme ça, et puis on, on sillonne un petit peu la France. Et puis je fais, euh, je fais mes émissions toujours comme ça, du camion à travers la France. Et je vais à la rencontre, en fait, euh, bah, je vais à la rencontre de, euh, des, des gens qui me suivent sur la chaîne, des, des louviteurs comme je les appelle. Et puis, euh, et puis voilà quand on, on passe des moments ensemble et tout moi comme j'ai pu de euh, je suis un, en gros quelque part je suis sans, sans domicile fixe mais ouais. dans, dans la vraie définition du truc c'est à dire j'ai un domicile mais il n'est pas fixe il roule sur ouais. la route tu vois, comme toi un petit peu ouais. avec euh, avec ton camping car. D'ailleurs ça en est où le camping car Parce que j'avais suivi la, la, j'avais suivi le, la, la série rétroviseur. Quand tu, euh, quand, tu, euh, bah, quand tu retapais justement tout ton camping-car et tout, et puis euh, après rétroviseur, bah, on s'est tous demandé mais qu'est-ce qu'il est devenu le camping-car alors Ouais, ouais. Et eh bien, le camping-car, une fois qu'on l'a rénové, retapé, euh, j'ai dû rouler peut-être un mois avec. Et en fait, il, a, il, y, a une, il y a un beau matin, il m'a pété au bord de la route. Euh, il ne voulait plus démarrer, machin. Donc, j'ai appelé un dépanneur. Euh, je pensais que c'était un truc pas très grave, qu'il allait me réparer ça en trois clics. Et en fait, ça va faire un an qu'il est en PLS dans un garage. Le gars n'arrive pas à me réparer la panne parce que c'est un vieux véhicule qui date des années 80. Il trouve pas la pièce. Il a un problème au moteur. Soit, Je dis soit parce que j'ai jamais compris. Un coup, il m'appelle et me dit c'est un truc au piston. Un coup, il me dit il faut changer tout le moteur. Et un coup, il me dit c'est juste le pot d'échappement. Donc, je ne je sais, je sais pas trop ce qu'il a concrètement. Tout ce que je sais, c'est que le gars n'arrive pas à le réparer. Du coup, il est toujours en réparation dedans. Au moment où je te parle, c'est ça l'apothéose. Il y a toutes mes affaires encore dedans. Là. Il y a toutes mes affaires dedans. Il y a mes fringues, il y a mes livres, il y a mes instruments de musique. Euh, il y a peut-être de la bouffe encore dans le frigo, mais j'ose pas. Last of us, si le gars il ouvre le frigo, il va choper une bactérie euh, COVID, euh, Covid, 2024, quoi. Non, mais mon camion, il est en PLS dans un garage dans le nord de la France. Et aux dernières nouvelles, c'est un gars spécialisé dans les vieilles voitures qui est censé venir le récupérer et le réparer. Euh, donc, je suis au stade là où j'attends que ce monsieur euh, s'en occupe. voilà. Et dès que je l'ai, ben, je repars à l'aventure comme toi, filmer, euh, euh, rencontrer des abonnés, partir visiter des trucs. Mais euh, là, je suis un peu bloqué. En ce moment, en fait, nous, avec Charlotte, on euh, ne dort pas dans la calèche en ce moment parce qu'il fait trop froid, mais on est logé à droite à gauche chez des amis, chez de la famille. Voilà, globalement, c'est ça notre vie pour le moment. Ouais, est-ce que vous avez, vous avez tout largué avant de partir sur, sur cette aventure Tout, mec, tout. Tout, 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 tout. tout. On a même revendu les bagnoles. On a, on a quoi euh, Tout quitté. Charlotte, elle a carrément quitté son pays, sa Belgique, sa famille euh, pour me rejoindre. Parce qu'elle est belge, je m'accompagne. Euh, moi, j'ai quitté le bunker. Euh, j'ai revendu ma bagnole. Bon, après, revendu, faut pas imaginer que ça m'a fait un pactole. Hein. C'était une mm -hmm. bagnole qui allait à la casse à la base mais euh, ouais en fait on s'est libéré des trucs parce qu'à la base le plan d'origine ça je l'ai jamais précisé non plus le plan d'origine c'était d'aller jusqu'à Jérusalem c'était d'aller à Rome et après Rome on se démerde et on pète jusqu'à Jérusalem en Calèche sauf que euh, sauf que les événements euh, guerre et machin nous ont, pas, nous ont refroidi un peu à un moment donné on s'est dit wow, ça va pas l'air de nous attirer tant que ça et ensuite, il y a eu le ras-le-bol, simplement, c'est juste ça. Hein. Arrivé à Rome, il y a eu, en fait, stop, quoi. Stop, stop, c'est bon, on a une autre dose d'aventure. Et euh, comme je le disais à Charlotte, moi, je ne pourrais pas être que nomade, tout comme je pourrais pas être que, euh, que casanier, quoi. J'ai besoin de 50-50... Euh... J'aime mon confort, en fait. J'aime le soir euh, être là avec ma bière, euh, mater une connerie sur Netflix. En fait, je suis comme tout le monde. Hein. Et, euh, et ça, les <laughs> gens, ils ont tendance, ils ont tendance à l'oublier, quoi. <laughs> Euh, ah moi c'est pas Netflix mais c'est vrai que le soir dans euh, non, le soir un dans mon camion aussi, euh, j'aime bien j'aime bien pouvoir me regarder une petite vidéo sur la table. Mais oui, c'est ça, film. le truc où les gens ils s'imaginent constamment que es toujours dans les bois, en train de chasser, faire du feu, machin, à un moment donné es là, non, non, les gars, je vais au McDo et je Enfin, <laughs> tu vois ce que je veux dire, j'exagère, j'y vais pas, mais c'est juste pour dire qu'il y a un côté où comme je disais, là on a été faire des courses à intermarché, ça fait pas rêver quoi. Mais en même temps, normal, on ne va pas, pas cueillir nos bananes sur les sapins. quoi. Il y, va... y a beaucoup de gens qui te reconnaissent en France ah, De plus en plus, oui, par contre, ça ah, oui. Ah, oui, oui, oui. C'est Parce que 100 000 mais... abonnés là, sur, euh, sur la chaîne YouTube, t'en n'en manques plus que 6 000, je voyais. Ouais. C'était un objectif oui. ça, que tu t'es fixé. Euh, tu as, as expliqué ça dans une vidéo, comme quoi euh, tu t'étais fixé euh, le jour où tu as monté une chaîne YouTube d'atteindre un jour les, euh, les 100 000 abonnés. Non, mais tu, tu connais toutes mes vidéos. De, 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 parce que cette info, j'ai dû la divulguer une fois ou deux, grand max, dans des lives perdus de 3 heures. Euh, ouais, j'ai surtout suivi ta dernière aventure, là. Et je crois que c'est dans la dernière aventure que tu en parles, justement. Exact. Merci. Tu connais mieux mes vidéos que moi. Oui, oui, je vois très bien de quelle vidéo tu parles. Euh, oui, exactement. Le jour où j'ai créé ma chaîne YouTube en 2011, si je ne dis pas de bêtises, euh, c'était en octobre 2011, un 31 octobre, c'était Halloween. Pff, y a les chats qui se battent. Euh, je m'étais dit ça dans ma tête. Je m'étais dit, euh, tu sais, limite, je m'étais dit, euh, qu'importe ce qui se passe, je continue. tant que j'ai pas 100 000, je continue. Et genre à 100 000, bah, après, je continue ou j'arrête. Mais je m'étais fixé 100 000. Et, euh, et je les ai toujours atteints. <laughs> 15 ans plus tard, je les ai toujours atteints. <laughs> ça va venir, ça va venir. Plus que 6 000, là. Le plus gros du parcours, il est fait, là. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais après, je, je vais être franc avec toi. Les abonnés, c'est plus symbolique. C'est hum. plus pour me dire, allez, c'est bon, j'ai franchi le fameux palier. Mais en vrai, actuellement. Mais euh... ça motive. Ça motive de voir des gens qui s'abonnent à la chaîne et ça motive pour fournir du, du contenu de, de meilleure qualité. Moi, c'est ce que je leur disais justement euh, quand je faisais euh, Compostel. Euh, c'est très rare hein, que j'appelle les gens genre, à s'abonner à la chaîne, tout ça et tout. Mais quand j'étais sur Compostel, j'ai lancé une fois euh, dans une vidéo le message et euh, bah, j'ai vu que les gens, euh, bah, juste parce que je l'ai dit, bah, ils l'ont fait, ils ont fait la démarche de, de s'abonner. Et c'est ultra motivant. Quoi. Ah oui, oui. Ah Mais moi je suis d'accord avec toi, ce qui me motive c'est quand tu vois les commentaires des gens ou même les mails qui t'écrivent en privé après en mode waouh ouais, c'est là je découvre ta chaîne, trop bien". Ça m'a motivé. mais ben, comme toi tu me disais tout à l'heure que ça t'a un peu motivé à partir à faire des vidéos et tout, c'est pour moi ça c'est le meilleur des trucs. Et du coup, en vrai c'est pas de la fausse modestie mais je l'ai toujours dit, je préfère avoir moins d'abonnés mais que le peu d'abonnés qu'il y a sont à fond, soit à fond. Soit Vraiment. De qualité ouais. ouais. Ah oui. Et par exemple, c'est pour ça que j'ai toujours aimé Instagram. Parce qu'Instagram, je n'ai pas beaucoup d'abonnés. Mais quand tu postes un truc, une photo, n'importe quoi, ils il réagissent, il se passe des trucs en fait. Et ça, je trouve ça mieux que quand tu as 10 000 abonnés fantômes, que les gars sont là. Des fois, il y en a, ils m'écrivent. Ah, euh, enfin une nouvelle vidéo. Tu dis ça alors que tu en as sorti une hier. Tu es là, mais mec, tu me suis pas en fait. Tu me regardes un jour sur dix. Euh, euh, pour le coup, je préfère la, la, comment dire, la, la, la fiabilité au nombre quoi. Ouais, le noyau dur, comme on dit quoi. Ouais. Il euh, y a bah tiens un commentaire de Pietro Marduc sur euh, des lives qui dit le mec est aventurier, mais pas trop, tu par rapport au fait que tu aimes bien te retrouver à regarder des Netflix et tout ça. Mais Pietro, euh, tu te rends pas compte en fait. Euh, moi, j'ai vécu deux ans et demi dans une cabane sans électricité, sans eau courante. Et je vais te dire, un de mes, un de mes plus gros objectifs à ce moment-là, c'était d'essayer de retrouver un petit peu du confort moderne, c'est-à-dire d'avoir le chauffage, d'avoir l'eau chaude, d'avoir mais... un, un petit ouais. peu d'électricité, de pouvoir le soir me faire un moment de divertissement en, en choisissant un film que j'allais regarder et, et toutes, ces -là, quand on les a, toutes ces choses là quand on les a en permanence par exemple le fait de tourner un robinet d'avoir de l'eau qui coule on Putain, se rend plus compte on se rend as plus as compte as du tellement raison ça hein, Charlotte t as tellement raison le robinet qui coule mec on a redécouvert l'eau chaude te rappelle après le pionnier ce que tu dis là mec mais c'est tellement une nous on n'a pas eu d'eau pendant on se lavait dans des seaux dans les seaux dans lesquels nos ânes buvaient on se lave dedans dans l'eau des rivières ou où... mon gars quand on a redécouvert un robinet mais Jacouille la fripouille, quoi. C'était genre, oh putain, il y a de l'eau chaude, c'est le futur en fait. Et quand le mec il dit aventurier, mais pas trop, mais, mais mec, fais fait, fait un dixième de ce qu'on fait et viens parler après, quoi. Juste ça, quoi. Euh, franchement, le, le, euh, surnaturel. Je veux dire, voilà, en 2023... Partir en calèche euh, de, de France jusqu'à Rome, pour moi, c'était surnaturel. Il y a plein de gens qui t'ont dit, tu n'y arriveras pas, tu abandonneras en route, vous ne passerez pas les Pyrénées. Il est l'exemple même que bah, on peut faire de sa vie une aventure et en plus de ça, bah, on peut atteindre les objectifs. Parce que c'est ça la vie, c'est se fixer des objectifs, euh, oui. parcourir et, et les atteindre. Mais pour l'exemple pour l'exemple de la de franchir les Alpes euh, jusque le ah, jour Alpes, même moi, les Pyrénées pardon <laughs> non 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 pas de souci le jour même où on franchissait les Alpes on avait encore des gens qui nous disaient vous allez pas y arriver le jour même un hein, genre des camping caristes qui s'arrêtaient et vous allez où avec votre calèche mais là ça grimpe comme ça et, et en vrai je te jure sur ma vie euh, c'était on a on a eu zéro difficulté dans les Alpes en fait euh, j'ai l'impression que les gens vu qu'ils sont dans un véhicule euh, ils sont peut-être plus haut du coup ils ont une sensation de vide ils sont là oh là putain la calèche comment faire mais nous quand tu marches quand avances mètre par mètre pas après pas mais ben en vrai tu, tu, le petit dénivelé tu, 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 tu te, tu te l'enquilles sans t'en rendre compte et en vrai je te jure quand on est arrivé en Italie on était là ah bon mais c'est bon on y est quoi on a, on s'est pas rendu compte qu'on a franchi les Alpes à aucun moment si tu veux on a eu besoin d'escalader ou je sais pas quoi et j'ai l'impression que les gens s'imaginent un peu un peu, euh, bah, s'imaginent ça en fait et et quand on nous dit aventurer et pas trop, moi ça je l'assume à 200% dans mes vidéos. C'est genre euh, nous combien de fois le soir dans la calèche, euh, il, me du, il me restait du, réseau de la batterie, j'avais pas envie de monter. On se matait une connerie, euh, on se maté des petits films. Enfin, euh, je veux dire, on, on vit en 2024 en fait, on n'est bah pas ouais, des. Il faut vivre avec son époque. Est clair. oui, c'est ça. Est et clair. puis moi, on est... toujours la, 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 la technologie. Euh, moi je. Tu as des gens, genre ils sont anti technologie, mais malgré tout ils sont ils sont sur les réseaux sociaux pour te dire qu'ils sont anti technologie. Oui, voilà. <laughs> ça exactement. Mais euh, mais la technologie, bon, j'avais fait tout un direct là-dessus il n'y a pas longtemps, une libre antenne, bon ou mauvais, bah ouais ouais, pour moi il y a des super bons côtés dans la technologie. C'est un outil, différentes manières de l'utiliser, hein, et, et donc il y a des bonnes et des mauvaises manières. Moi, la technologie, je trouve ça, je trouve ça génial. Et j'adore le soir, justement, dans, un, dans, dans mon camion, pouvoir me mettre un petit film sur la tablette mais, avec euh, l'enceinte JBL qui donne un mais, son cinéma, tu vois. Mais tu tout, mais, mais tout compris, mais c'est ça, mais tu tout compris, mais c'est pareil. En fait, justement, le plaisir ultime, le plaisir ultime, c'est quand tu es hors contexte, donc quand tu es pas chez toi, quand tu es dans, dans, dans un camion, dans une calèche, en aventure et tout, et qu'en fait, tu retrouves un semblant de normalité. C'est génial. Nous… Avec Charlotte, on adorait quand on avait notre café chaud le matin parce qu'on était dans un bar. Et là, on va dire, ah ben oui, mais survivalisme, mais le mec, il est content de trouver un commerce. Mais oui, mais justement. Mais tu, tu réapprécies tu savoures... les choses. Tu réapprécies mais, les choses différemment. Mais c'est ça. Tu savoures tellement d'un coup ta as, as quiche Lorraine que tu vas rôter toute la journée. <rire> euh, <rire> parce que, parce que d'un coup, tu l'as mérité. Et, et je te jure, je crois que le meilleur repas qu'on s'est fait, c'est un repas de pâtes, mais standard. Chez un Italien, il nous a invités, il nous a d'abord proposé une douche, donc déjà es content, et là, ah, on se lave les cheveux, on est content, et après il nous a fait des pâtes, mais, mais basiques les pâtes, hein, je te jure, genre pâtes à la poêle, parce qu'ils les font à la poêle là-bas en Italie, et mon gars, mais genre avait les larmes aux yeux, genre oh, des pâtes, des spaghettis, merci et tout, euh. et limite les restos qu'on s'est fait à Rome, ils n'ont jamais égalisé euh, ce plat de spaghettis quoi et euh, c'était quoi? Le... La... J'ai été, di... été distrait par, euh, par une question dans le clavardier. Sans ELEC, avec ordi et internet, ça Faut, forge moderne. Pas. Mais euh... voilà, en tout pas. cas, moi dans ma cabane, le... au début, je faisais tourner un groupe électrogène hein, pour recharger des batteries. Et après, je me branchais sur les batteries avec un convertisseur 12 volts. C'était une galère de dingue. Hein. Juste, pour pouvoir faire, juste pour pouvoir faire des directs. Et puis après, il y a eu un panneau solaire maintenant qui est sur le, le toit du camion. Mais il euh, y a des solutions hein. petit à petit, justement, quand on décide d'aller dans une direction, ben, ça se construit au fur et à mesure. Moi, je vous rappelle, quand je suis arrivé sur le terrain, j'étais sous tente. Je suis resté un an et demi sous une tente en hiver et euh, euh, j'avais monté un poêle à bois, dans, un poêle à charbon dans, dans la tente. Et, euh, et je me chauffais avec ça. Euh, et après, il y a eu la cabane, puis après, il y a eu Croquette, puis il y a eu les réseaux sociaux en même temps qui ont, qui ont changé ma vie, j'imagine, un peu comme toi, Céleste. Et, euh, ouais. et voilà le, le, le parcours il s'est fait le parcours il s'est fait tout seul. Bravo. Mais euh, putain ça ça a pas dû être euh, dans une tente et tout ça a dû être chaud en hiver quand même et tout. Ouais bah j'avais euh, je te dis j'avais j'avais bah, déjà montré les photos sur les réseaux sociaux j'avais monté un poêle j'avais fait un trou dans la tente que j'avais euh, j'avais bordé la, le, tout le trou autour de la tente du, du scotch aluminium pour ré pour réparer les euh, les pots d'échappement ah, là. Ouais. Euh, j'avais fait mes tests j'avais poussé la température pour voir si la tente elle allait fondre ou pas et puis finalement ça tenait et donc je me suis dit bon bah allez hop c'est parti je vais me chauffer comme ça et alors ça, ça marchait tu vraiment... chaud ouais, ouais, ça... ah mais grave je... tu avais zéro degré dehors j'arrivais ah par contre il fallait alimenter tout le temps hein. tu, tu... Quand, quand je me couchais le lendemain matin il faisait il faisait il faisait, il faisait zéro degré quoi et, et quand, quand, euh... tu dis, quand tu dis quand dis une tente c'était vraiment une tente euh, genre quoi ah, Tente ah oui, oui, okay. familiale choix en fait, j'avais mes chiens qui dormaient d'un côté et moi de l'autre. Il euh, y avait deux chiens qui dormaient dans une chambre, c'était une tente de chambres tu vois, une grande tente familiale avec un salon au milieu. Et euh, j'avais deux chiens qui dormaient d'un côté et un, et un autre chien qui dormait avec moi de l'autre côté. Et puis on est resté un an et demi comme ça, le temps, de, le temps de réussir à construire la cabane. Et puis après, il y a eu un poêle à bois dans la cabane. Et puis c'est là que j'ai démarré mes directs sur, sur Internet et que ça a commencé justement à, à changer un peu ma vie. Quoi. Et à ce moment-là, tu, tu, tu avais l'électricité comment quand tu étais dans l'attente Alors, quand j'étais dans l'attente, je n'avais pas d'électricité du tout. Okay. J'avais des, euh, des petits euh, panneaux solaires euh, pour recharger les, les batteries 5 volts, là, les, les power banks, tu vois, ouais, pour ouais. pouvoir charger mon téléphone portable. Ensuite, je suis passé à un groupe électrogène euh, qui était connecté à des, euh, des chargeurs de batterie. Donc, j'avais le groupe électrogène qui alimentait 4 chargeurs de batterie et je rechargeais euh, 4 batteries en même temps comme ça, en le laissant tourner ouais. toute la journée. Et ça me permettait d'avoir euh, de l'électricité la nuit en 12 volts pour pouvoir, euh, bah, avec un convertisseur, charger l'ordinateur, tout ça, tu vois. Vraiment démarrer comme ça. Puis après, avec le camion, maintenant, ce qui est bien, c'est que j'ai un coupleur séparateur. Donc, quand je ah, roule, oui. ça recharge une batterie à l'intérieur plus une deuxième batterie qui se charge par le solaire. Ouais. Et, euh, et j'ai un système de chauffage, je pense que tu connais, c'est euh, style Webasto chinois, tu vois. Je connais, oui. Et, euh, et ça, c'est super efficace. Et, euh, le fait d'avoir le camion, ça m'a changé la vie parce qu'avant, dans la cabane, euh, J'étais obligé de recharger le poids à la boîte toutes les 2-3 toutes les heures. Et puis quand je m'endormais le matin, je te dis, je me réveillais. Il faisait ouais. super froid, super humide. Et là, avec le camion, maintenant, bon ben, c'est le confort. J'appuie sur un bouton, le chauffage, s'allume. C'est tellement eh, une oui. petite surface que 10 minutes après, je suis à, je suis à 25 ⁇ degrés, je suis en t-shirt. <laughs> je, <vois très rire> je vois très bien. Je vois très bien. Et, et là, par exemple, ce live, tu le fais avec quoi comme Internet là C'est ton partage réseau, c'est quoi Ouais, c'est ça. J'ai mon, mon téléphone qui est posé à l'avant du camion. Donc, ça, ça capte la 4G. Et puis, euh, je fais un partage réseau en Wi-Fi euh, jusqu'à l'ordinateur. Euh, le réseau n'est pas tout le, temps, euh, tout, le temps, tout le temps bon. Parfois, ça, ça pose des problèmes. Mais on va dire à 90% du temps, ça se passe très bien euh, partout en France. Eh, ben, eh ben, bravo, mec. As... Bravo, bravo, bravo. Moi, j'ai pas. on n'a pas osé encore passer l'hiver dans la calèche. On a fait quelques nuits pour tester. Bah, ça va, une fois que tu es dans les couvertures, les machins, c'est bon, mais on n'a pas de poêle à bois. Du coup, euh, bah, du coup, là, comme je disais, on, on est logé à droite à gauche. Mais, euh, mais ouais, c'est bien, bravo, tu as du mérite. Mais euh, tu as euh, des, euh, des espèces de, de, de web en valise, tu vois ah bon de, Déjà, tout, tout euh, avec le réservoir dessus et tout. Et euh, je pense que si tu mets le pot d'échappement à l'extérieur, tu dois pouvoir réussir à te chauffer dans la calèche avec ça. Ça marche diesel. Ouais, 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 j'aurais trop peur de m'asphyxier, mais oui, oui. <laughs> ouais, être... C'est peut-être peut un peu trop moderne pour faire année 50 en tout cas. <laughs> bon, ouais. Céleste, est-ce qu'il est qu y a un message justement par rapport à tout ce que tu fais, par rapport à la vie que tu mènes C'est quoi le message vraiment que tu as, as envie de faire passer aux gens là, que tu peux, que tu peux exprimer ce soir, de dire aux gens, ben bah, voilà, euh, le message que tu as envie de transmettre Voilà, si tu peux le résumer en quelques mots là. Euh, J'ai envie de dire écoutez votre cœur. Je sais que ça peut paraître tellement bateau, mais c'est tellement la base. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour, pour, pour moi écouter votre cœur C'est vraiment euh, si actuellement dans ta vie, qu'importe où tu es, euh, dans un couple, dans une famille, euh, dans une relation professionnelle, au boulot, au travail, machin, si tu sens que t'es pas vraiment heureux, c'est en fait c'est ton toi profond, ton véritable toi qui est en train de te dire euh, tu n'es pas, euh, pas là où tu dois être. Et en fait, tous les gens qui sont dépressifs, semi-dépressifs, un peu tristounes, euh, aigris, qui s'énervent facilement, qui sont toujours en colère, qui sont toujours à fleur de peau, en fait, c'est qu'ils ne se sont pas encore trouvés. Et, et ça, en vrai, la réponse, ils le savent au fond d'eux ce qu'il faut faire. et Au fond d'eux, il n'y a pas besoin de réfléchir des heures. Je ne suis pas en train de vous dire. Allez vivre dans une calèche, euh, allez vivre dans une tente à moins un dehors, allez vivre dans un camion. Non, non, je ne suis pas en train de vous dire ça. Vous pouvez très bien être heureux chez vous avec ce que vous avez actuellement, que ce soit en appart en ville ou en campagne. C'est juste que pour vous trouver, vous avez déjà la réponse dans le, à l'intérieur de vous. Souvent, ce qui manque, c'est le, 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 le courage de, de se dire allez go, j'y vais et bas les couilles. Bas les couilles de froisser la famille, de perdre des amis, de perdre un boulot. Euh, tant pis, j'aurai plus d'argent, ben, je verrai demain comment ça se déberdera En fait, et souvent, ce qui résout le mystère de tout ça, c'est ce que moi je parle dans mes vidéos, c'est la spiritualité. Souvent, je vais pas vous faire un discours de gourou, rassurez-vous. Je dis juste que souvent, quand tu as foi dans la vie, quand tu découvres que, quand tu vas sincèrement, c'est-à-dire que tu vas naïvement comme un enfant, tu te dis bon allez, je me lance et on verra, tu t'aperçois que c'est pas aussi difficile que ce que les gens autour de toi te disaient ou ce que toi-même tu te disais genre ah, j'arriverai jamais à non tu t'aperçois que ah mais en fait ça va donc on en revient à la phrase classique lancez-vous écoutez votre cœur faites-vous confiance et faites confiance à la vie à la vie je dis ça pour pas dire en Dieu ou à la spiritualité mais lancez-vous il y a toujours une bonne étoile vous êtes sur terre pour une bonne raison vous n'êtes pas juste des intestins qui servait juste à manger et chier parce que les gens qui sont pas qui croient en rien, j'ai du mal parce que ça veut dire que s'ils croient en rien, leur unique conception du monde c'est de manger et chier quoi et baiser, tu vois, reproduction, manger, et nourrir. Et en fait, je trouve ça triste parce que même, même s'il n'y a pas de dieu, même s'il n'y a pas de vous n'êtes pas croyant ou ni religieux, c'est quand bien même beaucoup plus facile de jouer aux jeux vidéo qu'est la vie. Lorsqu'on a cette spiritualité qui nous accompagne, c'est comme un cheat code qui te permet de te dire bon allez vas-y, euh, je me lance. Et finalement, quand tu oses, et eh ben euh, même si tu te plantes, tu pourras dire ben ouais je l'ai fait. Que passer des mois et des années à ruminer dans ta tête, oui mais j'aurais peut-être dû faire ci, j'aurais j'aurais peut-être dû le ou la quitter, j'aurais peut-être dû dire à mon patron d'aller sur Foot, j'aurais peut-être dû machin. Non, au moins fais-le. Si tu te rates. Tu pourras dire ben cool, je l'ai fait au moins j'ai vu que c'était une mauvaise décision et si tu réussis tu diras putain, j'ai jamais eu autant raison que d'écouter mon cœur. Voilà. Faites de votre vie une aventure, faites de votre vie votre aventure. Voilà. Moi, c'est vraiment comme ça. Je trouve c'est vraiment le, le, la phrase qui te caractérise, le slogan que j'ai envie de coller sur toi pour te mettre une étiquette. C'est faites de votre vie une aventure. Je trouve ça, je trouve ça vraiment génial. Les, les défis que tu t'es lancé et surtout que tu as accompli, c'est euh, euh, vraiment, euh, c'est comment dire, c'est vraiment très euh, très euh, instructif. J'ai envie de dire, c'est pas le bon terme, mais très inspirant. Voilà. Inspirant. inspirant. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, merci. Ouais, Exactement. Merci Lou, ça fait bien plaisir. Je suis, je suis vraiment content que tu me dises tout ça. Je, enfin, je vois. Tout à l'heure, on parlait en off, euh, on parlait de, 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 de vidéos ou tout ça, de, de nos chemins de vie. Et, et oui, en effet, même si on vient pas d'un même milieu, je vois qu'on en arrive aux mêmes conclusions. Pourquoi C'est parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que face aux énigmes de la vie, il euh, euh, y a celui qui va dire oh bah c'est un problème, je, 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 je switch. Et puis il y a ceux qui vont tenter de résoudre le problème. Et on en arrive aux mêmes conclusions. J'ai envie de dire que les gens qui réfléchissent un minute ou qui s'éveillent, euh, les grands esprits se rencontrent. On ne peut qu'en arriver aux mêmes conclusions. Et c'est pour ça qu'on se retrouve là ce soir. C'est parce qu'à un moment donné, euh, euh, tu t'es retrouvé dans un certain discours que j'ai pu dire à un moment donné dans une vidéo. Tout comme moi, j'ai senti une bonne euh, wave, <laughs> une bonne vague euh, dans le tien. Et du coup, bah, après, ça match. Les euh, gens euh, qui se posent la question euh, Céleste, tu n'es pas vacciné non, non, non. <laughs> zéro dose. Ouais, non, zéro dose, non, 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 zéro dose et le pire, c'est que je voyais tout à l'heure dans les commentaires les gens qui disaient bon, arrêtez de parler, on veut du complotisme maintenant. <rire> <rire> non, non, pas, pas vacciné euh, et, et fier de pas l'être et, euh, et j'avoue, j'avoue, bon, si les gens ils veulent du, ils veulent du croustillant. Je ne vais pas faire le discours du eh, chacun choisit ceux qui veulent se vacciner. Non, j'en veux aux gens qui se sont vaccinés. J'en veux aux gens qui se sont vaccinés parce qu'ils ont. Euh, tu, tu vois, c'est pour ça que je suis pas, Je suis pas un être sage et accompli. J'ai encore du travail à faire sur moi-même. Je trouve qu'ils ont contribué à légitimer ce discours euh, honteux et surtout. Ça a été les premiers à nous balancer. C'est-à-dire que les vaccinés, moi, ça a été les premiers à me casser les couilles, en fait. À nous dire, ah, mais machin, t'es complotiste, t'es facho, est du ça. coup. Et, euh, et en fait, ils ne se rendent pas compte que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des résistants et que là, nous étions résistants et eux étaient collabos. Et ils ne se rendent pas compte. Ils ont. Ah ils non, ont, ont... c'était eux, les résistants. Ouais, ouais, ouais. Et ça, virus. en fait, je leur en veux. Et là, je, je te le dis, euh, même dans. dans... Tout, tout le monde a eu ce conflit, quoi. être dans, 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 dans la famille proche, euh, les parents mmh. qui se vaccinent, les, Pachins, les machins, les machins. Et je vois bien que ça, ça a fait un clivage, mais moi, j'ai l'impression, vraiment, je te le dis, en France, j'ai l'impression que ça a scindé le pays en deux et que j'ai vraiment vu les idiots et les gens éveillés, quoi. J'ai vu les. Non, mais clairement, clairement, j'en ai déjà parlé, ai... justement. De, de cette ah ouais, fracture, ouais, mais moi, ouais. Je, je me suis dit, mais c'est dingue. Hein. Et du coup, quand je dis idiot, je parle aussi de consommateurs. Tu vois tous ceux qui consomment, qui se remettraient en question, qui machin... Et là maintenant ils sont tous là. Eh Macron, Macron. T'es là, oui, fils de pute, Macron. Euh... <laughs> euh, non, mais et du coup non, j'avoue que je garde, une, je garde, une forme de, de rancœur envers les vaccinés euh, et qui viennent pas me sortir leur discours de boomer. Euh, oui, mais bon, euh, machin, restaurant, sortie, ta gueule, quoi. En fait, euh, en il fait, y, y a un moment donné, c'était là qu'il fallait agir et ils ne l'ont pas fait. Et je maintiens que ça reste des traîtres et qu'ils paieront l'addition à un moment donné. Point barre. Ah, j'ai l'impression d'entendre Strikey. C'est euh, un artiste aussi avec qui j'ai beaucoup travaillé. Mais euh, clairement, oui, bon, ouais, c'est clair qu'on on a du mal à leur, euh, on a du mal à leur, à leur pardonner parce qu'ils ont, ils ont légitimé ce, euh, ce mensonge. En fait, ils ont donné le pouvoir euh, au pouvoir qu'il avait déjà et ils nous ont craché à la gueule alors que nous les non-vax, on essayait de les sauver. C'est ça l'apothéose. Et là, je ne veux, oui. veux pas me faire passer pour un martyr ou un héros ou je sais pas quoi. Non, c'est juste qu'en fait, autant nous, on disait, bah, si tu veux te faire vacciner, vas-y, ok, c'est ton problème. Moi, je t'aurais prévenu, mais euh, voilà, je... tu on s'est mis en retrait, en mode je te respecte, mais viens pas me faire chier. Par contre, eux, je trouvais qu'ils nous crachaient à la gueule, en fait. Et je trouvais qu'il y avait toujours ce côté euh, pestiféré. Ah, t'es pas vacciné, oh là là, machin. Et, et ça, mais ça a exactement. été... Euh... Moi, dis-toi que je l'ai mal vécu, alors que j'étais pas en ville. J'étais à la campagne, et je veux dire quand tu vois que ton agriculteur, quand tu vois que l'agriculteur qui que son seul contact social c'est le facteur, quand tu vois que même lui est abruti par ça, tu dis oh là là, on part loin quoi, on parle loin. Quand quand, quand, quand quand au fil d'une conversation, il a encore le tracteur qui tourne, il te parle et tu il te dit ah oh ouais vaccin et tout, il en est à sa troisième dose, tu dis oh non mais je... Et en fait, moi, ça m'a attristé, ça, de voir que ça avait atteint le plus profond des campagnes. Je sais pas comment te dire. Et... Et bah pourtant, à, un niveau, à un niveau médiatique, je veux dire, ils ont mis le paquet. Si tu te rappelles, on nous montrait sur BFM TV les malades qui étaient transportés par l'armée, carrément, euh, qui, qui transportaient d'hôpitaux à hôpitaux. Euh, ils, ont mis, ils ont vraiment mis le paquet. Moi, j'avais fait un appel. Je ne sais pas si tu as regardé ça sur ma chaîne. Euh, tu peux trouver ça sur ma chaîne. J'avais appelé l'ARS, j'avais appelé euh, la Haute Autorité de Santé, j'avais appelé euh, Info Covid et tout ça. Et je leur disais, mais il euh, y a un truc surnaturel, c'est que euh, quand j'éteins ma télé, il bah, n'y a plus de pandémie. Exactement. Ça n'existe plus. Alors, ouais. je leur demandais si ce n'était pas vraiment euh, genre, une sorte de pandémie médiatique. Et, et tu exactement. Vois. Mais ça s'appelle une, une hallucination collective. Moi, j'étais pareil que toi. À ce moment-là, j'étais où Je devais être en rando, comme toujours. Et pareil, dans ma réalité, moi, tout allait bien. Dans, dans ma réalité, je marchais, euh, personne n'était malade, machin. Et c'est les, les abonnés qui me regardaient dans les commentaires de mes vidéos qui me disaient ah, « Mais machin, comment tu fais pour te déplacer, machin Tu pas le Covid, tu pas le pass sanitaire ?» et en fait tu dis mais les gars en fait ça dépend sur quoi vous fixez votre attention tu en fait tu fais vivre sur internet il y a un proverbe qui dit don't, don't feed the troll ou je sais pas quoi ne nourris pas le troll et en fait dans la vraie vie de tous les jours c'est pareil arrête de nourrir les gens anxieux là vous êtes anxieux pourquoi parce que dès le matin tu vas regarder les infos donc le, tremble, le tremblement de terre je sais pas où la guerre je sais pas quoi le poutine l'ukraine la palestine et tu, tu te files la gastro tout seul mais à un moment donné si, es, si es honnête avec toi même tu te réveilles le matin tu bois ton café et que tu fais abstraction de tout ça. Mais ça n'existe pas en fait dans ta réalité. tu es là. Ben, Mais y a ça, un a été, euh, ça a été ça a été la grande ça a été comment dire la, la, la grande conclusion de H1N1. En fait, quand on a eu la, la fameuse pandémie H1N1, qui a été aussi hein, avec du recul clairement une pandémie médiatique. Ça a été même reconnu que l'OMS a complètement dramatisé cette cette pandémie. Ils se sont dit à un moment, bah, ils ont fait leur petit test, leur petite expérience, et ils se sont dit bah, il y a un problème en fait avec, euh, avec le virus médiatique, c'est qu'un bah, virus, ça ne se voit pas, c'est invisible. C'est dans l'air, on ne sait pas trop où il est et tout. Et là, sur la, la seconde pandémie, donc Covid-19, ils ont réussi à un truc incroyable à un niveau, euh, à un niveau neurologique, j'ai envie de dire, c'est qu'ils bah, ont réussi à rendre la pandémie visible. C'est-à-dire, en effet, il nous suffisait d'éteindre ouais. nos télévisions pour faire en sorte de ne plus entendre parler de ça mais dès que tu sortais dans la rue tu croisais des, des dizaines et des centaines de personnes qui portaient un masque et le masque ça a rendu quelque chose d'invisible visible donc Exactement. là ils ont fait euh, ils ont fait vraiment très très fort sur ce coup là franchement chapeau t as, t as... oui c'est ça tu as raison tu as, as totalement raison et non après bon là je suis un peu je bois de la bière depuis tout à l'heure. Je dis pas que je suis un peu bourré, mais je suis, du, je suis, du, je suis plus ou moins désinhibé. C'était euh... comme ça que non. je t'avais proposé le truc à la base. Vas-y, viens on discute non, non, comme non, si mais, on était à coudir, que, un comptoir. Que... J'ai du mal, moi, si tu veux, avec ce parce que je le vois, moi, dans ma communauté, euh... les gens qui parce que des fois, moi, dans mes vidéos, je vais dire, euh... je balance une petite crotte de nez, je balance une petite pique. Euh, genre, hein, machin, euh, vous, en même temps vous, vous êtes vacciné donc je, je balance une crotte de nez euh, mais je les taquine en fait je les aime bien mais, mais c'est une manière de dire euh, ah putain vous nous avez fait chier quand même pendant une période et je l'ai pas oublié tu vois et je vois que dès l'instant que je balance une petite réflexion dans les commentaires ben bah, non Céleste euh, euh, moi je trouve que machin et en fait j'en peux plus de ce discours qui nous a euh, qui nous maintient dans une mélasse c'est un discours qui est, qui est de lâche c'est un discours qui est là euh, qui est, qui est en gros, euh, bah non, euh, faut se faire vacciner. La peur, euh... peur de l'étiquette. Ouais, c'est ça. Et puis, ce... enfin, je sais pas. C'est toi, toi, toi... aussi ce truc que dès l'instant que tu dis non, bah genre, non, je ne veux pas me faire vacciner, c'est ah, donc facho, donc complotiste, donc méchant. <laughs> Et en fait, c'est ça. Tu as envie de dire, mais non, je, je peux être comme toi, sauf que moi, je ne veux pas me faire vacciner. Et, euh... Et on en parlait avec Bjorn de la chaîne. Euh... Vivre sans argent, là, sur, dans ma dernière vidéo, euh, anciennement ma ferme autonome. Et euh, lui, pareil, il a, il a mal vécu le truc. Il a mal vécu le truc parce que les gens l'harcelaient pour savoir s'il était vacciné ou pas, comme si les gens avaient besoin de savoir, en mode « Ah, c'est bon, il est des nôtres, donc je continue à le suivre. » Et euh, je sais pas, moi, j'ai trouvé vraiment qu'il y a eu, euh, je sais pas, j'ai l'impression que le Covid a mis en avant les abrutis du pays, quoi genre ah ok ouais, donc, ça. Oui. ça a été c'est vraiment ça, a été un... vraiment ça. ça a été en fait t'as eu un grand Et oui national c'est ça <laughs> c'est un, un un brevet des collèges t'as eu euh, les Gauliens et euh, ceux qui réfléchissent un peu plus quoi c'est tout et limite eux là haut dans les bureaux ils ont des stats maintenant donc ils se disent ok bon lui euh... et, et ça je je maintiens je maintiens je maintiens et et je, je... combien d'amis autour de moi se sont clashés avec leur famille du style euh... Euh, je suis pas vacciné, mais ma mère allait, euh, mais mon frère machin. Enfin, je vois que ça a détruit des familles, ça a détruit des amis. Moi, à l'époque, je me rappelle, je fréquentais une nana, euh, on s'est clashé euh, à se vacciner, à me traite de complotiste un mardi. Euh, J'ai, mais qu'est-ce que tu me dis toi Et hop, ça dégage quoi. Enfin, moi, à un moment donné, il y avait zéro filtre. Juste parce qu'elle m'a dit qu'elle était a été vaccinée, je dis, Allez, tu dégages. <laughs> à un moment donné, non, mais parce qu'en fait, ça en dit long. C'est ça que je veux te dire. C'est qu'en fait, le fait qu'il se soit fait vacciner. Ça en dit long sur toute la mentalité derrière. T'sais, ça en dit ouais. long sur euh, le fait qu'il croit, euh, qu croit dur comme fer euh, en la révolution, en, en la démocratie. Enfin, ça en dit tellement long que j'ai la flemme d'avance d'argumenter. Donc quand il me dit « Ah, t'es complotiste ?»« Oui, oui, je suis facho aussi. Allez, ciao. » Enfin, j ai, j ai plus mais de mais nous, de... aujourd'hui, en tout cas, dans, sur cette chaîne-là, de, de, les gens de la meute, c'est devenu, euh, devenu un critère de rencontre. Je veux dire, avant, tu demandais aux gens, c'est quoi ton signe astrologique Maintenant, c'est, euh, tu demandes, est-ce que tu es vacciné ou pas Moi, je pourrais pas être avec une fille qui est vaccinée. C'est impossible. Euh, non, mais, mais je suis d'accord avec toi. Mais attends, je... tu, sais, tu sais que tu es en train de me faire penser, ils il sortent des appels de rencontre, j'ai vu, là, pour, pour des geeks. Ouais pour, 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 pour que spécialiser musulman, que spécialiser juif, tu, tu, tu sors une appli de rencontre spécialisée non vaccinée, j'en suis Mais sûr ça que ça existe, marche. Ça, ah bon ça existe, il y, un, il y a un Discord de rencontres non vaccinées, j'en ai fait la, promo, la promotion plusieurs fois. Et, euh, et même, sur, même sur ma chaîne, sur le Discord, les gens, il y a des gens qui se rencontrent, hein. il y a eu des couples qui se sont formés sur, sur cette chaîne et sur le Discord. Et, euh, et c'était un des critères, c'est de savoir qu'ici, tu allais rencontrer des gens qui ne sont pas vaccinés. Et donc, quelque part, ce tri euh, de vision de la vie, d'idéologie, a déjà été fait. Tu vois c est, c est, c est, Je suis d'accord avec toi. Et en ça, en ça, France, ça aide beaucoup. En soi, bah du coup le Covid a eu du bon, ça a fait un énorme tri. Hein. Après, est-ce que tu as vu aussi, il euh, y a eu un moment, il y a eu une petite courte période là où il y a eu comme un, un retour de bâton où, où les vaccinés ont un peu regretté de s'être vaccinés et du coup oh oh non, maintenant ils nous demandent une troisième dose, non c'est bon, c'est d'un coup ils avaient un semblant de, ils avaient un semblant de réveil, en mode, non non c'est bon, qui nous prennent pas pour des cons, la troisième dose, c'est euh, d'un coup ils étaient des nôtres. Mais tu envie de dire oui, mais fils de pute, ça fait. C'est ça ça ah. ce ouais, que mais... tu vois ces gens-là qui d'un coup étaient des nôtres, mais qui ne voulaient pas non plus dire qu'ils étaient non-vax. Bah, moi, je dis souvent, en fait, dans mon entourage, je ne connais, euh, connais pas de non-vaccinés qui regrettent de ne pas s'être fait vacciner. J'en connais aucun. Tout, tous les non-vaccinés sont contents de ne pas y avoir été. Par contre, des gens vaccinés Fémis. qui regrettent de s'être fait vacciner, je connais que ça. Ouais. Euh, C'est hallucinant. Quoi. Mais non, mais attends, mais si tu veux qu'on parle encore plus de, 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 de clash et de drama, enfin de. Euh, moi je te le dis et je, je l'assume, je connais des gens physiquement qui sont décédés à cause du vaccin. Tu vas, faire, ouais, ouais, tu vas te faire bah strike ouais. le live, je m'en fous. <laughs> non, mais vraiment, je rigole alors que c'est pas drôle. Je connais des gens personnellement. Je parle régulièrement de ces gens-là. Même mais... moi dans mon entourage. Mais moi euh, aussi. Le... Le, le, terrain, le terrain où, où j'ai ma cabane en Eure-et-Loire, en fait, si tu veux, je suis, je suis cerné par les gitans tout autour. Et, euh, et je les connais, tu vois, je discute avec eux et tout, et il y a eu un mec de leur communauté qui était tombé malade, sauf que ce n'était pas le Covid, mais ils ont cru à ce moment-là que c'était le Covid. Et quand ils ont vu ces symptômes, ils ont tous pris peur, ils se sont tous fait injecter. Bon, ben, depuis, il y en a un qui a perdu sa femme, il y a l'autre qui a fait une flébite, euh, il, il, a du mal, il a du mal à marcher. C'est ouais. euh, un, un carnage. Et là, ils sont en train de se rendre compte que, euh, ben, avant d'être injectés, ils allaient bien. Et depuis qu'ils ont fait l'injection, il euh, y, a, y a des trucs qui vont mal. Hein, donc... Dans le même genre. Regarde... En effet, je ne suis pas sûr que le, le direct survive sur YouTube, mais vous retrouverez la diffusion euh, <laughs> désolé, sur Chrome euh, Bunker. <laughs> désolé. Non, mais déjà, il y a ça. Il y a les gens décédés à cause du. Attends, tu veux que je te dise la, la blague, bon. blague euh, humour noir hein. Moi, c'est un médecin que je connais. Donc, le médecin, pour prouver que le vaccin était cool, il s'est vacciné. Le lendemain, il est décédé. Le médecin Genre, mais non, regardez, ça craint pas. Fin de l'histoire. Donc, déjà, il voilà. n'y a pas que lui. Attention, là, c'est un exemple, parce que c'est un peu général, ça permet aux gens de s'identifier. Mais ce n'est pas que ça. Est-ce que tu as remarqué aussi que tous les gens vaccinés, donc là, je te parle de, en 2024 maintenant, c'est les, les uniques à encore choper le Covid. Là, actuellement, à chaque fois que tu as un connard, qui oh, je peux pas te voir, j'ai le Covid, c'est un vacciné. Moi, en tout cas, de mon côté, c'est ça. Je ne sais pas chez vous ce que ça donne, mais chez moi, c'est ça. Bah ils ont foutu en l'air leur euh, Ils ont foutu en l'air leur défense immunitaire. C'est clair, c'est euh, pareil. Je veux dire, déjà, euh, au moment où ils ont sorti les injections, on, moi sur la chaîne, je m'amusais déjà à faire un petit peu de, des statistiques. On nous disait que ce, ce, cette injection fonctionne à 90-95%, ça protège. Et on prenait les statistiques dans les EHPAD. Et dans les EHPAD, tu avais genre bah, 100% de la population vaccinée et euh, 95% de, euh, de la population de l'EHPAD qui a le COVID <laughs> juste, après, juste après avoir été vacciné. Donc de là à dire... Que les injections carrément ça te permettait de choper la maladie je crois que c'était pas euh, c'était pas complètement fou puis il y avait ce truc avec euh, je sais pas si tu te rappelles la protéine spike en fait si, je trouve si. ça, me paraissait, ça me paraissait logique tout ça parce qu'on nous expliquait que la protéine spike c'est la porte d'entrée du virus dans l'organisme sauf que ton organisme à la base ne produit pas de protéine spike et là on nous a dit c'est une injection, un vaccin, mais ce n'est pas vraiment un vaccin parce que c'est de l'ARN messager. Et en fait, ça va permettre de, de répandre cette protéine Spike à l'intérieur de votre organisme. Et ensuite, votre organisme il va produire des anticorps contre cette protéine et ça va vous protéger. Ah et ouais. en fait, ce qui se passait, c'était que ben, le corps se défend contre une, ag... contre une agression. Et quand la protéine Spike elle arrivait, eh bien, le corps ne voyait pas ça comme une agression. Donc, du coup, ben, laisser la protéine spike se, euh, se multiplier à l'intérieur du corps, mais sans produire d'anticorps face à quelque chose qui n'est pas une agression. Et comme c'était la porte d'entrée du virus, cette fameuse protéine spike, j'en suis arrivé à la déduction que ceux qui ont énormément de portes d'entrée, avec une toute petite charge virale, ben, ils finissent par choper le truc. Alors que les gens qui n'étaient euh, pas injectés, donc qui n'avaient pas de porte d'entrée, ben, ne chopent pas le truc, tu vois. Je, sais pas je suis si as suivi. Mais... Si, 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 si. j'ai totalement suivi. Ça, ça me fait penser que moi, je l'ai chopé le Covid à un moment donné. Donc, alors après, je, je dis Covid, mais ça se trouve que c'était juste une grippe. Mais en tout cas, j'ai chopé un truc qui s'avère qu'à ce moment-là, je bossais, euh, j'étais barman dans un truc. Donc mon patron m'a obligé d'aller me faire dépister. Euh, comme un con, j'ai été me faire le, 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 le truc dans le nez. Là. Tu t'es fait violer les marines, sérieux? Ouais, ouais, malheureusement, ouais, je me suis fait ah c'est dur, ça, c'est ah, dur. Ça, je ouais, sais, je vu. sais, mais tu crois je moi que j'en suis dégoûté. entre les je suis passé entre les gouttes, j'ai réussi à esquiver le truc. Et du coup, la nana, c'était le docteur, c'était une femme, elle me dit bon ben, bah, tu, tu as le COVID, machin. Bon, alors, après, il m'avait, c'est vrai que j'avais une sale grippe. Enfin, j'étais vraiment malade ce jour-là. Mais, euh... mais je pense, voilà, c'était pour parler des défenses immunitaires. Je pense qu'en fait, justement, mon corps avait besoin de choper ce truc-là pour ensuite euh, voilà, se, se créer une barrière, enfin en gros le vaccin naturel, quoi, euh, tes défenses immunitaires euh, classiques. Mais euh, j'ai l'impression que ceux qui se sont fait vacciner, c'est comme s'ils avaient devancé le virus et au final, ils, ils, ils ont juste fait un terreau fertile pour qu'il se développe encore mieux, quoi. Bah moi, je pense qu'il n'y a pas eu... Euh, enfin, je sais pas. Après, je ne peux, peux pas dire ça comment dire, avec, euh, avec certitude, mais euh, quand on nous a expliqué que la grippe a disparu en France pendant la pandémie de Covid, et, euh, je, je pense que les gens avaient la grippe. D'ailleurs, les, les fameux tests bah, PCR, celui que tu as passé dans tes narines, ça s'appelait les tests RT-PCR 2019. Il y a le CDC aux États-Unis, au bout d'un moment, qui a dit, oh, bah, on arrête d'utiliser ces tests parce qu'ils détectent le, le, la grippe comme étant le Covid. D'ailleurs, c'était l'objet oui. de, de mes appels à l'ARS. Je voulais leur demander des explications par rapport à ça. Puis eux, ils n'étaient pas au courant. C'est des gens, ils sont là pour nous informer, mais ils ne sont pas au courant. En fait, leur seule recommandation, c'était euh, « Monsieur, allez vous faire vacciner, ça va vous ah ouais. protéger. <laughs> » C'était ça. Et, euh, et donc, ouais, voilà, j allais, j allais, euh, je m'étais euh, posé des questions là-dessus. Mais euh, en fait, ça a, été, ça a été une pandémie de tests positifs. Je veux dire, c'est la première oui. maladie en fait où euh, on t'expliquait que tu pouvais être malade asymptomatique et ce truc de malade asymptomatique ouais. c'est ouais. parti à la base d'un de ce qu'on appelle être un porteur, et ouais, un je porteur sain. C'est par rapport bien. à la génétique, ça n'a rien à voir avec les virus, tu vois. Et, euh, et donc, on nous avait fait le, le malade asymptomatique. Tu as vu avant quand tu rentrais chez ton médecin, tu t'asseyais et le médecin il te disait Bon, c'est quoi vos symptômes puis euh, bah, si tu lui disais bah j'ai pas de symptômes, bah, le médecin il disait bah n'es pas malade. Et avec le Covid on en est arrivé à c'est quoi vos symptômes, j'ai pas de symptômes, attendez vous inquiétez pas on va vous tester, on va bien vous trouver quelque chose tu vois ouais. Et, euh, On était parti vraiment dans de, complètement dans, dans cette folie avec, euh, avec le Covid 19. Je crois pas que le direct va survivre hein, sur, euh, sur YouTube <laughs> à mon avis. Je pense que dans la soirée je vais recevoir un message, mais c'est pas grave vous le retrouverez sur Bunker ou sur euh, ou sur des lives. Et euh... Sinon tu le, je sais pas si tu l'enregistres, mais tu peux remonter les passages délicats. Euh, Peut-être tu coupes les passages un peu craignos non, si non, non. Pas... non, non, je veux pas m'emmerder à faire ça. ok Soit il laisse, soit il laisse passer. Je vois que sur, sur d'autres chaînes, ils sont beaucoup moins sévères qu'avec moi. C'est vrai que moi, pendant la pandémie Covid-19, ça, ça a été vraiment un de mes chevals de bataille. C'était de dire aux gens de ne pas aller se faire injecter. Ça, ça les a énormément dérangés. Ouais. Mais je pense que depuis, ils ont, ils ont relâché un petit peu la pression. On verra bien. On verra bien ce que c'est. Oui, ça oui, sur, sur les thèmes du Covid, ils ont relâché la pression. Euh, moi, c'est moi qui en ce moment je suis dans le collimateur de YouTube. Moi, ils me, il me vérifient au tournant. Je ne sais pas si c'est le fait d'approcher des 100 000 abonnés. Mais euh, ouh, putain, la moindre vidéo, c'est croix et bannière pour, pour montrer pas de blanche, en fait. Rien que la dernière, là, celle avec euh, ma ferme autonome euh, où on visite Lyon, euh, en fait, elle était en ligne. Et quand elle est en ligne, je reçois des restrictions que je dois prouver, que j'ai bien les droits d'auteur sur les musiques, que, que mmh. je n'aborde pas des sujets tabous. En fait, c'est chiant. Et j'ai des... et mmh. ça, depuis, depuis la fin du Pionnier, depuis euh, à peu près à la moitié de l'Italie jusqu'à bah, aujourd'hui. Je, je sais pas pourquoi, des fois, YouTube, j'ai l'impression qu'il cible de manière aléatoire des gens et à chaque vidéo, il décide de. Je sais pas. Mais bon, bref, bref ouais, j'espère bon. que là live se fera pas strike non plus, quoi. Ouais, ouais, mais je te moi, ça fait longtemps que j'ai basculé, euh, toute la communauté a basculé sur une autre plateforme qui s'appelle Deslives. Euh, on en parlait en haut, justement, à quel point c'est difficile de, de, de sortir les gens de leurs habitudes si les gens sont habitués à YouTube. Faire basculer toute une communauté comme ça sur une autre plateforme, c'est euh, extrêmement compliqué. Hein, ça, ça met beaucoup de temps. On appelle ça la friction. Ça s'appelle la friction dans le, langage, euh, dans le langage de la communication. C'est le fait de en fait, plus les gens ont de clics à faire et moins ils iront. Donc, en fait, ça mmh. fait un filtre. Alors, tu peux être sûr que ceux qui y vont, c'est le noyau dur. Mais, euh, ouais, moi, je Alors, le vois. J'ai de, hein, euh... de la chance parce que j'ai euh, euh, bah, la Meute, une communauté très fidèle qui a, qui a suivi euh, sur, euh, sur des lives, alors c'est vrai que c'est pas aussi c'est pas aussi fluide que sur YouTube mais euh, ils ont fait ils ont fait cette friction, c'est une mode frictionnée, ils ont ils ont suivi <laughs> C'est cool. Bah, euh, bah, Céleste, en tout cas, euh, super cool de, de m'avoir accordé cet entretien. À la base, ça devait durer une heure. Là, ça fait une heure quarante. Bon, après, moi, je m'en fous. Hein, si tu as envie qu'on euh, qu discute encore, euh, au contraire, moi, comme je te dis, c'est le petit cadeau que je me fais sur cette chaîne et puis qu'en même temps, je fais, euh, je fais aux auditeurs. C'est que des fois, ouais, quand je reçois les gens en interview, je suis un peu incisif. J'ai un petit peu envie de parfois d'essayer de les mettre, dans de, de les sortir de, de leur zone de confort. Alors ouais. qu'avec Céleste, euh, je veux dire, on est tellement. Euh, voilà, on vient de milieux différents, mais on est tellement en adéquation. Je pense que vous vous en êtes rendu compte là quand on a discuté sur le Covid, ne serait-ce que... Quand, il, quand Céleste nous parle de gauchiste, voilà, vous savez, pour moi, le gauchisme, c'est, euh... avant, moi, j'étais de gauche, j'étais quelqu'un vraiment de gauche et avec les valeurs de la gauche. Puis après, moi aussi. quand je me suis rendu compte que, euh, ben, finalement, euh, les... quand Ça, tu réfléchis, ouais, il y avait pas de cohérence, tu vois, quand tu grandis, ouais. que tu vois tous ces trucs là et tout, et c'est à ce moment-là que je suis devenu apolitique, c'est-à-dire aujourd'hui, je me considère pas de droite non plus. Mais euh, bah un petit peu comme le disait euh, Soral euh, quand il avait sa chaîne Égalité-réconciliation, là c'était... Tu, de... tu veux vraiment te faire strike ton live, toi <laughs> Non, mais dans, dans l'idéologie, c'est un peu ça, c'est gauche, gauche du travail, droite des valeurs, tu vois. Et euh, ce mélange, justement, euh, ce mélange un petit peu apolitique où en gros, il bah, y a du bon de chaque côté. Donc euh, ça, ça, donne, ça donne assez de mal aujourd'hui à se, à se positionner, on va dire, dans le... Dans le paysage euh, politico-idéologique. Euh, la, la scène politique. Mais voilà, euh, ça. Je, je te rejoins sur un truc, euh, tout comme toi. Euh, moi, j'ai plutôt eu une euh, jeunesse de gauche avant d'avoir un éveil et, et au final, euh, apolitique aussi, parce que je me suis rendu compte, et je le dis, hein, que chez les droits euh, d'art, il y a du gros cassos aussi. En fait,. Euh, je, je, suis, je suis vraiment apolitique, mais c'est ce que je te disais un peu plus tôt, je ne sais plus si on était déjà en live ou pas, j'ai quand même souvent l'impression que c'est le gaucho qui vient nous qualifier de droit art, tu vois. Le droit art, en, bah en fait, il c'est l'idéologie de la bien-pensance dominante, quoi. Oui. dire Même les journalistes dans le mainstream sont très, sont très gauchistes hein, dans, leur, dans leur manière de voir les choses, genre toujours, on est les plus grands humanistes, c'est nous qui avons le plus de cœur, tu vois. Ils veulent, ils veulent accueillir tous les migrants du monde, mais quand tu leur dis, bah vas-y, prends-en un chez toi, ah non, il n'y a pas la place. Je suis désolé, je ne peux pas l'accueillir. Il n'y a pas la place. Un petit peu, ça, ça résume tout, en fait. Ça résume toute, toute leur idéologie, vraiment. Mais, ouais, mais je ne peux, je peux rien dire, parce que moi, moi dans mes vidéos, moi, le, simple fait... <laughs> non, 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 mais le simple fait que je parle de spiritualité, moi, je sais que pour beaucoup, je suis déjà une sorte de vieux droitard conservateur. Donc, en fait, tu vois, alors qu'ils il s'intéresserait vraiment à la vidéo de seconde. Euh, Ils il pourraient raccorder ça avec leur concept euh, bobo, euh, new age, euh, yoga, euh, euh, bouddhiste. Mais c'est juste que si tu veux, j'ai l'impression aussi que moi, je me suis rendu compte que dès l'instant que tu parles de religion ou spiritualité, ça fait mmh. aussi une grosse scission. Tu vois, ouais. tu vois de suite. Euh, en fait, c'est simple celui qui va accepter que tu en parles, qu'il soit de gauche ou de droite, hein. C'est un bon parce qu'il a le cœur ouvert et, il a un, et lui, pour le coup, c'est un vrai mec tolérant. machin Et celui qui se braque immédiatement, c'est de la merde en boîte. C'est que tu peux rien parler. Et moi, c'est aussi pour ça que dans mes vidéos, je me suis mis de plus en plus à parler. Je ne le fais pas par euh, dans un conflit, dans une optique de conflit, mais je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je parlais de foi, de croyance, de, 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 de trucs un peu magiques, euh, putain ça faisait un tri mais en fait c'est un tri qui est nécessaire parce qu'en fait ça dégage toute la merde et euh, tu, tu restes avec les tiens un peu comme toi avec la meute tu vois quand tu dis mmh. euh, non que vax, vax... euh, tu te considères comme catholique chrétien ou tu te considères comme juste quelqu'un ayant une spiritualité et puis en fait t'es pas dans le rejet des gens qui décident de mettre euh, comment dire une sorte de, de dogme de mode d'emploi derrière leur spiritualité j'ai du mal avec les religions qui mettent un mode d'emploi, vraiment qui mettent Ah non, ça c'est Halal, ça c'est Aram, oups, j'en ai trop dit. Non, j'aime pas, <laughs> pas ceux qui disent vraiment. Euh, c parce que ça, ce n'est pas de la religion, c'est de la superstitialité. Superstitialité, ça se dit hein La superstition, superstition. peut-être. Ouais. Merci. <laughs> ouais. En fait, pour moi, la religion, c'est un truc de foi, du cœur, c'est Tiva. Euh, du coup, pour répondre à ta question, moi, je suis spirituel avec une éducation euh, chrétienne catholique Mais, encore un point commun que, que nous avons voilà. j'ai pris, en fait j'en ai déjà fait toute une vidéo, j'ai pris cette base euh, chrétienne catho pour finalement euh, trouver ma foi et je suis assez proche bah, des cathares les, les, les chrétiens de l'époque euh, je suis assez proche des cathares et, et là plus récemment je m'intéresse vachement à tout ce qui est druide, celtique euh, voilà c'est des trucs dans lesquels je me retrouve et en ouais, fait, Charlotte, a... Charlotte elle, a, elle a un réseau social qui va dans ce sens-là, si, oui. euh, si tu veux bien nous dire comment s'appelle son, son réseau social. C'est sur Instagram seulement. Et euh, donc, ça s'appelle La Celte des Sous-Bois. Euh, voilà. Et en fait, elle, parle des, elle donne des recettes anciennes et ancestrales, donc surtout celtes, celtes et Gauloise, euh, sur le côté comment se soigner, comment euh, ramasser des plantes euh, médicinales et comestibles. C'est un mix entre sorcière, druide et, alch et alchimie. Et, et en fait, c'est là-dedans… J'ai la même à la maison. Voilà, non, mais c'est ça. C'est là-dedans là qu'on se retrouve. Mais, enfin, je veux bien te dire un mais, c'est que souvent, les gens font genre, euh, moi, je suis, euh, je suis ça, donc je suis plus chrétien. Parce que... Mais non, moi, je fais des liens avec ça. En fait, je me rends compte que, que le christianisme s'est calqué… Sur euh, la période des Gaulois en, en Gaule, en France, quoi. Euh, sur, on a les mêmes fêtes, on a les mêmes euh, saints, on a les mêmes trucs, c'est juste les noms qui ont changé. Et, euh, et moi, en fait, je suis là, je suis dans cet entre-deux. Euh, si ouais, tu, suis... tu, regardes, tu, tu regardes les corrélations qui peut y avoir entre les voilà. différentes cultures et tu ça. te rends compte que quelque part, il y a, y a comme une espèce de d'origine de, de, commune qui résonne tout au fond et c'est ça Mais qui oui. t'intéresse plus que. Mais... Mais, mais parce que quand le christianisme est arrivé en Gaule, ils ont dû convertir les païens qui étaient les Gaulois et les Celtes. Et si tu veux, pour pas trop les frustrer, euh, ils se sont calqués sur des leurs... comme le 25 décembre. Mais oui, exactement. Du tout. Et en mmh. fait, en France, on a on a un christianisme druidique quoi. On a on, a, on a un truc. Euh, et, et moi je et moi quand j'étais petit, j'ai toujours ressenti ce truc euh, du Celte quoi. Moi, moi je je parle aux chênes, euh, tu vois, aux, aux châtaigniers, aux sapins, je, je, me, sens, je me sens connecté. Voilà, tain, ça fait trop ça fait trop New Age. Là. Mais bref, <laughs> ce que je veux dire, ce je veux dire par là, c'est que j'ai à la fois le côté Astérix et en même temps euh, Jean-Paul II. Quoi. <laughs> Mais je te comprends, je te comprends à 100%. Ouais, les choses de, vraiment de la. De la... De la même manière, tu sais, moi je gravite beaucoup dans des, dans tous les milieux. Je veux dire, je suis parfois avec ce qu'on appelle avec des musulmans modérés, même si j'aime pas le terme, mais je connais aussi des intégristes. pareil au niveau des catholiques, c'est beaucoup non pas catholiques intégristes, mais tradis. Voilà, il y a beaucoup de catholiques tradis dans mon, dans mon, dans mon entourage. Et parfois, ouais, parfois c'est, parfois je les trouve très assez. Les choses sont de cette façon-là. Si tu penses pas comme moi et tout, puis bon, bah, après au fil du temps, ils ont fini par me découvrir. On voit les choses, on voit les choses de la même manière. Je suis vraiment pas contre ceux qui, ouais. qui choisissent. Je suis pas anti-religion, quoi. Mais euh, j'aime bien, euh, j'aime bien justement me laisser la, la porte ouverte à une sorte de, de spiritualité individuelle ouais. où je suis en perpétuelle découverte. Et, euh, mmh. et je pense que la, la spiritualité, c'est ça. Moi, je dis souvent, la spiritualité, c'est comme la sexualité, c'est privé, voilà. Et on a chacun la nôtre. Donc, euh... oui. oui, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai du mal avec les gens euh, religieux qui l'affichent beaucoup trop sur les réseaux. Et là, je pense, je suis désolé, hein, je vais tirer une balle perdue, mais je pense aux musulmans. Les musulmans sont constamment en train de, de, de montrer sur les réseaux. Je parle bien sur les réseaux. Euh, je veux dire, il euh, y a trop une sorte de... Pour moi, la religion ou la foi ou la spiritualité, c'est un truc intime. Tu n'es pas censé le montrer, tu n'es pas censé faire le buzz avec ça, quoi. Et euh, en fait constamment montrer, euh, euh, je suis en train de faire le ramadan, je suis en train de faire ci, je suis en train. De... En fait, ça c'est pour moi c'est de. C'est de l'erreur, c'est du, c est, c est... Enfin, voilà, bah, de la, la spiritualité, c'est une relation entre, entre soi et Dieu, et il euh, y a pas de, il y a pas de bluff là-dedans. Moi, je me rappelle quand j'étais ouais. euh, au collège en banlieue parisienne, euh, des potes musulmans qui faisaient le ramadan que j'avais grillé en train de bouffer dans les chiottes et qui m'avaient dit surtout le dis pas aux autres, le dis pas aux autres. Et moi déjà ça m'avait choqué à ce moment-là, c'est-à-dire en gros, tu, tu peux bluffer les autres, je le pas aux autres. C'est De l'apparence. Voilà, bah, mais ça c'est présent dans toutes les religions, hein. c'est pas que oui. pas que dans oui, l'islam. Oui. Hein. Chez les catholiques aussi, j'ai vu beaucoup cette apparence. Hein. Donc, euh, je suis d ouais, voilà, c'est ce truc où en fait il y a. Ouais, je, voilà, suis mais... je suis d'accord. Je suis d'accord, mais bon là, bon, tant pis si je me fais des ennemis. Je trouve que l'islam et les musulmans ont un côté, en France actuellement, beaucoup trop prosélytisme. Je trouve que le le musulman essaie constamment de convertir. En fait, enfin, fait, je sais pas si c'est moi mon feed. Euh, donc mon feed euh, vu que t'aimes pas les anglicismes, non, c'est quand tu te connectes sur les réseaux standards. Tu vas sur YouTube, TikTok ou Instagram et c'est un peu les premières conneries qu'on te propose. En fait, moi, je, 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 je me dis, mais putain, c'est bizarre, on entend toujours parler, euh, c'est toujours là, en fait. Et des, des fois, tu te, dis, tu, tu te dis, mais en fait, la France est devenue un pays musulman ou quoi. Enfin, tu as, as l'impression qu'il y a que ça, en fait. Mais je ouais, dis je bien, que, je je dis bien dans une sphère <laughs> du réseau. Dans la réalité, hmm. c'est pas du tout ça. Tu sors dehors. Mais ça c'est très et présent. Oui. Après, justement, c'est très présent dans leur religion, dans leur religion et dans leur culture, parce que, euh, par exemple, la fatia, le fait de devenir musulman simplement en récitant le, euh, le premier, euh, comment dire, la première sourate du Coran, c'est ça qui te rend musulman, c'est réciter la première sourate du Coran en y croyant, évidemment. Hein, sinon, ça n'a pas de sens. Eh bien, euh, ça, c'est une méthode de conversion qui avait été créé sur les champs de bataille. C'est-à-dire que sur les champs de bataille, c'était euh, bah, une fois qu'ils avaient vaincu l'ennemi. T'avais le choix euh, soit euh, entre le zigouiller, soit lui faire rejoindre tes rangs. Et si tu voulais lui faire rejoindre tes rangs, il bah, fallait que le mec passe par cette méthode de conversion. Et donc, ils avaient sorti cette méthode de conversion genre, tu récites la première, ouais. euh, la première sourate, tu deviens musulman, tu rejoins nos rangs et, euh, et on ne te zigouille pas. Il y avait au moins, comment dire, cette, euh, cet acte chevaleresque que de pouvoir laisser le choix à la personne en face de, de garder la vie en, en faisant ça. Quoi. Ouais, Mais, euh, cheval, chevaleresque ou. Ouais. On va pas refaire l'histoire, mais en tout cas c'était c'est très présent en effet ce, bah, ce, le fait de vouloir convertir au maximum et d'avoir une méthode de conversion qui soit très simple pour que les gens puissent très rapidement revenir. Oui, 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 mais... Ça, ça s'explique historiquement. Oui oui, mais c'est pas parce que ça s'explique historiquement que c'est bien. Enfin, à un moment donné. Euh... Euh, la pédophilie s'explique aussi historiquement mais c'est pas bien quoi enfin je veux dire tu sais c'est voulu oui. en France tu vois c'est euh, cette, euh, cette stratégie cette euh, politique du grand remplacement c'est voulu par les mondialistes qui veulent clairement euh, bah, effacer un petit peu l'image le, euh, occidentale oui. l'europe le, voilà tu es au courant de tout ça je t'apprends rien je... du tout là oui 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 mais c'est ça c'est comme on nous persuade que le, le racisme anti blanc n'existe pas ton strike il va tellement sauter putain. et euh... <rire> <rire> ton live pardon pas ton strike non <laughs> mais pas grave. et euh... moi en tout cas je, je ressens que je sais plus ce qu'on disait mais euh, oui euh, oui globalement euh, je pense pour recentrer le truc je pense que la spiritualité en tout cas la religion c'est un truc intime avec soi et soi-même après je ne veux pas non plus offusquer les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, il n'y a aucun message de haine envers quiconque, ni religion, musulman, juif, chrétien, il n'y a rien, c'est un constat. Mais je me rends compte que sur les réseaux actuellement, il y a ce désir de vouloir toujours s'afficher. Par exemple, à chaque fois que je suis tombé sur une vidéo euh, d'un musulman qui, qui disait ouvertement Bonjour, je suis musulman et la vidéo d'aujourd'hui, il va parler de, de, de l'islam il y avait toujours un clash gratuit d'un coup envers une autre religion ah oui tu sais par exemple en ce moment la mode sur TikTok c'est de dire euh, euh, je suis machin donc truc par exemple euh, oui je suis obèse donc évidemment tous les jours on me dit que je suis gros je suis obèse donc évidemment tous les jours. tu vois c'est la grande mode évidemment le voilà, bon binaire voilà. et euh, bla, bla, bla. je suis machin donc évidemment que et, et là à chaque fois que je suis tombé sur je suis musulman donc évidemment que il y avait toujours une balle perdue sur un, un catholique il y avait toujours euh, évidemment que je me marierai jamais avec un, un chrétien machin et en fait c'est ça qui, qui qui me finit par m'insupporter c'est que je trouve le le cato chrétien en France actuellement c'est euh, un pauvre petit blanc patriarcat, conservateur un peu ringard souvent pédophile Faible. Ouais, faible, faible euh, a des, voilà, on peut lui détruire ses églises, on peut lui brûler sa cathédrale, machin. Et en fait, c'est une sorte de, de truc. Et finalement, on en revient au message du Christ, quoi, qui est, euh, voilà, tu seras crucifié sur la croix, tout le monde te crachera à la gueule, mais tu seras le seul à ressusciter. Et moi, c'est vraiment là-dedans que je me dis, il y a vraiment un truc à tirer là-dedans. Il y a vraiment une leçon à comprendre là-dedans. Et je trouve que en plus, le, le vrai musulman qui refuse euh, qu'on le filme qu'on s'expose, en vrai un vrai musulman c'est pareil, c'est intime, il est sur son tapis il prie, il n'est pas à s'afficher sur TikTok, sur... donc déjà tous vos clips de rap de connards qui s'affichent sur les réseaux machin, c'est déjà, déjà la mauvaise direction en fait et, euh, et voilà c'est tout, il n'y ben, a pas plus à dire en fait <rire> <rire> on est d'accord là dessus, mais euh, je rappelle que tout ceci c'est voulu, hein. la, la psychologie humaine a été étudiée dans ses, dans ses plus grandes profondeurs il y avait justement dans la france à travers cette comment dire cette, cette tradition catholique cette tradition chrétienne le fait que ben, on soit un, comment dire un peuple très ouvert très dans, dans, dans l'altruisme et on a été on a été abusé de toutes ces valeurs par rapport à ce qui se passe aujourd'hui les romains savaient déjà en leur époque que si tu veux faire disparaître une culture il n'y a rien de mieux que de la confronter à une autre culture, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. On a deux cultures qui se retrouvent face à face. Évidemment que le, le résultat souhaité, c'est l'affrontement. Ne tombons pas dans dans ces pièges, même si ça va être ça va être difficile parce que bah, c'est quand même le but qui est recherché derrière. Mais euh, comment dire, euh, se rappeler de euh, qui. Et alors là, la réponse est dans la question. Euh, et derrière tout ça, je pense, que, je pense que vous avez compris à travers cette confrontation des grands coqs, hein, le petit coq euh, qui, euh, qui reste dans son coin et qui regarde tout ça. Je pense que vous voyez euh, de, quoi, euh, de quoi je, vous, je veux parler. Euh, bah, en oui. tout cas, Céleste, comme tu veux, si tu veux, on peut encore rester ensemble, mais on atteint, on atteint bientôt les, les deux heures. Alors, une fois encore, moi, c'est le cadeau que je me fais sur cette chaîne c'était de recevoir, de recevoir moi, je, je... Céleste Grant c'est trop gentil, mec. Je veux bien qu'on continue à parler, il faut juste que j'aille faire un tour au pipi room. Euh, faire, euh, faire pipi, deux secondes. Comme tu veux, vas-y, je t'en prie. Merci. <laughs> Alors je me demande qu'est-ce qu'on va pouvoir euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir peut-être se regarder pendant que Céleste est au pipi room. Bon bah rien du tout. Je vais rester avec vous tout simplement. Mais ouais, c'est vrai, ça fait longtemps que... Enfin, euh, ça fait longtemps. Quand j'ai découvert, euh, découvert Céleste, euh, euh, bah, au début, j'ai vu ses vidéos, j'ai vu qu'il partait à l'aventure comme ça. Et, euh, moi, je l'ai déjà fait, partir à l'aventure comme ça, sauf que je ne filmais pas à ce moment-là. Et je trouvais ça génial. Et quand euh, petit à petit, et bah, à travers les petits messages qu'il laissait, justement, les petits messages, euh, on va dire... Euh, euh, politique spirituel à travers certains de ses commentaires sur euh, sur sa chaîne je me suis dit putain, mais en fait c'est dingue on voit euh, on voit les choses euh, exactement de, de de la même manière et puis euh, bon bah, ça se confirme ce soir voilà c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, je, une, une super rencontre je trouve ça génial de l'avoir euh, de l'avoir sur euh, sur la chaîne pour ceux qui ne le connaissent pas donc il vient de la chaîne bunker sauvage et en fait bah, il se euh, il a fait de sa vie une aventure parce qu'il se fixe des défis et ensuite, ben, il va remplir ses défis. Et puis il part, euh, il part un petit peu à la rage des fois, comme je l'ai fait en partant sur euh, sur Compostelle. C'était Ça s'est vraiment décidé comme ça, enfin ça a été décidé quelque temps avant, mais il y, a, il y a eu très peu de préparatifs en fait. On est vraiment parti à l'arrache comme ça avec, euh, avec ma loulouve et puis on s'est retrouvé sur les, les chemins de Compostelle et puis ça a donné cette, cette aventure en 12 jours que vous avez pu découvrir sur la chaîne YouTube. Et si ce n'est pas le cas, ben les vidéos sont encore disponibles, je vous invite à aller, à aller jeter un œil sur la chaîne YouTube. Euh, avec Maloulou, ben bah, en ce moment, ben bah, on est à... là en ce moment, je suis un petit peu, je suis du côté de chez elle vers la Vendée. On est un petit peu immobilisé parce que ce qu'elle souhaite, c'est pouvoir vendre sa, sa maison qu'elle n'a pas fini de payer et pouvoir euh, bah, acheter un camion aménagé comme moi pour avoir son petit chez elle aussi et qu'on puisse vivre en fait ensemble sur les routes en ayant chacun notre, euh, en ayant chacun notre espace. Donc, euh, ben ça pour l'instant, c'est en cours. Et puis, euh, ben je, je lui souhaite en tout cas que ça se, ça se réalise le plus vite possible pour que très vite on puisse vivre ensemble sur les routes et puis qu'on ben, puisse en même temps avec vous partager ces aventures. Et, euh, et quoi d'autre J'en parlais tout à l'heure aussi avec, euh, avec Céleste quand on était en off. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai constaté ça. Alors, Dom Dom, je sais pas si tu regardes euh, ce soir, mais Dom Dom, c'est euh, ben, une auditrice de la chaîne. Qui a perdu sa chienne récemment, qui s'appelait Finette, et, euh, et j'avais rencontré Finette avec Drogo, et, euh, et voilà, bon, bah, elle a perdu sa chienne récemment. C'est euh, des moments qui sont euh, qui sont difficiles à vivre. Mais là, c'est vrai qu'en cette euh, en, ce, en ce début d'année 2024, on constate qu'au niveau des animaux, ben, c'est il euh, y, y, y a pas mal de trucs difficiles. Moi, il y a Mero qui est parti euh, chez le vétérinaire euh, récemment. Euh, bah d'ailleurs, je remercie euh, Papilou. Au passage, merci beaucoup, Papilou. Tu déchires, merci. C'est super ce que tu as fait pour moi. Et euh, donc, Méro, il a été chez le vétérinaire. Euh, il, va, il va bien, mais derrière, euh, bah, deux jours après, c'est euh, le chat de, de Maloulou qui s'est retrouvé chez le veto. Et là, actuellement, il est hospitalisé là-bas. Donc, euh, on va avoir des nouvelles là, euh, demain encore. On va voir s'il va mieux. Euh, problème rhénaud parce que j'avais peur pour Méro, mais finalement, c'est euh, bah, son chat qui a, eu, qui a apparemment... Enfin, on ne sait pas encore. On va voir les résultats demain de euh, la seconde prise de sang, voir si ça, ça s'est amélioré. Mais c'est vrai que les animaux, là, bah, j'en parlais avec Céleste juste avant, il me disait, mais c'est fou, on a la même vie, parce que moi, mon chat, il s'est retrouvé chez le vétérinaire hier. Donc, euh, en ce moment, ouais, je ne sais pas. Il y a un truc autour des animaux, là, en ce début d'année 2024. On l'impression que euh, ouais, c'est le moment où, euh, où les animaux vont pas trop bien. Mais il y a le printemps qui arrive bientôt. Et, ouais, et ça, ça fait du bien. C'est vrai que là, quand je me balade et que je vois les bourgeons sur les arbres, ça fait vraiment euh, beaucoup de bien de voir que ça y est, on est en train petit à petit de rentrer dans une atmosphère de printemps. Et moi, comme vous le savez, j'ai le moral qui marche avec la météo. Et là, du côté de la Vendée, dernièrement, euh, c'est que de la flotte. Il flotte tout le temps. Même là, je vous parle, il est en train de pleuvoir. Euh, je l'entends sur, les, euh, sur le, le, comment dire, le, le toit ouvrant de Croquettes. Il pleut, il pleut. Bon, Céleste, hein, reviens, parce que là, j'essaye de combler depuis tout à l'heure. <laughs> il est parti pisser 10 litres. Euh, J'essaye de combler depuis tout à l'heure, et puis là, j'arrive à court de ce que j'avais à dire. Il y a le spectacle du docteur à l'ouest, toujours. Je vais vous remettre les dates à l'écran. Ça va combler un petit peu le temps que Céleste revienne. N'hésitez euh, pas à aller le voir. Hein, comme je vous disais en intro, si vous, vous êtes déjà fait traiter de complotiste au détour d'une conversation, que vous aimez bien euh, l'humour, la dirision et surtout la subtilité, n'hésitez pas à aller voir le spectacle du docteur à l'ouest qui sera à Blois. Donc euh, le 23 février 2024 à Paris, le 29 février 2024, je vois vous foutre de ma gueule dans le clavardier, à Metz le 1er mars 2024, il sera à Reims le 2 mars 2024. Et il euh, faut que j'arrête de dire 2024, ça n'a pas de sens. Il sera à Blanc le 16 mars et puis ensuite ce sera à Nîmes le 27 avril et il y aura peut-être des dates qui seront intercalées entre les deux. Je vais regarder si Céleste est revenu. C'est bon, il est de retour parmi nous. <laughs> Là, j'ai dû faire mon, mon travail d'animateur radio pour réussir à combler le temps, le temps que tu reviennes. Ton micro est éteint. Ouais, est je, suis pas... désolé, je suis désolé, euh, c'était un long pipi. <laughs> j'ai vu ça. Il <laughs> euh, bah, y a des trucs que tu voulais, euh, que tu voulais ajouter encore ce soir, peut-être des sujets que tu voulais aborder. Je me demandais si, euh, vu qu'il y a pas mal de gens sur le live, s'il y avait simplement des questions, si on ne peut pas prendre 2 trois questions euh, par rapport à tout ce qu'on a dit. Euh, après, Alors, encore une fois, je tiens à me dédouaner, j'espère qu'on a avec ces personnes dans nos dans nos, nos conversations. On est toujours obligé de s'excuser ou d'en de dire ce qu'on pense, mais bon. Euh... Voilà, ce non, c'est pas... bon. T'inquiète. Dans, dans la meute, c'est pas, c'est pas des fragiles, hein. Ils ont, ils ont l'habitude qu'on a, qu'on aborde ce genre de sujet, justement l'immigration de masse, tout ça. Ils savent d'où ça vient. Ils sont, ils sont très bien ça vient. Pardon. Ils sont très bien formés. Il euh, y a pas, il y a pas de souci. Peut-être moins sur YouTube que sur des lives, mais sur des lives, en tout cas, je sais qu'il y a pas de souci. Ils savent très bien qu'il y a aucune, aucune animosité derrière, euh, derrière comment dire ce genre d'analyse et de constat. D'accord. Euh, bah, si vous avez des questions pour euh, Céleste, n'hésitez ben, pas à renvoyer vos questions avec la lettre Q devant pour que je puisse euh, identifier que c'est une question. Après, on ne va pas trop... Euh... Bah voilà, tu vois, il y a Darkseid qui dit, Céleste, t'inquiète, on est ouvert, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Non, c'est peut-être mon côté trop youtubeur qui... Ouais, je, je me rends compte d'un changement, moi, je ne vais pas te mentir. Je me rends compte qu'en en, en dessous de 50 000 abonnés, je pouvais parler de ce que je voulais. Et je me rends compte que plus tu approches des 100 000, plus YouTube, et il te met une pression pour que tu ne dises pas un seul gros mot, le moins de pas de tra Il y a une autocensure, voilà. Il a, je sens qu'il y a une autocensure de mon côté. Mais euh, euh, pour être euh, tu sais, pour être honnête avec toi, dans la manière dont j'ai analysé ta, ta progression, bah tu es devenu de plus en plus euh, dans comment dire dans de plus en plus dans un format grand public. Donc c'est normal que tu finisses à attirer des gens qui sont euh, Non mais vraiment des gens qui sont de plus en plus du grand public mais en même temps ça sert énormément parce que tu as des gens qui vont être dans ce, dans ce format un petit peu conformé justement où bah, comme tu disais tout à l'heure tes trucs ça ressemble de plus en plus à des à un petit peu des fois, des documentaires Arte tout ça dans dans la manière dont c'est monté mais en même temps c'est bien parce qu'à travers le message que tu véhicules tu leur fais se poser des questions et, euh, et pour moi, tu fais, tu fais ta part du boulot différemment de moi, mais tu fais grave ta part du boulot. Euh, je, je, euh, je vois très bien ce que tu veux dire. En fait, c'est ce que je me dis euh, pour me rassurer. Je me dis bon, même si je suis tombé dans un truc un peu plus euh, léché et lisse, grand public. Euh, en fait, je me dis euh, ceux qui, qui comprendront euh, euh, seront touchés en fait, et du coup, j'ai l'impression de, de pouvoir quand même véhiculer mon message euh, à un plus large, à une plus large audience, quoi. Alors première question qui nous vient de YouTube, c'est Mika qui te demande comment va Babine, Bababine, Babline, la grosse Babine. Donc pour ceux qui l'ignorent, c'est mon ânesse Sindel qui a ce surnom Babine parce qu'en fait elle a un tic, elle n'arrête pas de lever sa grosse lèvre là de devant. Du coup la Babine, euh, elle va super bien. Elle, a des... elle est, elle est en pleine santé. Elle est dans un champ qui nous est prêté actuellement. Euh elle est toujours avec Balthazar et elle est aussi avec les chevaux de Charlotte qui a donc un cheval et deux poneys. Donc, ils sont cinq en tout. Et en gros, on a de la chance d'avoir trouvé un, une, un ami qui nous a prêté un champ, tout simplement. Donc, on va les voir tous les jours. Et en dernière nouvelle de santé, on les a traités contre les tiques. <laughs> tiques et puces parce que là où ils y sont, il y a beaucoup de tiques. Du coup, là, on leur a fait un petit traitement contre les parasites. Voilà. Aux dernières nouvelles, c'est ça pour Babine. <laughs> Alors, il y a Christy, euh, l'administratrice de mon Discord, donc, qui a pris contact avec toi. En fait, elle est en, en Australie. Et là, elle te pose la question à quand le tour d'Australie que je prépare le barbecue <laughs> J'avoue que j'aimerais bien venir en Australie. Euh, je ne suis jamais sorti de, de l'Europe, quoi que si. J'ai déjà été au Maroc. Ce n'est pas, pas dans l'Europe, le Maroc. Mais je jamais été très loin. Euh, J'avoue, J'aimerais bien. Je ne sais pas prévu, mais j'aimerais bien. Mais j'avoue qu'avant l'Australie, il y a plus le côté euh, Amérique qui m'attire, qui le côté Amérique, Alaska. Mais euh, il y a des émeux en Australie, je crois, non <laughs> Parce qu'en ce moment, je fréquente des émeux, c'est du genre d'autruche. Euh, mais ce euh, sera avec plaisir Christy. Et il est quelle heure chez toi, d'ailleurs, Christy, actuellement, là, en Australie Chez nous, il est 23 heures. Ah, euh, pas mal, bah, mal d'heures de décalage, pratiquement de l'autre côté du monde. Là. Euh, bah tiens, une question que je ne comprenais pas, justement, de Catherine Louboutin qui dit euh, Céleste, la suite avec l'émeu, ce sera quand Partie 2. Oui, c'est parce que ce que je te parlais un peu plus tôt, j'ai fait une vidéo hier qui a, qu a littéralement explosé sur euh, TikTok. Du coup, les gens veulent voir la suite parce qu'en fait, je, je prends des œufs Donc, C'est comme des autruches, les émeux. Donc, c'est des énormes œufs. Et en fait, je me fais attaquer par euh, l'émeu en question parce qu'on lui prend ses œufs. Et euh, du coup, la vidéo s'arrête là en mode, euh, si vous voulez, une partie 2. Donc, les gens sont très... Euh, je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse un million de vues cette vidéo, c'est un peu n'importe quoi. Donc, les gens sont très en mode, qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu es vivant Tu es mort Il faut que je la prépare. Je suis vivant et je vous montrerai comment sortir de ce... De ce de ce, comment dire, de ce de ce pétrin. Mais euh, je peux déjà spoiler, je m'en fous en réalité. En vrai, l'émeu ne m'attaque pas du tout dans la vidéo. Il fait une danse pour jouer. Et moi, j'ai joué le côté mongolien de TikTok qui fait genre hey, Je me fais attaquer par un émeu. Mais en vrai, l'émeu est, est juste en train de jouer avec moi. Et euh, la vidéo 2, faut que je la tourne. Et. Ce que j'aimerais faire aussi, c'est une omelette aux œufs d'émeu, parce qu'un œuf d'émeu, c'est énorme, hein, ça équivaut à 15, ça ou je ne sais plus combien. Et en fait, euh, moi là-bas, je voulais faire la vidéo pour ça, pour montrer aux gens regardez un œuf d'émeu, c'est euh, une omelette ou c'est des crêpes qui équivaut à 15 œufs de poule. Mais euh, les, gens, euh, les gens ont retenu surtout, il se fait attaquer par un émeu. Je pense que c'est pour ça qu'elle a pas mal cartonné sur euh, TikTok. Alors il y a Eman Sauvage, c'est sur des lives qui dit pourriez-vous vous retrouver pour une marche ensemble pendant quelques jours Ben moi comme je vous le disais pendant que euh, pendant que Céleste était partie euh, pendant sa pause saut à sang, saut à champagne, c'est comme ça que j'appelle les pauses pipi sur ma chaîne. Eh bien, euh, eh bien euh, bah, j'attends que ma loulou puisse avoir, euh, avoir son camion et puis on partira ensemble sur les routes. Et puis pourquoi pas un jour euh, bah, aller à la, à la rencontre de Céleste et puis euh, se faire un petit resto ensemble et peut-être même un petit bout de randonnée ensemble. Ah ça oui, me ferait très plaisir euh, de euh, comme ça, de, de ne serait-ce que de se faire se rencontrer nos conjointes. Je pense que euh, elles, vont, elles vont beaucoup s'apprécier l'une et l'autre. Euh, D'ailleurs, bah, euh, ça en est où tiens petite question privée. Hein On voit à la fin, euh, à la fin de ton de ton aventure justement euh, jusqu'à Rome. Eh bien, tu t'as genoux devant ta chérie pour euh, bah, lui offrir une bague de fiançailles. Ça en est où tout ça Si tu veux bien en parler, évidemment. <laughs> oui, en effet, j'ai marché quatre mois avec euh, avec ma calèche et mes deux ânes et, et ma compagne pour faire ma demande en mariage une fois arrivé à Rome. Donc, euh, c'est ce qu'on voit dans les vidéos. Je pose le genou à terre. Euh, elle a dit oui, je précise, parce que du coup, il euh, y a des gens. <rire> <rire> le râteau ultime, sais. non, au a... <laughs> en, en fait, moi, vu que je suis à la base vidéaste, j'ai voulu faire une belle vidéo. Donc, si tu veux, je, je, je me suis dit, il n'y a pas besoin de l'entendre dire oui. On comprend on comprend par la vidéo que c'est un oui. Mais il y a quand même des gens qui m'ont dit, bon, alors, attendez, oui ou attendez, non. <laughs> non, du coup, on m'a dit oui. Euh, on est sur les préparatifs. Je ne sais pas si c'est ça qu'il faut dire, mais en gros, on n'a pas encore fixé de date. On sait plus ou moins la, la tranche de la période quand on va faire ça. Euh, voilà. Ça sera en petit comité. Ce ne sera pas spécialement un grand spectacle. Ce sera un truc assez... Euh... On va faire un truc un peu... Hein ouais, intimiste, en petit public, mais surtout en... Ouais, un truc... Euh... Ouais, enfin, voilà, on a des idées. Simple. Mais on a plein... Ouais, simple... Euh symbolique, on est très dans, la symbolisme, dans le symbolisme avec Charlotte on a nos idées voilà, après comme je te disais en off, depuis qu'on est revenu du pionnier, en réalité on n'a pas arrêté, il s'est tellement passé des trucs tous les 4 tous les matins moi j'ai un tas de vidéos à la bourre à sortir à, que j'ai déjà filmé, qu'il faut que je publie et tout puis tout en faisant ça on gère euh, le, la prochaine grosse aventure comme je te disais un peu plus tôt, type années 50 en fait, et du coup euh, c'est con à dire mais genre on a, ne on a, on s'est pas plus penché que ça sur euh... puis même il n'y a pas que ça il y a tout, toute la vie à côté enfin là par exemple depuis qu'on est rentré il y a eu il euh, y a eu les Noëls les jours de l'an il y a eu des anniversaires des machins euh... tu vois il y, y a eu les événements en fait les gens oublient qu'on a aussi des vies juste euh, à côté quoi, avec des amis des euh... familles euh... de toute façon elle a dit oui maintenant elle n'a plus le choix <laughs> c'est trop <le> tard <laughs> ça devra se faire euh, moi, de, de, depuis deux ans là, bah, que je vis dans mon camion croquette, comme je t'ai dit, j'organise euh, des, des rencontres à travers la France. Donc, je vais à la rencontre des, des l'auditeur un petit peu partout à, la, à travers la France. Et il y a Nathalie Desglaves qui te pose cette question. Est-ce que toi, tu viendras à la rencontre des personnes qui t'invitent En as-tu déjà rencontré Oui. Est-ce Ah oui, c'est bien que tu affiches le truc là. Est-ce que tu viendras à la rencontre des personnes qui t'invitent En as-tu déjà rencontré Oui. Oui Nathalie, euh, j'ai mis en place sur ma chaîne YouTube un, un Google document. Alors c'est pas que j'aime euh, j'aime Google ou machin, c'est juste que c'était le truc le plus pratique. En fait euh, c'est un lien, les gens cliquent, ils peuvent juste s'inscrire. En mode ils, ils marquent euh, nom prénom et, euh, et adresse. Et en fait j'ai dit à ma communauté voilà vous pouvez vous inscrire ici. Et moi de mon côté ça me fait une liste de gens qui m'invitent chez eux parce que le fait qu'ils se soient inscrits c'est que Implicitement, ils m'invitent. Et quand j'aurai récupéré mon camping-car, voilà, c'est prévu que j'aille à leur rencontre. Et oui, j'en ai déjà rencontré. Ben, par exemple, les, les, les personnes chez qui actuellement il y a nos animaux, donc les, les ânes et les chevaux, ce ben, mmh. sont à la base des abonnés euh, qui nous suivent. Euh, et oui, ça m'arrive ah, assez souvent. Hein j'avais suivi ça mais euh, c'est génial justement avec le camping-car moi c'est ça qui est bien avec mon camion c'est que bah, en fait je viens je me pose devant chez les gens ou à côté puis je les envahis pas chez eux tu vois je vis pas chez eux je garde je, je passe du temps avec eux mais je garde euh, voilà je garde mon mon autonomie mon euh mon, mon petit lieu à moi, et puis je les envahis absolument pas chez eux. Ouais, à ouais. part pour la douche, des fois. J'aime bien prendre une ouais, douche je des <laughs> D'ailleurs, toi, euh, enfin, peut-être que tu es une information que tu veux pas divulguer, mais actuellement, tu es dans quel coin, quelle région Là, tu, tu es stocké Là, tu, je suis en Vendée. Là, je suis en Vendée, et je vais pas tarder à reprendre la route et euh, justement à retourner à la, à la rencontre des abonnés. Le comment dire sur euh, le moi, le problème dans le camion, c'est que j'ai ni toilette ni douche. C'est un, un H2L2, tu vois. Il est, il est assez court, donc j'ai quoi j'ai de quoi dormir au chaud, de quoi me faire à manger. Mais pour les toilettes, bon, ben, ben je me débrouille comme je peux, hein, beaucoup dans la nature, comme toi tu l'as fait pendant tes, tes randonnées. Ouais. Et pour ce qui est des douches, j'ai trouvé une astuce c'est que je me suis inscrit euh, à l'année dans les salles Basic Fit. Okay. Et donc euh, des basic fit, il y en a dans toute la France. Donc quand ouais. j'ai besoin de prendre une douche, ben, je vais me foutre sur le parking d'un basic fit, euh, je rentre, et puis euh, je débarque avec mes tongs, ma serviette de douche, et puis je vais me doucher pendant que tout le monde est en train de faire sa séance de sport, tu vois. <laughs> et puis je... ouais. des fois j'en profite pour faire un petit peu de sport au ouais, passage, pas cool. et je repars. Mais c'est cool. une super astuce, hein, c'est euh, le fait ouais, d'être inscrit pas... dans les salles de sport. C'est pas belge, j'y avais pas pensé à ça. Ok, ouais, ouais. Puis et puis, il y a les stations-service euh... aussi. station service tu te fais passer pour un routier, tu arrives, tu laisses tes clés à l'accueil. Et puis, sur les aires d'autoroute, ils te laissent te doucher aussi dans les stations okay. et, et tu ne fais, fais pas, je ne sais pas, à la lingette humide ou à la bassine non. Oui, ça si, bien, ça... sûr, arrivé. Arrivé, oui. bien sûr, c'est arrivé. J'ai même un système de douche que j'utilise surtout en été. En fait, mmh. j'ai une petite cabine de douche que je déplie à l'arrière du camion. Ah, et puis oui. j'ai un j'ai un truc avec une bouteille de gaz qui me fait chauffer l'eau. Puis je peux ah, me oui, prendre okay. des douches chaudes. Mais ça, je l'utilise ex exclusivement en été parce qu'en hiver, euh, quand il fait euh, 5 degrés, euh, te mettre à walper dehors, euh, derrière, à l'arrière du camion, sur un parking et tout, des fois, ça passe pas super bien. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends. Ah C'est ouais, okay, là, là où j'utilise plus les, euh, mon abonnement euh, à Basic Fit, en tout cas. Ouais, non, vas-y, t'inquiète. Bah non, vas-y, je t'en prie, pose ta question. Non, mais t as, t as, par exemple, BasicFit, t'as jamais eu de, de réflexion, d'un style un mec euh, qui te dit hey, Tu viens juste te doucher, tu fais pas de sport, ou je sais pas quoi, ou, ou ce genre de truc mmh, Non, c'est jamais arrivé, mais je m'en fous, il peut faire sa réflexion, ça m'empêchera pas de prendre ma douche. <rire> <Ouais>. <rire> voilà C'est bien, t'es observateur, tu t'en es rendu compte, <laughs> mais euh, ça ira ouais. pas plus loin que ça, non bah Attends, je paye mon abonnement, ils peuvent pas m'interdire de prendre une douche. Hein, J'abuse oui, pas oui, les oui. machines, moi. <laughs> non mais t'as raison, t'as raison, mais c'est vrai que j'y avais jamais pensé, c'est vrai que qu'il y a ça, il y a ça comme idée. T'as la douche dans le camping-car euh, Oui mais je m'en suis jamais servi. Je m'en suis jamais... Parce que moi il est tellement vieux que je sais pas comment il se douchait dans les années 80, mais si, si je prends une douche, je ruine le camping-car. <laughs> c'est de la moquette dans ma douche, tu vois ce que je veux dire Donc mmh. euh, je, je m'en suis jamais servi. Et de toute manière, le camping-car, il, il a plus souvent été dans un garage que, que dans mes mains. Donc, je ne peux pas dire, je sais que j'ai des toilettes, mais c'est des toilettes, euh, c'est pas des toilettes euh, modernes, chimiques et tout. Hein. C'est un saut. Globalement, c'est un saut avec juste, j'ai une trappe pour dire ouvert, fermé. Mais je n'ai pas assez utilisé mon camping-car pour pouvoir déjà te donner un retour euh, là-dessus. quoi. Alors, une question de Justin, Justin Palmier qui concerne euh, ton ânesse. Est-ce que Babine est pleine Non. Non, Babine n'est pas pleine. J'ai essayé de la faire prendre euh, deux fois. Ça n'a jamais marché. Donc, soit elle a un problème de fécondité, euh, stérilité. Et donc, justement, euh, ces derniers temps, j'étais pas mal en contact avec un vétérinaire qui est en train de... On a fait des prises de sang et tout pour essayer de voir si Babine peut être... Euh, si elle a un problème, si elle est féconde ou pas assez, si elle n'est pas... Euh, ben faire en sorte de lui filer un truc pour qu'elle soit sur... Euh, sur comme on dit Sur-vitaminée, je ne sais pas quoi Sur-ovulaire. Euh. Bref, euh, non, elle n'est elle est pas pleine et euh, j'essaye, mais euh, pour l'instant c'est un peu galère de la faire tomber enceinte. Ah, une question politique de euh, Angélique Morel qui dit, que penses-tu du Frexit c'est à la sortie de. Bah, tu sais ce que c'est que le Frexit, je pense. Ouais, ouais. Euh... Alors, pourquoi cette question C'est à l'ordre du jour Il y a eu un truc, événement politique autour de ça Je n'ai pas trop suivi l'actualité mmh. récemment, non Ou c'est juste comme ça Non, je ne crois pas que ce soit. Bah, peut-être euh, autour des agriculteurs qui sont en train de se rendre compte, peut-être que l'Union Européenne, ah, un petit peu... Euh, de la merde, ça n'a ouais. pas trop dans leur sens. Euh, Frexit, moi, je suis totalement pour euh, comme les British. Je trouve ça trop bien ouais. ce qu'ont fait les Anglais. C'est déjà euh... trop tard, moi, je pense, euh, de toute façon. Oui, oui, mais, euh... mais c'est trop tard. Mais euh... oui, je suis pour sortir de l'Europe et je sais pas. Après, s'ils veulent garder des. Parce que finalement, les Anglais, ils ont fait quoi Ils ont fait. Ils sont sortis de l'Union Européenne, mais ils ont gardé. Je ne sais plus quoi. Non, je ne sais plus ce qu'ils ont fait, mais ils ont, ils ont bah, mis ils un étaient pied pas, ils étaient pas. Ils n'étaient pas dans l'euro déjà, en fait. Ils ont juste voilà. quitté les règles de l'Union Européenne. En vrai, j'avoue. En vrai, j'avoue, je suis pour. Mais après, je vais pas te mentir. J'ai l'impression qu'en France, que ce soit de, pour les élections politiques ou même les référendums quelconques ou je sais pas quoi, euh, le vote, euh, le vote du, du, du public là, le vote du, de, de nous là, des pauvres pequeno, ça n'a pas. Ça, en fait, ils, ils savent déjà ce qu'ils font. En gros, ce que j'essaie de dire, c'est que ça fait un petit bout de temps qu'en France, quoi qu'on vote, quoi qu'on baye, euh, <laughs> ça n'a zéro influence. Je, je moi, j'ai ce sentiment. Là, tu me feras couper. pas croire... Je vois, je vois que tu as des bonnes cultures. Non, mais tu me feras pas croire qu'aux dernières élections, c'est Macron qui est passé d'un point de vue officiel. Tu me feras pas croire. Même à, à sa première élection, j'avais déjà du mal. Alors, ok. Alors, moi, la première, il y a encore le petit doute. Parce que je, moi, j'entendais des gens qui disaient, ah, ben si, ça a l'air sympa, il est jeune. Enfin, il y avait encore un discours logique de, ah, pourquoi pas, euh, euh, après Sarko, machin. Le deuxième, c'est monter de toutes pièces. Putain, faut il faut être con pour penser le contraire. Hein. Vraiment. Oh il ouais, y avait un tu truc, déjà, rien, rien qu'à la première, il y avait un truc qui m'avait paru super louche. C'était quand je me rendais au rond-point des Gilets jaunes et que j'arrivais au rond-point des Gilets jaunes et que je questionnais les gens. Mais vraiment, tout au début du phénomène Gilets jaunes, je leur disais, mais vous avez voté pour qui Et euh, franchement, as 90% des gens qui me disaient, j'ai voté François Asselineau. Et moi, j'étais halluciné parce que le mec a fait 1%. Et euh, ouais. je pense que ne serait-ce que les résultats d'Acelino, je pense qu'ils ont été euh, ils ont été clairement trafiqués. C'est pour Exactement. moi, statistiquement, c'est improbable que le mec ait fait 1% à ces Exactement. élections. Mais, mais, mais mec, mais je suis tellement d'accord, mais alors moi, c'est dans l'autre sens. C'est pas les gens me disaient pour qui ils avaient voté, c'est ils me disaient pour qui ils n'avaient pas voté. En fait, il y a quand, quand tu parles aux gens, tu connais personne qui a voté pour Macron. Tu dis, mais à un moment donné, tu, 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 pour, en termes de pourcentage, tu devrais au moins avoir quelqu'un qui dit si moi j'ai voté pour lui. Et tu, tu te dis, mais non, enfin, tu as l'impression que personne n'a voté pour lui. Et, et l'autre, il, il passe un second mandat après avoir fait une pauvre lettre un vendredi, au fait, je me présente aux élections. Non, mais foutage de gars. Mais de toute façon, plus c'est gros comme une maison, c'est ça l'apothéose. Hein. Plus c'est gros, plus les gens y croient, quoi. Tu te dis, mais c'est pas vrai, quoi. Alors, une question, euh, je pense que je la comprends cette question. C'est une question qui te demande vous avez vraiment déménagé à cause de la notoriété Et j'avais vu ça un, un jour sur, sur ta chaîne et je crois qu'il y avait des gens qui avaient tagué sur la route carrément, genre le bunker sauvage, c'est ici, tout ça. Il y avait des gens qui avaient localisé où tu vis. Est-ce que tu as vraiment déménagé à cause du fait que euh, ben, des gens devenaient un petit peu envahissants Chocobo, il s'appelle. Attends, mais Attends, mec, tu, tu me sors des trucs, tu connais, tu connais mieux mes vidéos que moi. J'avais montré le tag, je me rappelle pas. Ouais, si, si, tu avais montré un tag sur la route où il y avait écrit en gros le bunker sauvage. Oui, oui mais ça, ça, ça me fait bizarre que tu me dises ça, parce que c'est tellement intime, en fait, ce truc-là. Oui, oui, en fait, il y a des gens. Euh, oui, donc pour répondre à ta question, oui, j'ai déménagé à cause, à cause de la notoriété. Je ne sais pas si le mot notoriété, mais euh, en fait, il y a. J'ai l'impression je... qu'il y avait un viol de ton intimité un petit peu. Ouais, ouais, en fait, alors c'est peut-être moi qui ai un problème avec ça, hein, mais euh, j'ai trop du mal avec l'idée. Si tu veux, moi j'aime bien faire le con sur internet, mais parce que je sais que derrière. Oh, pardon, c'est mon micro. Ça va, on m'entend toujours oh, Ouais, ouais, J'aime bien faire le zouave sur internet, mais parce que derrière, je sais que j'ai un espace de, 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 où je peux me cacher, intimité, machin. Et mais si... encore, tu te montres, hein, on peut te reconnaître. Hein. Oui, mais si tu veux c'est un contrôle, c'est une comment dire, c'est un spectacle que je contrôle. En fait, je, je, je décide quand je m'affiche et je, et je décide quand je m'affiche pas en fait. C'est un peu ça YouTube, c'est quand tu cliques sur on, il y a ta vidéo mmh. qui est publique. et quand tu cliques sur off, tu peux, tu peux être caché, faire ta petite vie. Et moi en fait, je c'est un sentiment, j'arrive pas à l'expliquer quand quand quelqu'un franchit la barrière du euh, je viens voir ce que tu fais quand tu es censé être en off, ça me fout hors de moi. quoi Mais vraiment, que je suis hors de moi, c'est... Ah, mais je, je te genre, comprends. Je... Ah ouais, mais ouais, moi c'est... Et, et, et le problème, c'est que du coup, l'abonné qui est fan, qui arrive et qui, qui rentre dans cette intimité où tu ne l'as pas autorisé, mais ben, il n'a il pas le même bunker sauvage en face de lui. Hein. Moi, c'est genre, non, non, mais mec, tu dégages de là... Ah, ouais, mais il n'y a pas de problème de ce côté-là, je comprends pas. Et le truc, c'est que, hey, que j'ai eu. Te... Vas-y, je te laisse finir, excuse-moi. Non, mais euh, pardon. C'est juste pour. Euh, j'ai eu. Euh... Là, j'en ai deux en tête. J'ai eu deux personnes qui m'ont écrit des mails avec des photos de, mon... de ma maison vue du ciel, Google Maps, là, je te parle. En euh, mode, tiens, j'ai trouvé où tu habites, euh, je vais t'envoyer des trucs et tout. Et tu es là, mais bah, non, mec, va crever, en fait. En fait, je te connais pas, je ne sais pas qui t'es. Euh... Et, et le pire, c'est que quand tu leur dis ça, ils le prennent mal. Donc, après, à leurs yeux, t'es un méchant. Ah, ben en fait, t'es un fils de pute. Et l'autre truc, ouais, c'est le truc du tag. C'est-à-dire qu'un beau matin, je marche et tout. Et sur la route, pas très loin du bunker sauvage, était tagué euh, Bunker sauvage, hashtag babine. Et je sais pas, à l'heure actuelle, je ne sais pas qui a fait ça. C'est-à-dire mmh. que les gens s'étaient rapprochés de, du bunker. Et moi, en fait, tout ça m'a fait dire, allez, stop, je dégage. Et, et le pire, c'est que je peux te dire à cause de quoi c'est, c'est à cause d'une vidéo que j'ai faite. J'ai fait une vidéo où je pars faire du vélo, et en fait, euh, on me voit faire un parcours en vélo. Et donc la vidéo, c'était ça, c'est une rando en vélo. Et les gens, en fait, ont reconnu des lieux. Ils ont fait des screenshots, alors là, il devait être là. Donc là, ils ont remonté la vidéo en arrière comme ça, jusqu'à reconnaître le point de départ. Et ils sont arrivés en ouais. mode, bah, il doit être dans cette zone. Et après ils sont remontés à des vidéos du confinement où j'avais fait un plan au drone, donc euh, on voyait ma maison vue du ciel. Et mmh. après ils ont comparé euh, la vidéo du drone que j'avais fait de, du confinement avec la vidéo des vélos et ils ont reconnu que bah, ça devait être là euh, à 14 h le soleil. C'est Ça hein. tu sais il en fait suspense euh... hein comment dire, les, les, les fans les plus idolâtres, en général, c'est euh, les plus dangereux, parce que c'est ceux justement qui vont, qui vont te témoigner le plus d'admiration, de trucs Exactement. et tout, le jour où tu, le jour où tu leur fais comprendre que tu es juste un mec normal et que tu as envie de garder un petit peu d'intimité, ça devient les pires. Ils sont super hargneux, ils sont super haineux. Je vais faire comme dans les amphithéâtres euh, quand on était gauchos et qu'on faisait des amphithéâtres. Tu fais comme ça pour dire oui, j'approuve ce que tu dis. C'est exactement jamais fait ça. <laughs> non, non, mais ça, c'est quand j'étais toulousain au, au, au Mirail. Euh, en, il y a toujours des AG, des assemblées générales. Et tu dis, tu dis ça quand tu es d'accord. Et, et ça, je ne sais plus quoi. Bon, bref, c'est des votes silencieux. Bon, bref, des trucs. Et mec, c'est exactement ce que tu viens de dire. En fait, souvent, ton... Ton fan ultime, c'est ton pire ennemi, en fait, et paradoxalement, quoi. Ah, le jour où tu vas le frustrer, ça va être lui qui va te, qui va faire tout pour te dégommer au maximum. Entre euh, l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas, quoi. Ah ouais, mais moi, je me méfie. Je sais que les gens qui témoignent le, le, le plus d'admiration, le... qui font le plus de compliments, en général, c'est ceux dont il faut se méfier un petit peu parce que ça peut très vite basculer de, de, de l'autre côté. C'est exactement, euh... avec... exactement comme ouais. avec les. Les femmes, comme ça, ce soir, on aura abordé tous les thèmes. <laughs> Non thèmes. J'en fait, parlais avec Charlotte. En fait, les nanas, vu qu'elles n'ont pas l'habitude de se faire recaler, parce que c'est souvent, souvent les garçons qui se prennent des râteaux. Je parle dans une optique d'hétérosexualité. Hein. C'est souvent les hommes qui se prennent des râteaux. Quand tu donnes, toi, un râteau à une femme, elle montre les dents parce qu'en fait, elles ont pas l'habitude de se prendre des râteaux, alors que nous, c'est notre quotidien depuis qu'on est gosses. Et du coup... Moi, à chaque fois qu'il y a eu un râteau, bon, ça m'est pas arrivé tous les quatre matins non plus. Mais les rares fois où j'ai mis un râteau à une femme, putain, elle est passée de la nana euh, amoureuse, tendre et tout à putain la pire des harpies quoi. D'un coup, elle te fait une parce qu'en fait, tu lui as mis un vent et elle, elle sait pas gérer la frustration. C'est ça. Alors que nous, pauvres losers que nous sommes, on la connaît depuis qu'on est quoi, la frustration. La, la gestion de la, de la frustration, pour moi, Grosse. tout est là dans, euh, dans la survie de demain. Les gens qui gèrent le mieux leur frustration euh, seront ceux qui résisteront le mieux au monde de demain, parce que le monde de demain va être extrêmement frustrant. Mais du coup, pour répondre à ta question, oui, nous avons déménagé Alors, à cause des abonnés, mais c'est pas que pour ça. ça faisait un... Je ne vais pas quand même tout mettre sur les abonnés. Ça faisait un petit bout de temps que l'idée me traversait euh, l'esprit. Mais le surplus de. En fait, le mec, le jour où j'ai reçu une photo d'un abonné militaire avec un couteau dans la bouche, ça m'a stressé. Le mec, il était comme ça. C'est un couteau, un, un gros schlasse comme ça, dans la bouche, avec des bières en mode, Hey, Bunker, je vais venir chez toi, on va boire des coups. Parce que le mec, comme je te dis, il était fan, il, 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 a, il était content d'avoir trouvé mon adresse. Donc c'était en mode, je vais venir débarquer, on va boire des coups ensemble. Le Mec, j'ai cru faire une descente d'organes. Je me suis dit, putain, il m'en. Il a, il a un couteau dans les dents. Il y a son gosse de six ans à côté. En fait, tout m'a stressé dans la photo. Et j'ai fait non, c'est bon. Allez, non, vraiment, la, la photo, j'ai dit allez, c'est bon, on bouge. Et du coup, Charlotte venait de me rejoindre. Elle, elle, elle venait de quitter sa Belgique. Donc, elle, elle, elle se disait cool, j'arrive au bunker sauvage. J'ai dit non, non, même pas. Euh, défais pas tes valises, euh, on va bouger. Et du coup, ben, on en est là actuellement. On est en train de chercher notre nouveau euh, bunker sauvage. Ah, je vois qu'il y a ma, ma loulouf qui est présente dans le clavardier. Je te fais un gros bisou, ma loulouf. Je vois que ce direct, tu l'écoutes jusqu'au bout, hein, parce qu'il y a Céleste hein, <laughs> qui est là. Et, euh, et justement, ouais, bah, bah, ce phénomène en fait, ce phénomène qu'on vit sur les réseaux sociaux, moi aussi, je m'en suis rendu compte, c'est que bah, à force de faire des vidéos comme ça pendant des années, d'exposer un petit peu ta vie privée, d'exposer ta manière de voir les choses, ta manière de penser, bah, les gens, ils ont clairement l'impression de te connaître. Je veux dire, on rentre dans l'intimité des gens, les gens, ils écoutent régulièrement, les gens, c'est moi, des fois, on me l'a dit, hein, on a limite l'impression que tu fais partie de la famille. Et quand ouais. je vais à la rencontre des gens, par contre, je me rends compte que je parle tellement sur les réseaux sociaux, je suis tellement des fois en train de développer des concepts, des idées et tout que quand j'arrive, ben, ben souvent c'est des gens qui ont, qui ont besoin de parler. Et souvent quand je vais à la rencontre des gens, je parle finalement très très peu. Mais vraiment très peu. Je, suis, je parle beaucoup derrière mon micro, mais quand je viens à votre rencontre, je suis énormément dans l'écoute. Est-ce que ça se produit pour toi aussi quand tu vas rencontrer les gens Est-ce que c'est eux qui parlent le plus Exactement, mec. Je ah, j'ai pas plus à dire, tu, tu m'ôtes les mots de la bouche. C'est exactement ça. Quand je rencontre des gens qui me suivent, en fait, je parle quasiment pas. Et c'est eux qui. Moi, j'ai une théorie là-dessus. C'est qu'ils ont conscience que nous, vu qu'on s'expose euh, sur les réseaux, en fait, on, on donne des indices de là où on en est dans le, notre vie. Mais eux, vu qu'ils sont dans une sorte de silence, quand ils nous rencontrent, c'est comme s'ils avaient un retard à rattraper. Genre, moi aussi, je fais ça, moi aussi, je fais ça, moi aussi, je fais ça, moi aussi. Et du coup, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Et oui, à chaque fois que j'ai rencontré des gens, ils ont comme un. Ils veulent prouver qu'ils sont comme toi, au même niveau que toi, et machin. Et du coup, bah oui, c'est souvent un monologue, oui. Ah ouais, moi, je ne sais pas s'ils sont dans la dans la recherche de, de cette preuve, mais en tout cas, euh, moi, c'est des moments que j'apprécie. Parce qu'en effet, je parle beaucoup derrière mon micro, et quand j'arrive à la rencontre des gens, et qu'enfin, je suis à l'écoute, et enfin, bah, je veux dire. Je n'ai pas besoin de leur, de leur parler parce que tout ce que j'ai à dire, je l'ai déjà dit, ils le savent déjà, je pense ouais, que c'est pareil pour toi. Et moi, ces moments d'écoute, je les apprécie énormément. Vraiment, euh, j'aime bien justement venir à la rencontre des gens comme ça et, euh, et sortir du rôle que j'ai euh, depuis oui. derrière ce micro et d'enfin euh, enfin devenir des oreilles tu vois, et d'écouter. Euh, je trouve ça super. Euh, à, à chaque fois, moi, j'apprécie énormément, je trouve ça super génial. Alors, ok, je vois ce que tu veux dire, je n'avais pas très bien compris. Moi, je trouve ça génial, mais j'ai peut-être un problème, c'est que j'ai peur de décevoir. J'ai un, en fait, j'ai l'impression que le gars s'imagine, le gars ou la meuf s'imagine un truc, et que si je réponds pas à cette image, c'est comme si j'avais peur qu'après notre rencontre, ils se disent Ah putain, en fait, euh, en fait, il est con, euh, Bunker Sauvage, en fait, il est pas intéressant, en fait, si. Et du coup, je me mets exprès dans une position comme toi d'écoute. Pour pas faire genre, salut, je suis youtubeur, je suis le gars que tu regardes sur internet. Donc, je me mets en retrait et je le laisse souvent parler. Mais j'ai peur que si je m'éteins trop, il va se dire, bah putain, en fait, il parle pas, il n'est pas du tout comme je le vois en vidéo. Et du coup, il y a comme une dichotomie entre le véritable céleste et celui qui voit sur les réseaux. Et, et moi, j'ai le cul entre deux chaises, entre je ne sais pas si je dois être le céleste qui voit en vidéo ou être le véritable céleste qui lui ferait peut-être plaisir de rencontrer. Je ne suis pas à l'aise avec ça, je ne vais pas te mentir. Moi, les rencontres abonnés, c'est euh, un peu... Alors, cette, euh, cette un peu peur de décevoir dont tu parles, moi, je l'ai encore plus que toi. Parce que euh, bah, moi, je ne me montre pas. <rire> aucune... <rire> Pardon, ah oui. aucune image, aucune photo de moi n'existe euh, oui. sur Internet. Il y a ça, et, euh, et quand je rencontre les gens, bah, parfois, ils se sont fait euh, une image physique de moi. Et j'ai toujours peur de ne pas correspondre à l'image qu'ils se sont faite. Et tu connais le pouvoir de l'image, hein, justement. Euh, de se dire des fois les gens ils m'imaginent genre grand, brun super musclé genre le survivaliste par excellence tu vois le mâle alpha euh... <laughs> et puis en fait quand tu me rencontres bah non c'est juste un mec normal <laughs> tu vois donc cette crainte en fait de décevoir je l'ai encore plus que toi parce que moi en plus on me voit pas quoi c'est c'est vrai, tu as raison sur le fait que toi, on ne te voit pas. Et le pire, c'est que moins on te voit, plus ça crée un mystère. Et c'est exactement comme moi au bunker sauvage, moins je disais où j'étais et plus les gens voulaient chercher où j'étais. Donc en fait, euh, en fait, je suis responsable du fait que les gens m'écrivaient en mode ⁇ Ah, j'ai enfin trouvé ta maison parce que justement, j'en faisais un secret. ⁇ Alors que des fois, j'ai l'impression que tu dis euh, ⁇ Voici mon adresse, voici mon numéro de téléphone ⁇ Limite, les gens vont te foutre la paix, en fait. Et je... tu as raison, le fait de ne pas montrer ton visage c'est une pression en plus. Ça, je te, je te rejoins. Mais un exemple tout con, euh, l'autre jour, enfin euh, euh, l'autre jour, euh, aujourd'hui même, euh, j'ai été faire mes courses dans une grande surface. Je, je, c'est presque devenu un enfer de me dire, tiens, j'aimerais pas croiser quelqu'un, en fait, parce que qui mmh. me suit, je parle parce qu'en en fait, ils se diraient, euh, ah ben, euh, ah, t'achètes du PQ, ah ben, t'achètes du Nutella, je croyais que. <laughs> je croyais <laughs> t'es aussi. <laughs> oui, voilà, c'est ça, exactement. Genre, ah, mais en fait, t'es un putain de consommateur. Euh, bah, en fait, quoi que t'as dans ton caddie, tu seras jugé. C'est genre, ah, euh, t'as des graines de chez Biocop, ah ben, t'es un beau. Ah du Coca. Ah bravo, Céleste. C'est ça. <laughs> ouais, ça. Ah, t'as du Coca-Cola, ah, t'es capitaliste, en fait. Et, et du coup, <laughs> c'est vrai que moi, j'ai une sorte d'angoisse de croiser des gens. Euh... Et je peux, mais je peux te donner une anecdote, hein. là j'ai des chats chez moi, donc je vais acheter étonnamment des croquettes de chat, et la dame, la dame du Leclerc où je vais acheter mes croquettes me suit, et du coup à chaque fois que je vais acheter des croquettes de chat, il y a cette dame qui est là genre « Oh Céleste, j'adore ce que vous faites ». Euh, J'ai vu toutes vos voyages à Rome et tout. Et en fait, c'est bizarre. Euh, elle me voit dans un moment, euh, pour moi, ultra intime, où je suis juste là, <laughs> face à des croquettes de chat. Et moi, de, bon alors, euh, en ce moment, euh, en ce moment, mon chat, je vais plutôt lui filer du saumon. <laughs> tu vois ce que je veux dire Et du coup, <laughs> je sais pas comment te dire. Moi, c'est pour ça, ça me fait trop bizarre. Y a... ça me gêne un peu. Ça me fait plaisir parce que cette dame a l'air euh, ultra sincère et machin. Mais en même temps, j'ai peur de décevoir. Je me dis, mais est-ce qu'elle n'est pas déçue de voir que son youtubeur, juste, il, il achète du parfum C'est et... un mec normal, et... quoi. Oui, c'est ça. Genre, voilà, avérément pas dit, mon, mon caddy, il est d'une tristesse, mon caddy, quoi. Tu sais, il y a de l'émental, <laughs> tu vois ce que je veux dire Il y a, y, a, y, a, y a des conneries de, de monsieur et madame tout le monde, finalement, quoi. Là, il y a TGV Prod. C'est une question pour moi qui dit d'ailleurs Lou pourquoi se cacher Mais en fait je me cache pas. C'est juste que c'est un choix que j'ai fait dès le début. Je connais le pouvoir de l'image et, euh, et, et pour moi ce qui compte chez moi c'est mon discours. Voilà c'est euh, c'est ce que c'est ce que j'ai à dire. C'est un format que j'ai choisi depuis le début. J'ai pas de problème avec ceux qui décident de de partager leur image. J'ai pas de problème avec ceux qui décident de de ne pas se montrer. Je n'ai pas c'est pas une question de peur. Je me cache pas, j'ai rencontré plus d'une centaine de personnes depuis que je fais les vagabonds tours. Il euh, y a plein de gens qui ont vu ma tête, je suis allé dans des conférences, je suis allé dans des, euh, dans des rassemblements, donc il y a plein de gens qui connaissent mon visage. C'est juste que je ne sais pas, j'ai un espèce de truc comme ça par rapport aux réseaux sociaux où euh, je ne sais pas d'où ça vient, mais je n'ai pas, euh, pas cette envie que euh, mon image circule sur les réseaux sociaux. Alors après, j'en sais rien de quoi sera fait l'avenir. Si ça se trouve, un jour, euh, inshallah, comme on dit en Bretagne, euh, je me montrerai sur les, euh, sur les réseaux sociaux. Mais pour l'instant, euh, ce n'est pas le cas. Et, euh, et pour l'instant, voilà. C est, c est, en fait, ce pouvoir de l'image, j'ai pas envie que. J'avais découvert ça, je vous en avais déjà parlé. C'est quand j'étais arrivé sur les ronds-points des Gilets jaunes et je discutais avec des mecs et je disais à un gars Est-ce que tu as écouté la conférence d'Acelino sur l'Union européenne Et le gars m'avait dit euh, En fait, j'écoute pas Acelino parce que je n'aime pas sa gueule. Et je lui dis mais attends juste parce que t'aimes pas sa gueule tu vas passer à côté de quelque chose qui est hyper instructif ah, ouais. et c'est là que j'ai compris en fait le le pouvoir de l'image c'est que bah, après il y a des gens ils vont m'écouter parce qu'ils me trouvent mignon et en fait ils vont juste me regarder et puis ils vont pas écouter ce que je dis il y a des gens qui vont détester ma gueule qui vont me trouver moche et qui vont pas m'écouter juste parce qu'ils détestent ma gueule et qui vont me trouver moche et euh, je me suis dit ça va pervertir le discours donc du coup j'étais ah, parti ouais. du principe directement je ne me montre pas et puis voilà mais je respecte en tout cas toi le que tu te... je pense pas que ce soit une forme de courage ou quoi que ce soit que de se montrer ou, euh, ou de se cacher. Je trouve que c'est juste deux formats différents. Mais en tout cas, oui. je t'avoue que de me montrer, j'aurais l'anxiété tout le temps à chaque fois que quelqu'un me regarde bizarre. Et ça arrive déjà souvent alors que je ne me montre pas, euh, de se dire, putain, c'est peut-être quelqu'un qui suit la chaîne et peut-être qu'il ne m'aime pas. Peut-être que, tu vois, euh, j'aurais cette ouais. anxiété en tout cas. Mec, je te rejoins et j'ai envie de te dire que les, la plupart des grands artistes ne se sont jamais montrés. Hein. Là, je pensais immédiatement au Daft Punk, ils ont jamais montré leur tête. Il euh, n'y a pas besoin de montrer sa tête pour, euh, pour avoir un message à livrer. L'important, c'est le message et non pas le messager. Moi, je me suis montré pourquoi Parce qu'à la base, avant d'être sur Bunker Sauvage, donc ma chaîne et faire ce que je fais maintenant. J'étais dans, dans le monde du cinéma et de la fiction, donc j'écrivais des films, des scénarios. Donc moi, il y avait un côté acting, et quand tu es acteur, ben, tu te montres, c'est un rôle, c'est un métier de l'image. Mais euh, moi, j'avoue, je me suis pas posé la question, moi, je me suis montré, euh, j'ai pas eu de... Mais euh, moi, j'aime bien les gens qui se montrent pas, en fait, je trouve ça classe. Par contre, euh, je sais pas à toi de nous dire. J'ai l'impression que ça incite inconsciemment les gens à nous à nous trouver. Genre le jour où tu fais ce qu'on appelle une face une face reveal, donc encore un anglicisme pour dire révélation du visage, mec ta vidéo ce sera celle qui fera le plus de vues quoi. Je montre enfin ouais, mon visage. Certainement, et... certainement. Mais j'ai vu hein, quand je suis allé euh, quand je suis allé à la conférence de Vézelay, il euh, y a eu euh, des gens qui sont venus à la conférence juste pour me rencontrer et puis c'était très euh, c'était très gratifiant. Quand, euh, quand j'ai fait d'autres événements par la suite où, euh, où j'ai été, et puis il euh, bah, y a des gens qui venaient. Euh, bah, quand je suis allé au spectacle du Docteur à c'est qu'il y a une dizaine de personnes qui sont venues au spectacle juste pour me rencontrer aussi. Bah, C'était très gratifiant, mais euh, bah, c'est cool. Voilà. Après, une fois encore, <coughs> comment dire, moi je ne juge pas, c'est juste une, une, une question d'orientation de, de, différente. Il y en a qui ne vont même pas se poser la question. Pour eux, en fait, à la base, c'est évident de se montrer face caméra. Puis, il y a des gens qui vont, se, qui vont ne, 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 ne jamais se montrer. Mais une fois encore, ce n'est pas une question de peur. j'ai pas peur de rencontrer les gens, sinon je ne sinon je serais pas allé à votre rencontre depuis deux ans déjà. Et, euh, juste une question de format. Voilà, de format, tout simplement. Mais après. Euh... Après, je... la, la preuve avec euh, Bjorn que j'ai rencontré là, de ma ferme autonome qui ne montre pas son visage, tu vois, ça, ça, en fait, euh, je m'aperçois que les gens ne sont, euh, sont pas stupides, en fait, euh, ils, ils regardent quand même. Enfin, je veux dire, tu, tu peux ne jamais montrer ton visage, ou quelqu'un dans le chat parlait de Mosinor, qui je, je sais que Mosinor me suit aussi, je ne sais pas si tu connais Mosinor. c'est un gars qui fait des ouais, oui, détournements. Sûr, sûr, des, 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 des tu connais Hills euh, la chaîne Hills mmh, Non, je crois pas. C'est un mec qui fait des, des détournements aussi, qui, euh, qui est très doué et qui, euh, qui a déjà travaillé justement avec Mosiner sur certains détournements. Mais euh, non, je connais pas. Mais du coup, je, je maintiens que moi, je trouve ça cool. En, en vrai, là maintenant avec le, le Céleste actuel, ça serait à refaire. Je peux peut-être que je ferai partie des gens qui se montrent pas. C'est. Enfin, je te fais, fais un petit cadeau, Céleste. Je te fais découvrir ma, ma vidéo préférée de, de la chaîne Hills. Donc, euh, ces détournements, ça se passait euh, ça se passait pendant euh, le, premier, euh, le premier confinement. Quand il y avait. Euh, ah bah, juste après le premier confinement, quand il y avait les couvre-feux et tout ça. Je pense que tu vas kiffer ces cadeaux. moi ça. Arrête de faire des soldes pour acheter des trucs inutiles, connasse. Ok, ok, qu'est-ce qui tombe par chez toi On va plutôt acheter de la bourse. C'est le couvre-feu. J'en le couvre-feu Oh non, réfractaire. T'es pas vraiment sérieux Où est. La caisse. Où est la caisse Sandek j'avais su que tu étais un putain de réfractaire à la consommation de masse, tu ne crois pas aux mesures du gouvernement tu crois que les vilains méchants mettent des nanoparticules dans les tests? T'es juste bon, fermé! Et les vaccins, t'y crois pas? N'est-ce pas? Antivax? Antivax? Et la terre, tu crois qu'elle est plate Elle est ronde. Tu es sûr Je suis sûr. Et les reptiliens, ils sont pas sous la terre. Hé hey, Mélange pas Mélange pas les choses, ok Ferme ta putain de gueule wow. Parce que j'en ai plein le cul des soumis, ok Tu n'es qu'un sale hein compote. <tousse> voilà Pas me casser les couilles non plus, hein ça suffit maintenant Fais ceci, fais cela Complotiste, réfractaire, conspirationniste, anti-vax... Y'en a marre <laughs> Voilà, c'est ça un petit peu l'idée de, de la chaîne. Il, c'est un mec... Euh, bah c'est un mec qui fait, euh, qui fait partie de... de de mon entourage c'est un, un habitué de la chaîne radio Ludi et, euh, et vraiment c'est un gars qui a fait pendant la pandémie tout ça qui a fait un travail énorme je sais pas si t'as connu euh, l'album qui s'appelle en acclamant les suspendus t'en as peut-être entendu parler non, non non je sais pas bah, C'est un, un album qui était sorti justement juste après quand les injections elles sont arrivées et qu'il y a énormément de soignants qui ont été suspendus euh, de, leur, ah oui. euh, de leur travail parce qu'ils ont refusé de se faire injecter. Bah, Strikey il avait lancé un il avait lancé un projet audio justement de faire un album avec des musiques autour de tout ça et il a il a reversé un, un peu plus de six mille euros euh, pour, euh, pour les soignants suspendus pour leur permettre de tenir le coup cool. à ce moment là. Et euh, vraiment, est, bah, je t'invite à, à aller découvrir sa chaîne, ça s'appelle ouais. En attendant le strike. Il okay. Et euh, bah, regarde, regarde le boulot qu'il a fait, à mon avis. Si, si cette vidéo Elle t'a plu, à mon avis, tu vas ouais, te taper allez, des allez, barres allez. de rire. <rire> elle, est, elle est très drôle, c'est génial. Franchement, c'est excellent, ça me fait trop marrer ce genre de truc, c'est trop bien. Euh, voilà, bah Il a travaillé avec Mosinor aussi un peu. Ils ont, ils ont ah, fait quelques vidéos ensemble. Pas. J'aime bien cet humour. Il, il, il y a un côté, il y a un côté rire et chanson euh, France profonde rurale que j'apprécie beaucoup. Tu sais, il y a un côté un peu bigard que j'aime beaucoup en fait. Et euh... <laughs> il y a un côté de pardieu comme ça. On est sûr que ton live il saute. Il y a un côté, <laughs> il y a un côté de pardieu qui me fait bien marrer. <laughs> non, vraiment Alors, génial. La petite vidéo que tu m'as montrée là, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est géniale. J'adore. <laughs> Bon, allez, je passe un super moment avec toi, Céleste. Tu sais quoi bah, euh, Je sais que t'es es frileux à partager ton numéro. Moi aussi, d'ailleurs, c'est une des preuves que... Euh... Parce que, comme je te connaissais plus que tu me connais, parce que toi tu avais des oui dire sur moi, tandis que moi j'ai beaucoup suivi ta chaîne. Euh, je me suis dit, vas-y, je lui envoie mon numéro perso direct, je peux lui faire confiance, tout ça. Donc, tu as, euh, as, as mon numéro perso. Après, moi, tu sais, je suis pas un ouf, hein, je vais pas t'harceler, euh, genre, hé euh, hey, Céleste, parle-moi, machin et tout. Je suis pas en manque d'affection, tout va bien. <laughs> Mais euh, euh, si, tu bien, si tu veux bien, tu m'enverras ton numéro. Sinon, j'essaierai de te recontacter par mail. Mais j'aimerais bien qu'un de ces quatre, ouais, on puisse euh, s'organiser un Repas ensemble. Et euh, oui, oui. Et euh, ben, avec plaisir. Non, un moment ensemble. Avec plaisir, sans aucun souci. Mec, c'est juste que je suis. Euh, je, je te dis, avec ce qui m'est arrivé, je suis devenu un peu. Pff, un peu parano. parano. Euh, ouais, slash, slash méfiant. Je te dis, mec, j'ai rien demandé. Je me rappellerai toujours, mec, je, je venais de publier une vidéo sur euh, YouTube. Donc, je, moi, j'étais tout content en mode Ah, cool, ma vidéo vient de sortir. Allez, je vais aller me coucher maintenant. Et je, au dernier moment, je vais voir mes mails en mode, tiens, avant d'aller me coucher, je vais voir euh, si j'ai un mail ou pas. Et là, je vois un abonné, ah, dans ta dernière vidéo, j'ai réussi à t'identifier, à voir où t'habites. Et en fait, ça m'a tellement fait une douche froide. C'est-à-dire qu'en fait, je te jure qu'après, mec, ce sentiment d'aller te coucher en te disant, putain, il y a un mec qui sait où je suis. Euh, <laughs> en fait, mec, c'est tellement un sentiment, mais désagréable que depuis… Mon... Ah, mais, mais mon numéro… Euh, oui, c'est vrai que je ne te l'ai pas donné, mais, mais je ne l'ai pas non, non plus donné à Bjorn, par exemple. Bjorn, en fait, Bjorn, donc Bjorn, c'est le, le, le responsable de la chaîne Vivre sans argent et mmh. anciennement ma ferme autonome. Je peux te dire comment notre rencontre s'est passée, ce n'est pas un secret. En fait, il a sorti une vidéo il y a 4-5 mois où, dedans, euh, à un moment donné, il y, a un, il y a un petit clash qui est fait envers moi. En fait, il, il a sorti une vidéo sur sa chaîne. Oui, alors euh, machin. Il y a des youtubeurs qui, qui, machin. Bon, bref, je sais plus de quoi il parle. Puis à un moment donné, il utilise des images de moi et dessus, ce qu'il raconte avec la voix off, on a l'impression que je suis un connard euh, euh, qui, qui, qui le démonte ou je sais pas quoi. Et en fait, moi, je lui ai écrit en privé. Je lui ai dit "Mais mec, attends, euh, là dans ta vidéo, tu me fais passer pourquoi euh Et en fait, il a, il a conscientisé qu il, que c'était un peu faux ce qu'il avait fait. Du coup, il a supprimé le passage, alors que sa vidéo était déjà en ligne. Il a supprimé le passage. Il a fait un petit commentaire épinglé pour dire, oui, bon, en fait, à ce moment-là, j'ai euh, oublié Céleste, il n'a aucun rapport avec l'histoire, machin soulevé. Et en fait, c'est comme ça qu'on est rentré en contact. Donc, il m'a dit, bon, bah Céleste, le mieux c'est que tu m'écrives. Il m'a donné son numéro. Et moi, j'étais comme méfiant. J'étais là, genre, non, 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 mais mec, je ne te donne pas mon numéro. En gros, appelle-moi, machin. Mais non, parce qu'en fait, après, je sais très bien que tu vas que tu donnes ton numéro. Mec, tu le donnes, euh, il est libre. Après, n'importe qui peut l'avoir. Après, tu te fais. Euh... Ouais, ouais, je comprends, il n'y a pas de souci. Et, et du coup, moi, de, depuis, c'est vrai que j'ai gardé une sorte de truc, genre non, mon numéro, je le donne à personne. Ah ouais, euh... je suis pareil que toi. Hein. Il y a très peu de gens qui ont, qui ont même des gens que j'ai rencontrés, hein, ils ont pas. Il y en a qui n'ont pas mon numéro perso et voilà euh, et ouais, c'est pas c'est pas genre que je leur fais pas confiance pas du tout mais il euh, y a le numéro de la libre antenne qui est le numéro public où les gens peuvent m'envoyer des, des SMS tout ça et j'avoue que de toute façon il y en a tellement que j'arrive pas à répondre à tout puis après, il y a mon numéro perso. Mon numéro perso, je ne le donne pas comme ça. J'attends vraiment de bien connaître les gens et de savoir que ce ne pas des gens qui, toutes les cinq minutes, au, au moindre questionnement, au moindre truc, qui vont euh, me spammer de SMS ou, euh, ou m'appeler pendant les directs. Je fais, je fais. En plus, Mais... comme je fais les directs avec mon téléphone, ah, je ne peux pas euh, de recevoir un appel pendant un direct. Mec, là, tu viens de décrire mon quotidien. C'est exactement ça. Moi, moi c'est ce qui m'arrive. Une fois, il n'y a pas longtemps, là. Enfin, si, il y a, y, a y a un an. C'est ce qui s'est passé. En fait, je faisais des courses. Il euh, y a un abonné qui m'a reconnu. Ah, oh, Céleste Bunker, il, il avait l'air très sympa. Hein. Donc, ah, mais machin, t'habites dans le coin et tout. Donc, on parle comme ça sur le parking, quoi. Et puis, euh, de fil en aiguille, ah, machin, bah attends, viens, donne-moi ton hume, À l'occasion, on va se boire un coup. Et moi, j'étais un peu pris de court. Je j'étais, ouais, ok. Alors, tu je lui donne mon hume. Puis, cinq minutes après, je me dis, putain, je donne quand même mon numéro euh, un peu facilement et tout. Euh, bon, bref, j'y pense plus. Et c'est exactement ce que tu viens de décrire. Après, à chaque fois que je fais un live, euh, j'ai un SMS de ⁇ Ah, tu es en live, machin, Ah, Salin, Ah, je, euh, je peux intervenir ⁇ tu sais, En fait, il se permet de passer par la, la, la porte bis parce qu'il a eu un semblant de proximité avec toi. Et en fait, moi, depuis, je me dis ⁇ Non, c'est bon, mon numéro, j'arrête de le filer. Euh, ⁇ Mais là, par exemple, un gars comme toi, là, on vient de faire un live, je, je, je tâte à peu près l'atmosphère, je vois l'ambiance, je me dis ⁇ Oui, bon, bah, c'est bon, tu vois il y a comme une confiance qui s'installe. ⁇ mais euh, mec ça s'est tellement barré. Loin. Mais même avec des amis proches, je me suis embrouillé avec une pote, une pote avec qui je suis très proche. J'étais très proche, mais vraiment proche proche. Euh, genre donc, elle avait mon numéro et machin. On s'est embrouillé pour X raison. J'ai pas les détails, mais on s'est embrouillé. Et en fait, le premier truc qu'elle m'a dit lorsqu'on s'est embrouillé, c'est bah, j'ai ton numéro, je vais le faire fuiter. Tu vois, genre c'était son levier de menace c'est genre ouais, euh, bah, tant, tant pis et, tu vois, et moi en fait depuis ce jour je me dis non mais c'est bon, en fait tu t'aperçois p... je, je veux pas du tout être dans l'optique on fait confiance à personne le monde est pourri, non non je, je suis pas du tout là dedans moi, moi au contraire c'est je fais confiance et, euh, et vive l'amour la, la, entre les gens mais c'est juste que je, je mets comme une, un vigile à l'entrée quoi je mets un vigile à l'entrée, il filtre, s'il estime que c'est bon c'est bon et s'il estime que ça pue un peu du cul voilà et après bon voilà c'est un peu du mais faciès au euh, une fois encore ça a fait le ménage hein, parce que euh, si tu avais quelqu'un dans ton dans ton entourage qui est capable de ce genre de comportement genre euh, ah ben j'ai ton numéro perso je vais l'utiliser comme pression euh, pour, euh, pour le faire fuiter tout ça c'est euh... mais bon, même moi, même je, des, des de YouTubeurs ce, ce genre de gens dans, dans mon entourage en tout cas mais oui oui je suis d'accord avec toi mais moi j'ai été surpris par même des YouTubeurs euh... Que, que, enfin pas, pas connu mais euh, des amis quoi tu tu c'est un ami et puis le lendemain c'est plus ton ami et euh, mon gars ça se barre trop vite en couille l'ego hein qui intervient là dedans uniquement l'ego mec c'est hmm. mais euh, alors là tu viens de dire le mot en trois lettres qui résume l'humanité hein. l'ego c'est le le truc à régler chez les gens euh... Moi, moi, je peux mais après, dire... moi, ça ne fait, pas... fait pas partie de mon logiciel, ces trucs-là, tu vois. Je... Il y a des gens qui m'ont fait des coups de crasse sur les réseaux sociaux, sur qui j'avais des dossiers, tout ça, mais jamais j'ai voulu rentrer dans ces histoires de... Ils appellent ça le YouTube Game, tu vois. Genre de m'en prendre à un mec et puis faire un live de une heure, enfin un direct de une heure sur sa face où je vais, je vais essayer de le destroy et tout. J'aurais pu le faire tellement maintes et maintes fois, je ne l'ai jamais fait, ça fait vraiment pas partie de mon logiciel. Mec, je suis comme toi. Sauf que je t'explique un truc. Enfin, je t'explique non, pardon. Je ne sais pas que je t'explique, mais je, je vais te dire euh, ce que je pense. Je me rends compte que souvent ceux qui craignent cela, ceux qui craignent qu'on fasse un live sur leur gueule ou qu'on divulgue, en fait, c'est que eux ont tellement de leur esprit noir et pourri par ça que eux le feront. Donc en fait, quand 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 ils, vu que eux ils seraient du style à te planter un couteau dans le dos, ils partent du principe que toi aussi. Ah bah, et, et enfin moi je me rappelle d'une de youtubeuse mais mec elle m'a fait ces crasses de, de bâtards bâtard et j'aurais pu comme toi là tu dis faire un live et l'atomiser enfin en une seconde elle n'existe plus quoi mais je le fais pas parce que c'est pas dans mon disque dur c'est pas mon éducation c'est pas pas comme ça que je vois les choses mais elle a tellement peur que je fasse ça que j'ai l'impression qu'elle qu a essayé de prendre le, la moindre info qu'elle avait sur moi pour pouvoir s'en servir comme bouclier en mode ah oui tu dis ça mais moi j'ai ça ce qu'en fait ça marche pas bah, j'ai que... le même de mon côté je me suis euh, récemment j'ai eu un j'ai eu un différent avec euh, avec un gars avec qui je faisais euh, parfois des directs aussi et puis euh, bon ben bah, à partir d'un moment il s'est mis à partir dans les insultes de tous les noms sur ses directs en me nommant directement tu vois et puis euh, bah, comment dire j'aurais eu tout hein, pour pouvoir euh, rentrer dans, dans son jeu mais non j'ai pas envie de ça et puis en plus c'est ne pas... je suis pas là sur les réseaux sociaux pour ça pour partir dans ces trucs là ça m'intéresse absolument pas donc en fait je, je me laisse je me laisse comment dire parfois ça touche hein, parfois avant en fait si tu veux quand il y avait un mec qui m'attaquait je faisais l'erreur de répondre et je, je me suis ouais. rendu compte que je faisais vivre le truc ouais. et, euh, et, et ça me demandait euh, comment dire ça de répondre ça me demandait de l'énergie, mais quelque part, je cédais à la force. Aujourd'hui, mmh. ça me demande beaucoup plus de force de ne pas répondre, mais au moins, je ne gaspille pas d'énergie à répondre. Tu vois, c'est exactement ça. Est-ce que je peux te donner une astuce de, de ce que je fais, moi, euh, quand j'ai un commentaire négatif qui me touche, qui me blesse euh, Alors, je ne sais pas c'est quoi ton astuce, mais moi, en fait, je le dégage immédiatement. Voilà. <laughs> Quand, quand un mec marque un commentaire qui me touche, du style, euh, ouais, machin, j'aime pas, et en plus tu dis si, en fait, tu sais que je sens que je suis quand blessé. C'est constructif. Quand c'est pas constructif, voilà, que c'est juste blessant. Ouais, même quand c'est constructif, même quand, le mec <laughs> a un peu, même quand le mec a un peu raison, et justement, c'est parce qu'il a raison que ça me touche, <laughs> en fait, ce que je fais, c'est que je lui réponds. Je lui réponds un élan pavé, euh, et puis si je dois insulter, j'insulte. Hein. Je, je vide mon sac, je lui écris, j'envoie le message. J'attends une petite minute, tu sais, je me dis peut-être qu'il reçoit la notification, euh, Bunker Sauvage vous a répondu ou je sais pas quoi, et après je supprime tout. Et mec, c'est, je sais pas si c'est considéré comme de l'héroïsme ou de la lâcheté, mais je juste, parce que ça se trouve, il verra jamais ma réponse vu que je la supprime une, une, euh, fin, une minute après. Il et aura moi, la frustration d'avoir reçu la notif et de ne pas pouvoir lire la réponse, en fait. <laughs> peut-être, peut-être, ou ça se trouve, il ne la verra pas. Je ne sais pas s'il est au boulot et que le mec a autre chose à foutre que de traîner sur le dupe. Mais putain, en fait, moi, j'ai l'impression que j'ai vidé mon sac et du coup, que je l'ai quand même dit ce que je voulais dire. Je peux te donner un exemple tout con. Genre, euh, euh, des fois, j'en ai marre quand on me dit dans mes vidéos euh, Ah oui, tu prétends randonner comme au 19e siècle mais tu utilises un smartphone, mais tu es bien content d'avoir Internet, tu utilises un drone, tu vois, c'est le truc que j'entends le plus souvent. Du coup, quand tu en as deux, trois, tu dis, bon allez, ça dégage, ça je supprime, ça, ça dégage, ça. Puis à un moment donné, au bout du dixième, tu dis, bon tant pis, lui il va payer pour tous les autres. Donc là, tu lui réponds, ferme ta gueule, ça C'est etc. Limite, il va comme un bourrin, j'envoie, je vide mon sac en fait, vraiment. Et après, je fais un clic droit supprimer. Et vu que j'ai quand même eu cette étape de vidage de sac. Ah putain, je me sens bien après. Bon bref, voilà, c'était ma petite astuce de YouTube. Ah, moi, je ne bon, fais, je... fais pas ça. J'insulte pas. Je... En général, justement, je trouve qu'il y a des manières tellement classe de, de manquer de respect sans rentrer dans l'insulte. Et moi, c'est un petit peu ce, ce truc-là que j'utilise. T'as je... je... raison, mais moi, je ne suis pas un sage. Moi, à un moment donné, je... <laughs> c'est toi qui a raison. Ça mais... viendra, ça viendra, ça viendra. Non, 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 mais <laughs> y a un... moi, il y a un moment donné. Euh... Moi, non. Non, non. Moi, il y a un moment donné, je suis pour le côté... Euh... Euh maître et élève quoi c'est tu sais, le maître qui vient mettre une petite claque à l'élève donc à un moment donné tu, tu peux tu peux accepter des erreurs mais quand l'autre il vient trop dé... euh, grappiller de ton je sais pas comment dire quand quand il devient vraiment insultant Vampiré, en fait j'en ai marre de ouais. j'en ai marre de ce truc de non je suis au-dessus de ça euh, c'est bon machin non moi à un moment donné c'est ah ouais t'as voulu jouer au petit con tu sais je rentre un peu dedans et après ça dégage quoi mais j'ai encore un peu du mal à, à trop garder ce petit euh... En fait, cette phrase du euh, ⁇ T'es au-dessus, céleste, te laisse pas affecter par ça, oh, mais réponds pas toujours aux haters et tout ⁇ ah, des fois, mon gars, ça fait tellement du bien de faire un gros clash. Ah, ⁇ ouais, Je te comprends, je te comprends, je et te tu comprends. Dis, mais, euh... Euh, moi, j'en suis à ce stade où j'arrive à manquer de respect sans, la... sans le moindre gros mot, sans la moindre insulte, okay, tu okay. vois. Je, je... <laughs> je, 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 je trouve ah, ça mais beaucoup plus subtil, tu vois. Ouais, mais je... Alors, tu as totalement raison. Ça viendra, ça viendra. Non, 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 mais tu, tu as totalement raison. Mais putain, moi, il y, y a une double voix dans ma tête qui me dit oui, mais en même temps, si ces gens-là, on ne leur rentre pas dedans, à un moment donné, ils évolueront jamais. C'est comme un cas. Tu peux gamin. leur rentrer dedans, tu peux leur rentrer dedans sans, euh, sans le moindre mot, genre euh, va te faire enculer ou machin et tout. Tu peux vraiment. Je, tu je, sais, pas, y a... je suis pas d'accord, mec. Je suis pas d'accord parce que vu qu'il a un niveau de QI bas, ce raisonnement que tu as, c'est déjà mais un ça niveau va le intelligent. Déstabiliser encore plus. Mais non, parce qu'en fait, c'est déjà une logique qu'il n'a pas... Donc moi, en fait, entre guillemets, c'est comme si je descendais dans la basse cour, je me mets à son niveau intellectuel de, de, de quéquette pour ensuite me dire « Allez, dégage !» Je... Mais après, c'est mon ego. Encore une fois, c'est l'ego. Mais non, moi, j'ai du déjà mal. Fait, à as déjà fait, as déjà fait cette expérience de, euh, par exemple, quelqu'un te te, par, te parle super mal et tu lui réponds avec, euh, tu lui réponds avec le plus grand calme sans être déstabilisé. Alors lui, qui est persuadé qu'il va te déstabiliser en te parlant mal, en t'insultant, en essayant de te faire peur, tu vois, tu lui réponds avec le plus grand calme. Et puis finalement, c'est lui qui est déstabilisé. Euh, ouais. La dernière fois que j'ai vécu ça, c'est moi qui étais comme un con. C'était il y a à peine deux jours. Il y a à peine deux jours, j'ai eu, euh, eu ma copine au téléphone et euh, j'essayais de lui dire un truc et elle ne comprenait pas et ça m'a agacé. Et à un moment, je me suis mis à lui parler sèchement et en fait, euh, elle m'a répondu euh, avec énormément de gentillesse et je me suis trouvé complètement déstabilisé parce que le fait de lui parler sèchement comme ça, je pensais qu'elle allait me répondre avec de l'agressivité. Et en fait, euh, bah non, elle m'a répondu calmement et je me suis senti comme un con, tu vois. Oui, mais mec, je maintiens, c'est ce que je viens de dire avant, c'est parce que tu es intelligent. Parce que, parce que vu que tu es intelligent, tu as le niveau intellectuel pour comprendre que d'un coup tu t'es senti con, de t'être énervé, alors qu'elle elle est dans une sorte de, de, de passivité, de calme. Mais le, le, le gogol qui vient t'attaquer, il ne comprend pas. Donc c'est de, de faire genre, ah, je lui réponds pas, ça lui donnera une bonne leçon. Mais non, ça ne donne, ça lui donnera pas une bonne leçon, parce qu'il n'y a que toi qui, 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 qui a ce point de vue, en fait. Lui, il est persuadé d'avoir gagné sa guerre. Euh, qui t'a touché. Donc moi, en fait, ce que j'essaie de le dire, c'est que des fois, ça me plaît de me mettre à son niveau, d'aller au combat virtuel, évidemment. <laughs> On reste des lâches avant tout. Non, mais d'aller dans, dans ce truc où, ah, tu veux jouer au con, tu descends, tu utilises ta faculté mentale pour le plier en deux secondes, t'sais, tu sais, tu sors tes arguments, machin, mais non, là, tu dis de la merde, machin, blablabla, et après, tu dégages. C'est-à-dire que tu n'attends pas son blabla, parce que ça serait comme converser avec un sourd. Tu sais que tu perds du temps d'avance, mais on va dire que je n'arrive pas à laisser l'eau couler. Moi, il y a un moment donné, s'il me touche trop, je viens lui mettre des taloches avant ensuite de laisser l'eau couler. Mais il y a quand même, j'ai un besoin d'éducation où je me dis, non, attends, tu mérites quand même une petite claque. Et ensuite, voilà, j'en peux plus de ce truc de... Essaye, je dis essaie, ça, essaie que... le Tu vois, par exemple, quand un mec, il, te, il te descend comme ça, tu le renvoies à ses termes. Et tu lui dis en gros que euh, ben, on regarde souvent les choses à l'aune de ce que l'on est. Et si tu me vois de telle façon, en fait, ce n'est que le reflet de ta médiocrité qui devient insupportable pour toi, tu oui. vois. Quand tu balances des trucs comme ça, en général, les gens, ils sont t'sais, 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 en face, moi je mais sens euh, derrière je suis une, une Je suis d'accord avec toi, mais mec, si, si comprend cette phrase-là que tu viens de dire, <laughs> c'est qu'il est déjà intelligent et du coup, il n'aurait il aurait déjà pas posté son commentaire. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que moi, si déjà il, a, il, a, il est dans la phase où il a commenté son truc, c'est déjà qu'il est, est enfermé dans une merde. Et voilà, mais je sais très bien que je n'ai pas raison. Je, je suis d'accord avec toi que le mieux, c'est de euh, laisser euh, couler. Mais je sais pas, j'ai un côté, moi, cherche merde, qui a besoin de... Ah, as voulu me clasher. Bon, alors attends, mon gars, tu viens jouer dans la cour des grands. Boum. Et c'est vrai que moi, oui. j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec le... J'ai du mal avec le. Alors attention, je n'ai pas du mal avec le commentaire négatif ou, le, ou, ou les gens qui mettent un commentaire constructif. Non, non, si ça a de la valeur, je, je, je prends. Mais je parle vraiment de ceux qui viennent euh, où je vois de la jalousie immédiate, où je vois que c'est juste mmh. un truc de haineux, jaloux, euh, de l'ego, ou aussi d'un mouton. Hein. On reparlait des vaccinés tout à l'heure. Qu Quand le mec me sort, tiens, je te donne un exemple, ma vidéo de l'émeule. Donc j'ai filmé un émeu sur TikTok. Pas vu, ouais. ouais. Donc, bref, non, c'est une autruche. et en gros à la fin un million de vues. Tous les commentaires qui disaient ouais moi l'émeu euh, je le mets à la casserole euh, ça, ça a bon goût l'émeu. Mais tu vois pour moi je, 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 je généralise mais je m'en bats les couilles au bout d'un moment la, la vie est faite de généralité. C'est ça en dit tellement long sur la personne. C'est-à-dire que je fais une vidéo où je raconte une histoire qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais je raconte un truc, si la, si la personne, le premier commentaire qui lui vient en tête, c'est oh, « Est-ce que ça a bon goût l'émeu ?» Enfin, tu vois, <laughs> ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je, je sais déjà où il en est dans son niveau et spirituel et intellectuel. Je sais déjà que je perds du temps à essayer de converser avec ce genre. C'est exactement comme avec les gauchos ou les féministes. Je sais d'avance que c'est de la perte de temps. Mais... J'en tolère un, deux, trois, cinq, dix, mais peut-être le onzième, bon, ben, il prendra pour les autres, parce qu'à un moment donné, je ne suis pas non plus un surhomme, je ne suis pas un sage, et il y a un moment donné, euh, je ne sais pas, quand on vient trop titiller, tu dis, bon, attends, je descends dans la foule, foute quelques claques, tu sais, ça fait du bien un peu. Oui, mais je comprends, je comprends ce, ce truc de libérer la frustration, ça fait ouais, du bien. J'avoue, <laughs> je avait, me... euh... Il y avait un commentaire de, de Zia dans le Clavardier qui disait, euh, Laikido Démo, ouais, moi j'aurais plusieurs plus à ce stade-là, Laikido ouais, Démo, tu vois, où je vais essayer justement de, de frustrer mon interlocuteur, euh, de lui manquer de respect, mais sans le moindre gros mot, sans la moindre insulte. Il y avait Mano68 aussi dans les commentaires sur des lives qui disait Elle gère bien sa frustration. Alors, finalement, je pense que tu parlais de ma loulouve. Euh, ouais, elle gère bien les frustrations, ma loulouve. Elle est beaucoup plus énergique et nerveuse que moi. On va dire que dans le couple, je suis un peu plus celui qui incarne le, le calme et le, le côté posé. Mais elle, c'est une grande sportive. Hein. Elle, est, elle est à fond dans le fitness. Elle est, c'est une ancienne prof de judo. Donc ouais, elle, elle est, elle est très sportive. Elle est très dans la compétition. Elle est très énergique. Et oui, dans le couple, je suis celui qui qui a plus le côté le côté calme et posé. Et elle, elle est très très explosive. Par contre, c'est vrai qu'elle gère très bien les frustrations. Euh, un autre commentaire que j'avais vu c'est Belz442 qui dit oui mais là vous discutez entre vous en fait, bah ben ouais tout à fait c'était le, le principe du direct de ce soir. Je sais que c'est un format auquel vous n'êtes pas habitué, mais c'est euh, une conversation entre, euh, entre Céleste et moi. Et, euh, et oui, je lui ai, quand on était en off tout à l'heure, je lui ai dit, bah, écoute, vois ça comme si on était euh, accoudés au même bar ensemble et qu'on était en train de discuter. Et c'est vraiment, en tout cas, la forme que j'avais envie de donner au, au direct de ce soir. Et je suis très heureux que vous le constatiez. Euh, ben Céleste, ça fait plus de trois heures qu'on est en direct maintenant. Je ne vais pas te retenir plus longtemps. Je, je te remercie encore mille fois de, de m'avoir accordé ce, ce, cette conversation ensemble. C'était vraiment super génial. Tu as mon numéro. Si tu veux bien, tu, tu m'envoies un SMS, tu, tu m'envoies le tien. Je te, je te contacterai. Ben, Uniquement quand il sera possible de, de te faire une proposition, certainement de rencontre pour qu'on aille se bouffer un resto ensemble et puis, euh, et puis se rencontrer de visu et puis euh, discuter encore, euh, ben, euh, peut-être de la même manière que ce qu'on a fait ce soir. Je te remercie, je te fais un gros bisou, gros bisou à Charlotte aussi, vous avez un gros bisou de ma louve et de toute la meute. Et merci. Puis, euh, bah, je, te laisse, je te laisse le dernier mot. Ça marche, ben, merci à vous d'avoir suivi ce live en replay, j'espère que malgré sa longueur, il vous aura plu. Merci, Lou, de, de nous avoir interviewé, enfin, questionné, prêté la parole. Et, euh, et en tout cas, je vais, euh, on va rentrer en contact euh, par mail. Enfin, on va, on va garder contact, je veux dire. Et, euh, et encore merci à vous tous pour euh, votre participation. Et, et merci encore, Lou. Ça marche, il a pas de souci. Et merci aussi à toi d'avoir fait euh, la, la, la promo de cette rencontre sur tes réseaux parce que c'est vrai que c'est souvent moi qui fais euh, des. Euh, bah, je partage des, des petites chaînes qui démarrent, des gens qui essayent de se lancer, tout ça. Et c'est très rare que, euh, que des gens avec autant d'abonnés que toi et, euh, et autant d'humilité et puis euh, décident de, de partager ma chaîne. Donc euh, merci beaucoup, ça fait plaisir en tout cas. Avec plaisir. Et, euh, merci à toi. Bah, je te souhaite une bonne soirée. Une fois encore, gros bisous à toi, gros bisous à Charlotte et puis à bientôt, j'espère. Ciao, ciao. Allez, ciao, merci Céleste. Et ah, puis moi j'ai oublié de vous le dire, on se retrouve euh, ben, demain soir sur des lives, demain soir 21h pour la libre antenne. Allez, gros bisous à tous, ciao et puis à demain soir 21h.